Donnez le train d'arrêt, merci beaucoup. J'ai mis ce morceau, bien sûr. Ça va, le Québec. Hein. Qui parle bien de Paris. Hein. Ah là 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 là, vrais blancs font vraies choses. Hein. Moi, c'est ça que je retiendrai. Non? Allô? Oh! Oui, Raz. Ah allô oui! Oh là là, non, ça va. Faudra qu'on mette le, dans la soundbox vrais blancs font vraies choses. Oui. Important. Évidemment. Ça va, les gens? Allô? Eh oui. Connexion Montréal. Montréal-Paris, t'entends? Ah ouais, nous, on a des connexions au Québec, mais elles sont pas toutes incroyables. Ah bah c'est à gauche la connexion quoi. Ah voilà, voilà à gauche bon. Roger en vrai. C'est avec ce qu'on a quoi. Ah ouais. Tu viens de croiser où ça m'a marre. Tu as croisé où? T'es à Dubaï? T'es à Dubaï? Bizarre. T'es en Normandie? Peut-être ils merci sont pas là. Malnia. C'est une catastrophe. Magnadio. Pourquoi je rajoutais un L? Je devenais fou. À Annecy. Ok. Le niveau 4, et oui, donc Radio Libre, là, ce soir, préparez-vous, vous allez venir nous insulter. Ouais, ouais. Bon, au début, on s'est dit, on va regarder Pierre Carl, et après, on s'est dit, oh, on ouais, dort ça un nous peu. A saoulé d'avance. En fait, on a envie d'être malveillant avec vous. Dès que vous êtes relou, on s'en va, par contre. Ouais, par contre, ouais, il y aura pas le droit de se vexer, hein. C'est-à-dire que si vous venez pour moins ointer, en mode, ah, je traverse une phase de dépression compliquée, machin, je raccroche, je m'en vais. Tant pis. Tu sais, les frères, depuis Medellin, où j'ai croisé absolument personne. Ah ouais? T'es vraiment à Medellin là? Stylé après. Est-ce oula que tu as vu des cartels de drogue? C'est le gars qui oui, que ça de est-ce que tu prends de la cocaïne? Oui, est-ce qu'il y avait des narcos traficantes? Des traficantes de en la direct du cartel de Medellin. De Medellin. Voilà, c'est tout ça. En vrai gros, c'est vraiment un peu tout ce que je connais pour de vrai du pays. C'est horrible hein. Non, il y a ça et apparemment, ils mangent beaucoup de légumes. Ah bon? Oh bah, Cassandre, il m'a dit ça.
On est entre mourir pour aller bouffer des légumes. Non, mais c'est quoi ça? Après, ils ont de la viande aussi, apparemment. Ouais, mais attends, tu vas au Japon, tu manges que de la viande et personne va te tirer dessus. Le choix est vite fait. Hein. Merci, Tony Messia. Et le foot? Je sais pas, je connais rien. Je connais rien du tout. Hein. Raz, va pisser maintenant et s'il te plaît, tu ralentis le stream. Attends bien, du coup. Va pisser à un moment où ça va l'énerver. Ouais, du coup, ouais. J'ai pas envie de pisser surtout là, donc mais je bois une Monster, donc je vais avoir envie de pisser à un moment, c'est sûr et certain, quoi. Ah, t'as mis ton ancien merci, écran Martimos. Sur lequel c'est tagué, en fou. Ouais, il y est depuis 3 semaines, ouais. Et bah, je viens de le voir. Non, mais d'accord, ouais. Mais c'est tu le vois, parce que t'as vu, j'ai mis des lumières attends, d'ailleurs. Au-dessus de mes bibliothèques, ah, c'est pour voilà. Ça que tu le vois mieux qu'avant. Parce qu'avant, c'était comme ça. Du coup, c'était cuck. Alors que maintenant, hein, des lumières, oh. Voilà. Voilà. Toi aussi, tu flexes en changeant avec les petites touches. Merci d'Arcanin Sucre. Merci beaucoup, les gens. Merci de soutenir. Continuez, n'est-ce pas? Installez-vous. On va bien. Guirlande à la con, hein, vraiment. De toute façon, il n'y a rien. Vous êtes dans la merde. Il n'y a rien, ouais. En fait, je me dis, quand il n'y a rien, pourquoi on stream? Mais en même temps, je me dis, c'est bien de streamer quand il n'y a rien parce que vous êtes obligé d'aller sur Twitch parce qu'il n'y a rien. Bah ouais, c'est ça. Il n'y a vous rien à faire. Vous êtes dans le petit Squeezie, le petit machin. C'est ça, c'est bien. Ça. Vous êtes juste dans la sauce, quoi. Et ah ouais, les gens, semaine pro, peut-être un peu bizarre, on va peut-être stream demain. Ça dépend. C'est pas clair pas la encore. Semaine qui arrive, les gens, clair, globalement. C'est horrible. Et on streamera pas dimanche et lundi prochain. Parce qu'on sera avec Wissam à Europa Park. Mais ouais. Vous inquiétez pas, on va essayer de capturer des souvenirs pour amener ça sur YouTube. Donc ça va être du plaisir, normalement. Vous aurez le plaisir, mais en décalage. Ça. Merci Tartampion. 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 Vous avez rien MC Jean Gabin, non, mais je l'ai vu la bah vidéo. Voilà. Après, MC Jean Gabin, on a réussi à trouver un Raz pire que Raz. Hein. Oui, réel. Après, réel. Il, après Booba, il a raison surtout. Ah ouais, même il a raison Booba, surtout autant sur Booba que sur les gens qui copient les risques. Oh, j'ai trouvé dur ça avec Shai. Un peu dur avec, voilà. Un peu dur avec Shai. Oui, mais après il est trop misogyne, c'est genre lui vraiment. Après fou. Aussi, ils lui ont montré que les pires meufs, gros. Ils auraient oui. Pu lui mettre un morceau de Meryl, après il serait plein de l'autotune, cela dit. Oui, de fou, de fou. Merci, Wirtur. Avec les meufs, oui. Après, c'est la foutre à Combini aussi, hein. Oui, ils montent des trucs de D de la D, quoi. Vous y allez en dimanche? Oh oh. Bah, c'est le jour où il y a le moins de monde. Et oui. Oui. Dimanche et lundi, on y va. Oui. Vous allez rendre l'Alsace. On va faire ce qu'on veut. Déjà, on va être au milieu des Allemands, ça va être assez compliqué, quoi. Ah ouais, oh là là. Déjà, ils m'ont envoyé la facture, là. Et l'adresse, au lieu d'écrire France, ils ont écrit Frankkampf. Non, Frankreich. Je savais pas qu'on disait Reich pour dire le royaume de France. Frankreich. Frankreich. Kartoffelsalat, ya ya, Currywurst. Ah, ça m'a fait bader de voir ça. Frankreich. Europa Park, commission. Non, Europa Park, c'est le truc, je pense, le plus sympa d'Europe. Ah, par contre, les blagues de gauche. Oh. En fait, vous pouvez pas être heureux. C'est à ça que je vois que vous pouvez pas être heureux. C'est quoi la blague de gauche? Je l'ai pas vue. Non, mais c'est tout de suite, commission. Tu sais, t'es Europa Park. Tu penses commission européenne, capitalisme. Parc d'attraction. Train de la hype à 72% 40 secondes. Ah oui, non, non, je vous adore le chat. Continuez de nous soutenir, ça fait trop plaisir. Waouh, t'étais convaincu, pas du tout. Bah, mais si, qu'est-ce qui te fait douter de mon intégrité? Je suis en vacances, Nico Vomer, les profs, vous êtes en vacances là. D'où t'es en vacances le 11 juin, c'est quoi ça? Bah, putain, vous travaillez jamais en fait. Parce que c'est le moment où les gens ils passent des cassettes là. Ça, vous mettez des vidéos. Merci, hein. Merci Théolonew, merci pour les 1000 bits. Là, c'est soit ils vont à l'école et ils regardent le cercle des poètes disparus, soit ils restent chez eux. Hein. Donc moi, je les comprends. Hein. Restez chez vous. Hein. Bah ouais. J'aime bien le gars de droite. Il est drôle. C'est qui? Mais attends. Le gars de droite, c'est moi le gars de droite. Mais le gars à droite, tu veux dire? Je comprends rien à son message. Mais c'est moi le gars de droite qui est à droite. Bah oui. Mais je suis à droite de l'image. Non? Bah oui, surtout il est déjà venu sur le stream, pourquoi il sait pas? Mais il fait une blague, je pense. C'est juste que t'es focus là-dessus sans raison. Oui, c'était pas si intéressant, je suis d'accord avec toi. Ouais, on est de droite, de toute façon on est jamais allé sur la chaîne d'à gauche nous, donc c'est sûr qu'on est de droite. Hein. Ouais, on n'est pas invité. Il t'a invité. Oui, il nous a invité, mais c'était chiant à faire. Sa casquette cachée. Radio Libre, j'ai passé en tant que prof. Voilà, venez.
Non, mais on veut des malveillants. Soit on veut de la malveillance. Dès que vous êtes chiant, par contre, venez pas en mode alors moi, en tant que prof, vous m'avez fait me remettre en cause. Non, mais on dira bien. Essayez d'être gentil avec les élèves, machin. Venez pas être des moins moins teurs. Ah oui, venez dire qu'on est des forceurs ou je sais pas, embrouillez-nous quoi, mais pas ça quoi. Ah ouais, ouais. Vous avez été cité par la gauche. On ah est bon souvent cité dans plusieurs questions. C'est vrai, on est cité nous. Est-ce que vous avez taillé oui, le butin de guerre. On va en parler du butin de guerre. Pas maintenant, Raz. Ne vous inquiétez pas. Annie et Raz sont-ils des butins de guerre, de guerre. Après, attends, juste ça alors, juste ça. Un petit coup. Danny et Raz sont-ils des butins de guerre? On l'a mis en Danny et Raz sont-ils des butins de guerre? Des butins de guerre. Danny et Raz sont-ils des butins de guerre? Des butins de guerre. Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Oh putain. J'ai l'impression d'être un objet bleu dans Diablo là. C'est genre le oui, truc du recyclage quoi. Camelot direct quoi. Des putains de guerre. Oh les bâtards. Des putains de guerre. La source de ce son. Ah, vous verrez. En tout cas, vous voulez la source du son 2 minutes 30 sinon on regarde pas. Ouais. C'est la pire. Live. Waouh, ce chantage est de pire en pire. C'est une catastrophe hein. Mais c'est méchant ce qu'a dit Oria. Bah. Ouais, je suis d'accord de fou. Je crois que Croblant avait raison. Hein. Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Danny et Raz sont-ils des butins de guerre? Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Vous êtes traité de putain de guerre. Oh, j'avoue, on dirait. C'est des putains de guerre. Oui, mais c'est des putains de guerre. Mais c'est ça qu'elle a dit. Dani, cache ton genou. Ah bah tiens, mon genou, tiens, regarde. Je vais même te mettre les deux genoux. Trop de rive sur moi. Dès que je mets un double genou. Ah, j'arrive pas. Ah, sur cette chaise, tu peux pas te mettre en mode L. On va voir tes couilles, ça va être incroyable. Death Note. On va pouvoir prendre des vacances. On est bien là ou pas? Putain, ça fait bizarre. J'ai l'impression d'avoir des. Tu sais, les massues des hommes préhistoriques. Des pilons de poulet, quoi. C'est vraiment la voix d'à gauche. Mais oui, vous avez vu ce Québécois? Dany et Raz sont-ils non, des c'est, butins c'est de guerre? C'est une voix IA qu'il a utilisée, non? Sont-ils des butins de guerre? Bah, ah oui, mais après, pour moi, les Québécois, ils ont toujours une voix d'IA un peu. Pour moi, ça peut pas être une vraie voix, c'est forcément un truc comme ça, quoi. Mais Jean Blanchard, ah oui, il va falloir aller bronzer à un moment. C'est grave d'être aussi blanc. On dirait, ça fait lever de la NUPES, regarde. Pas vraiment. C'est pas vraiment. Pas vraiment, mais je sais pas. Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Ah ouais, alors là, des petits butins de guerre. Et ce train de live, il est comment, Raz? Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Oh, c'est horrible. Hein. Assieds-vous correctement. Oh, mais laissez-moi en paix. Oh là là, laissez-nous tranquille un peu. Heureux. Moi, c'est ça que je vois. Il fait chaud. Il y a le cadre YouTube dans le fond. Oui, il fait chaud, c'est horrible. Il fait chaud. C'est ça qui me lasse. Moi, il a cassé sa clim en plus. C'est ce qui m'assassine. Genre. Je l'ai pas cassée, elle était cassée. De quoi il parle? Bah, tu l'as cassée, pour moi, c'est toi qui l'as cassée. J'ai décidé. Ah, elle marchait plus. Du coup, bah, racheter une clim à Raz, quoi. J'ai donné à Baxi, t'es pas à vous et je m'en veux. Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Voilà. Bah ouais. En vrai, ce train de hype c'est... là. Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Terrible. Hein. C'est ban. Pourquoi c'est ban? Qu'est-ce qui est ban? Ah oui, d'accord. Oui. Ah, je comprends pas le chat. Je vous trouve éclaté. Je sens que la radio libre va être une catastrophe. Je vous trouve éclaté un peu. Bah c'est bien. On va prendre du plaisir. Moi, ouais. Je sais pas, je le sens ce soir, je l'ai senti. Que... Ah, mais t'as ton anus qui t'a dit ça, écoute. Bah, tous les 6 mois, on a besoin de se rappeler que notre chat est le pire chat de France, en fait. C'est ça. Et d'être un peu déçu. Dès que je touche mon chômage, je vous donne de la thune. Ah, mais ça fait plaisir. Un chat de sais. Petit butin de guerre, bah, ça, pour être un chat de petit butin de guerre. Hein. Je vois pas ce que oui, vous pouvez être oui, d'autre. Hein. Oui, mais c'est des petits Quand butins de guerre. Comment tu fais pour les couper? Pourquoi pour couper les spam? Bah, tu. Mais ça marche oui, pas comme ça. Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Voilà. Tu relances quoi? Il se passe quoi, tabarnak là?
Je savais que ça te plairait, ça. Ah, les Québécois, vraiment, vous êtes conceptuels. En fait, pour moi, c'est un concept, être Québécois. Enfin, c'est un peu un truc... c'est bizarre, quoi. C'est vrai. Oh, d'ailleurs, il y a une radio québécoise qui nous a invité à une émission. Ah bon, mais faut qu'on aille au Québec ? Non, ils veulent faire à distance. Faut qu'on leur dise oui. Moi, j'ai... En fait, je veux qu'ils parlent et leur dire « Désolé, j'ai pas compris la question. » Ah ouais, c'est fou, faut qu'on fasse que ça. Attends, pardon, mais j'ai pas compris ce que tu dis. Ça me fait trop rire. Oh, je me souviendrai toujours, c'est qu'on avait maté le documentaire Netflix de Yacine Belous, qui n'est plus sur Netflix d'ailleurs, oui, c'est vrai. Sur l'humour à travers le monde. Et à un moment donné, il y a des Québécois à l'image et avec Kras, on comprend rien. On comprend rien à ce qu'ils disent. Oh, faudrait les sous-titrer. Oh, c'est horrible. Pourquoi il n'y a pas les sous-titres? On cherche les sous-titres, on fait peau, on se plaint. Et le premier truc que Yacine dit, il fait « Vous n'en avez pas marre des Français qui pensent qu'il faut vous sous-titrer ?» Et qu'est-ce que vous pensez de leur racisme et tout? Et nous, on a explosé de rire. Vous pouvez répéter en français? Ah oui, il faut trop leur dire ça. Dany et Raz sont-ils des butins de guerre? Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Oh, ça va être la seule blague ce soir. Je pense qu'on va faire le stream, ça va être que ça. Oui. Je pense que c'est le meilleur contenu possible auquel on pourrait arriver. C'est l'autisme. Selon ouais. Les analystes du web, il s'agirait là d'un symptôme typique des personnes atteintes d'autisme. Oh là. Bon, allez. On y va ou quoi? Petit butin de guerre, petit vu ou quoi? Petit butin de guerre, petit vu. Petit butin de guerre, mais c'est des petits butins de guerre. Oh, ça me fatigue déjà, c'est horrible. Bon, vous montre l'extrait des petits butins de guerre ou pas quand même, pour commencer? Oui, parce que c'est la même chose, mais on a... moi je trouve le cut et. Dany et Raz sont-ils des butins de guerre? C'est une œuvre d'art. Oui, mais. Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Tu me stream pas. Bah si. Ah, je regarde pas le stream. Remets. Est-ce que t'avais vraiment besoin Dany et Raz sont-ils des butins de guerre? Dany et Raz. Oui, mais. Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Oh. En plus, ce que j'adore, c'est qu'il a pas réussi à couper juste après. Oui, c'est des petits butins de guerre. Il a laissé le début d'une phrase, quoi. On sent qu'elle va dire au sens de et que ça va un peu nous défendre. Moi, c'est ce que j'essaie de me dire. Non, moi, pour moi, elle va nous insulter, ça, la ronde. Moi je pense qu'elle va dire que oui, mais le truc, c'est que de toute façon, on est déjà pas aimé à gauche, quoi. Bah oui, c'est des butins de guerre qui rapportent rien, au sens où ils nous rapportent rien parce qu'ils restent marginal, quoi. Voilà ce qu'elle va dire. C'est des butins de guerre, mais bon, qu'est-ce que je voudrais Usul qui parle d'elle devant François. C'est ça, c'est vraiment, t'as ouvert un random. C'est genre, tu sais, il y a les trucs qui gardent des armures dans Diablo, là, tu l'as ouvert et t'as eu une dague bleue. En tout cas, ça sort demain, et croyez, on va faire le react demain soir, de toute façon, on va être obligé de stream demain soir, parce que ça. Moi, je vais absolument réagir à ça, quoi. Bah oui. Teaser de gauche. Ah ouais, mais en fait, moi je trouve son idée du cut est bien, mais pourquoi il a laissé le début d'une phrase après? C'est ça que je comprends pas, que je trouve fascinant. C'est incompréhensible. Après, le teaser en mode haha, le clash sur Dany et Raz, c'est une très bonne idée, tu vois. Mais... Dany et Raz sont-ils des butins de guerre? Bon, allez, vas-y, c'est parti. Oui, mais c'est des butins de guerre. Oh non, non. Alors, le vu. Attention, allez, regardez. Une petite chanson, phono. C'est parti. 3, 4. Aux États-Unis, c'est putain de guerre. Pardon, non. Il n'y a même pas de rapport. Sois drôle. Mais je voulais que ça soit sur la musique, c'est tout. Comment on fait. La musique, c'est. Je te montre comment on fait, regarde. Voilà, je vais le mettre sur la musique. Aux États-Unis, c'est la première fois dans. Attends, je recommence. Attendez. Attendez. Attendez, merci, qui? C'est qui? Merci le foilier. Le foilier, merci beaucoup. Hein, alors, bienvenue sur la chaîne de... Dany et Raz sont-ils des butins de guerre? Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Gros oh, non. Non, j'ai cliqué sur putain, ça commence. Pardon. Arrête, t'es en train de les saouler, là. Ils viennent à peine d'arriver que... Oh. Bon, vas-y. 4. Alerte au Google,
Tu vois, là ça fonctionne. Là ça fonctionne. Non, pardon, mais... que pendant le vu, vas-y, on s'amuse non, avec la Soundbox. Voilà, on a le droit pendant le vu. Des règles. Pendant le vu, on voilà, s'autorise la Soundbox, les gens. Exactement. Allez, parce que sinon, on en a besoin, on en a besoin. États-Unis, c'est la première fois dans l'histoire qu'un ancien président est inculpé par la justice fédérale. Donald Trump est convoqué au tribunal mardi prochain, accusé notamment de rétention illégale de secrets d'État. Il lui est reproché d'avoir conservé des cartons de documents, dont certains classés secrets défense, après son départ de la Maison-Blanche. Parfois synonyme de casserole. Affaires. Les affaires. Plusieurs observateurs semblent confirmer que la contre-offensive ukrainienne a débuté alors que la destruction du barrage hydroélectrique de Takhovka a fait au moins 13 morts et obligé des milliers d'habitants de la région de Kherson. Non, le attention grenade, non. Non, pas maintenant. C'est malveillant. Tout ce qu'il fait à chaque fois, c'est avec de la haine, quoi. Vous le voyez tout le temps sur les réseaux, ce mec est malveillant. Allez, allez. Évacué. Allez, allez, allez. Cela allez, fait allez. 3 jours qu'ils vivent entourés par les eaux. Enfin évacués, ces habitants de Kherson pensent être sains et saufs. Attention, grenade. Un obus russe s'écrase à seulement quelques mètres de ce bateau. Oula. À Barcelone, les habitants ne veulent plus de touristes parce qu'ils disent, écoutez, il n'y a pas assez d'eau pour les touristes. L'eau, on se la garde. C'est pour les Barcelonais. On s'en bat les couilles de ton snap de merde. Va te faire enculer, Pauline. Ah, tu nous pètes les couilles. On arrête, c'est pas drôle. En fait, c'est le fait que ce soit pas drôle qui commence à m'exploser de rire. En fait, j'ai envie de mettre des trucs qui n'ont pas de sens. Ça va être long. Non, mais... Pff, vas-y, c'est bon. La région du Haut-Rhône. Ah. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène météo un peu inexpliqué, mais... Il y a vraiment des poissons qui tombent du ciel. Mais regardez, c'est une pluie de poissons. Alors on pourrait penser que c'est une opération. Regardez, écoutez. À cause du réchauffement climatique, assiste-t-on à une surmortalité mondiale? Alors, en ce qui concerne la France, l'INSEE vient de donner les chiffres. Et ils sont étonnants. Il y a eu 675 morts en 2022. Et l'INSEE s'interroge parce que c'est plus qu'en 2020 et 2021 qui étaient des années Covid. Donc l'INSEE se demande si effectivement c'est pas la canicule de l'été dernier qui expliquerait. On s'en bat les couilles de ton stade de merde. Va te faire enculer, Pauline. Non loin de Sydney, qui a installé, vous allez voir, une crotte géante sur la plage pour sensibiliser sur la pollution des océans. À la une du point, regardez pourquoi les jeunes ne font plus l'amour. Oui, j'ai bien compris que t'étais gay, bah t'inquiète pas, va. 43% d'abstinents chez les 18-25 ans, c'est une étude très sérieuse. Attends, j'ai un truc à dire sur ça. J'interromps le react à celui qui est le pire de notre chaîne. Attends, moi j'ai un truc à dire sur ce sujet. Donc vous avez vu, donc il y a Le Point qui pour une fois fait une une sur un sujet qui est autre que l'islam, donc déjà on peut être un peu heureux. Et j'ai vu, il y a tout Twitter. Et c'est que ça me rappelle que Twitter c'est quand même des incels, des femmes celles, tout ce que tu veux. Tout Twitter a dit, c'est quoi cet article de merde? Mais... C'est quand même... C'est vrai. J'ai l'impression que ça les a blessés un peu. C'est vrai, après ils se sont sentis visés, quoi. C'est Twitter, quoi. En vrai, ça pourrait être pire. Bah, surtout, bon, en vrai, ça peut... Alors, je doute que Le Point arrive à écrire un truc si intéressant que ça sur ce sujet. Mais c'est un vrai sujet, non? Oui, j'ai bien compris que t'étais gay. Bah, t'inquiète pas, va. Bah oui. Bah oui. Vous êtes des gosses, j'adore. Bah oui, non mais... Pourquoi ? L'article dit que c'est parce que c'est des gauchistes. Ah ouais, il dit ça, l'article ? Après, est-ce faux ? Après, oui, est-ce faux ? Est-ce que ils déplorent pas les conséquences dont ils chérissent les causes ? Oh, putain, tu fais des phrases compliquées, en fait. Ouais, ça m'a déjà fatigué. Fou, eh. Il wow, y en a des mots. De l'IFOP. Morosité. La morosité, ça va. Le fait t'as roté en même temps. Pas qui combine avec Lebel, il y a un petit espace. Ah, c'est fini. L'accélération, il y en est tout seul, le crochet. Et l'essai de Mathis Lebel. De Serbe qui a souvent joué Rafael Nadal en demi-finale. Ce qui explique en partie, en grande partie d'ailleurs. C'est bien mitigé. Ça a plus de sens.
toujours les froid et l'émotion à Annecy, ville traumatisée au lendemain de l'attaque non. qui a gravement blessé pas, quatre enfants notamment dont l'état non, pas, est désormais stable. Ils ont tous pu être opérés, c'est ce qu'assure la première ministre Elisabeth Borne. Hier, on l'appelait seulement l'homme au sac à dos, celui qui a pourchassé l'assaillant. Aujourd'hui, voilà Henri, le héros, aussi courageux que modeste. Il ne faut pas me traiter en héros national. Pourquoi ? Parce que j'ai agi comme tous les Français auraient agi, devraient agir. Vous sentez ? C'est la douce odeur du faquin, du type qui parle d'un sujet qui ne connaît pas. Combien il y a de cathédrales en France ? Depuis plus de deux mois, il avait entamé à pied un tour de France des cathédrales qui l'a mené jusqu'à Annecy. Ce que je sais, c'est que j'étais pas là par hasard. Sur mon chemin des cathédrales, j'ai croisé la route de cet homme et j'ai agi vraiment instinctivement. En tant que président de la République, je suis très fier de vous. Gros libre ! La première chose que vous avez dite, ce n'était pas un hasard. Je retiens que cette phrase est quand même extrêmement puissante. Ferme ta putain de gueule, espèce de débile. C'est notre pire réact, hein. C'est vraiment, c'est en permanence. En permanence, il ment tout le temps, il ment. On va essayer de s'en remettre. Vas-y, on arrête, c'est bon. Allez. Ouais, allez, ça va. Faut saluer le héros, quoi. Oui, mais c'était pour Pascal Pro que j'ai dit ferme ta gueule. Il y a des fachos. Le chapitre de la religion, est-ce que depuis hier, vous avez prié, Henri ? J'ai envie de dire, j'arrête pas. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais quel est ce programme qui va tous nous rendre fous ? On parle beaucoup actuellement, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, de société luciférienne qui est en train de se développer. Et cette notion que l'antéchrist sera en train de rentrer sur Terre. Je vous repose la question autrement. Est-ce que le mal est en train de gagner du terrain dans notre société ? Et alors, bien sûr. Gros libère, ça c'est sûr. Tout en aimant. Oh, mais arrête là, on est même plus inspiré là. Là, j'ai plus au hasard, moi. On les fout au hasard. Moi, ça prouve qu'il fallait pas faire ceci. Non, mais il faut une finale en mode feu d'artifice. Vas-y. On s'en bat les couilles du postman. On va faire enculer Pauline. L'odeur du facteur, c'est un type qui parle d'un sujet qui ne connaît pas. Pauline ! Qu'est-ce qui me détruit, c'est l'écho ultra long, la putain de reverb du prout. La reverb du prout, elle est extraordinaire. Non, mais attends, refais-le. Complètement que ça tue. Mais ouais, c'est une dinguerie. Là où le prout ? Ah oui, il est la paire et merde, ouais, ça doit être celui-là. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai deux prouts, du coup. J'ai le petit prout. Ah, je pleure de rire. Ah, oh, pardon, bon, excusez-moi. Ouais, 1700 viewers devant ça, enfermez-la hein, dans le chat. Hein. Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Selon les analystes du web, il s'agirait là d'un symptôme typique des personnes atteintes d'autisme. Enfants d'étrangers qui sont arrivés, il s'agit de faire en sorte que leur incorporation dans la société française se fasse le mieux possible. Ça suppose aussi qu'on prenne certaines précautions, c'est-à-dire qu'on ne donne pas aux Français l'impression qu'ils vont perdre leur identité. Pourquoi la perdraient-ils ? Je suis fils du soleil levant. Allez, gâteau. L'immigration n'a pas commencé. Oh, à putain. Prophétiser Nicolas Sarkozy. Oh, dans ta gueule. Précisément, peut-être parce qu'elle n'a pas encore eu lieu. Il faut sans doute
On s'en bat les couilles de ton snap de merde. Va te faire enculer, Pauline. Ah, tu nous pètes les couilles. Mais c'est honte, ta grosse, mais tu nous emmerdes, fils de pute. Attends, mais tu nous emmerdes, fils de pute. Attends, mais c'est honte, ta gueule. Confiance en nous-mêmes, en notre capacité d'inventer. Oh, le paix, c'est trop. Vas-y, on enfile de ce vie de merde, j'en peux plus. Plus 15 secondes, les gens. Plus dynamique. Voilà. Allez, un dernier. Pourquoi ? Pourquoi c'est aussi bon ? Ah, le, ah, il était bien le vu 1. On a bien débattu, moi, je trouve, sur ce vu par rapport à d'autres. Ah ouais, c'est bon, j'avais pas envie de le voir. Ah ouais, bah, je crois que ça s'est senti. Ah ouais, c'est bon. Oh, pardon, ouh, les gens. Non, mais excusez-nous. Excusez-nous. Ah ouais. Il y a des moments. Voilà. Ouais. T'as vu ça? Attends, vite fait, regarde, je trouve ça trop marrant. Bon, le tweet, c'est bon. Le tweet, attendez, juste déjà, on lit le tweet. Au moment des élections, les islamo-gauchistes sont unis. Hashtag NUPES. Mais en réalité, tout sépare les islamistes et les LGBT-gauchistes. Alors, il y a un homophobe qui s'est battu avec des gays. Ouais. Ça devient les LGBT et l'islam. Ça y est, c'est l'alliance est finito, quoi. Ah, mais c'est le mec qui s'est fait terminer, là ? Oui, 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 oui. Oui, j'ai bien compris que t'étais gay, va, t'inquiète pas, va. Regarde cette baston. Là. Oh, il s'est fait terminer. Aïe, aïe, aïe. Allez! Il s'est fait démonter par des LGBT, des gamins. C'est incroyable. Il y a eu plein de tweets en mode oh, quand il va rentrer au quartier, il va pas pouvoir faire trop le fier. Là. C'est une dinguerie en vrai. C'est incroyable. La vidéo est incroyable. Comme quoi les LGBT, hein? Ça a pas l'air comme ça, mais les embêtez pas. Hein. Allez! Mais gros, ça me fait trop rire, c'est que tout le monde fait une tête en moins que lui. Regarde, elle vient lui mettre un coup de pied. Regarde, regarde. En fait, ça me fascine, c'est comment elle arrive, regarde. Regarde, elle est là, elle est tranquille, et puis là, poup. Allez. Elle est vraiment arrivée en mode, allez, ploup. Petit coup de malveillance. Les gosses, ils veulent taper. Oh, il a un banger, cette vidéo, drôle. Elle est incroyable. Et bah, du coup, pour les droitards, c'est la vidéo qui prouve que gauchiste et islamiste, et genre, ils découvrent. Oh, il y a des arabes homophobes ? Non. Oh, pff, c'est fou, on s'emmerde. Ça. Globalement, la vidéo est très drôle, quoi. Oui, oui, bah, elle est trop marrante, gros. Moi, je trouve, c'est vraiment incroyable. Hein. Enfin, bref. Incroyable. Beaucoup de plaisir. Donc, ça, est-ce que vous avez vu ça ? Attendez, on vous le passe. Dany et Raz sont-ils des butins de guerre ? Oui, mais. Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Oh, vas-y, vivement demain. Ça sort demain, on fera un live. On réagira demain, les gens. On réagira demain. Ou mardi, si genre on a une nouvelle un jour. Des différentes soirées organisées en cours d'organisation. Oui, bon, tout le monde s'en fout, quoi. En tout cas, beaucoup de plaisir, hein, quand même. Hein. Non ? Incroyable. Vas-y. Cut et... On regarde Bégodeau ? Ouais, vas-y, hein. Ah, il a donc dit, attendez, alors, les gens, attendez, juste regardez le multiverse déjà. Oui, déjà, il n'y a rien qui va là. Qu'est-ce qui se passe ? Après, hey, comme quoi, Bégodeau va chez tout le monde. Et tu sais quoi, je pense que c'est l'émission où le son sera peut-être le moins pire de toutes celles qu'on a matées. Hein, de Bégodeau qui va à Internet. Après, hein. Il est avec ses AirPods de merde. Hein. Et en plus, il a parlé de Soral. Et alors, Raz m'a dit, il l'a full défendu. Hein, donc, bon, oui, il a sucé Soral. Je crois il a dit, ouais, si j'étais plus jeune, je serais soralien, un truc comme ça. Basé. Attends. C'était pas ça qu'il fallait dire, non ? Non, je crois pas. Ah, oh, j'ai envie de dire ce que tu m'as dit au début du live sur Kentra. Après, c'est un peu drôle ce que tu m'as dit. Si je l'ai dit aux gens, c'est trop drôle comment il me l'a dit. Oh, regardez, il y a quelqu'un qui a envoyé un lien vidéo, il y a Kentra. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est un petit youtubeur soralien, en gros. Voilà, et qui clash. Qui clash un peu les droitards en ce moment. Et je fais ah, c'est marrant, la méta, elle a changé parce qu'avant, ces gars-là, ils finissaient full droitard, suceur de Papacito. Et aujourd'hui, ils sont dans une lane un peu Antoine Goya, pas du ring, à critiquer
la droite en la trouvant plus assez noble. Et Raz, il m'a dit, il vient de la lignée Soral. Du coup, il est forcément un peu plus fiable. Mais non, mais c'est pas dans ce sens-là, hein, tu l'expliques mal. Bah, explique-toi alors. Mais non, mais c'est juste que les mecs matrixés par Soral, si t'es malin, tu peux utiliser leur affect de gauche pour les déradicaliser, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah si, c'est pas comme suivre des identitaires ou des trucs comme As, tu vois, c'est pas pareil. Après, le gars est... Le gars est fou antisémite. Ah oui, par contre, je pense que... Bien sûr, oui, c'est l'enfer. Il y a toujours cette horreur qui reste, par contre. Bah oui, c'est ça. Bof. Non, par contre, non, les gens en dehors du troll de Dali, je vous jure que vraiment, c'est vrai. Après, faut se méfier, quoi. Moi, je dis, il y a moyen de déradicaliser, mais faut rester méfiant. Voilà. Parce que bon, ça peut très vite déraper, tout ça, quoi. Thaïs est soralienne, elle est zéro soralienne, Thaïs. Eh, arrêtez, monsieur. Stop, monsieur. Arrêtez. Stop. Mais c'est Sandrine Rousseau. Mais what the fuck, bah, Sandrine Rousseau, qu'est-ce qu'elle fait? Monsieur, vous arrêtez. Vous arrêtez. C'est Sandrine Rousseau. Mais pourquoi Rousseau, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais vas-y. Mais attendez, mais Sandrine, c'est la street. Elle allait se battre instant. C'est bon, je la préfère à ton. Oui, bah venez. C'est vas-y. On est un groupe, on est en train de faire la convergence. Qu'il a fait là, il a fait. J'ai vu ce que vous avez fait. Vous avez percuté à l'arrière. Vous avez percuté. Lui, il a fait quoi? Moi, j'ai vu le début. Là, il a fait quoi? J'ai vu le début. J'ai vu que vous avez percuté le cycliste à l'arrière. Il a fait en danger. En danger de quoi? Wesh, la street, Rousseau, regarde comment elle le tient. Il fait une clé de bras. C'est du MMA. C'est du MMA, c'est la clé de bras. Là, j'ai regardé hier la carte de l'UFC, gros. C'est la clé de bras la plus réussie que j'ai vue. Après, moi, tout ce que je vois, c'est que tout le monde est contre le pauvre mec qui travaille, quoi. Alors que c'est tous des petits bourges en vélo, quoi. Voilà mon avis. Hein. Bah, elle lui met des grosses gifles. De fou. C'est ça de manger de la viande, Rousseau, regarde. Elle a raison sur les barbecues. T'as vu ça? Mais il se passe quoi? Il y a les LGBT qui tabassent les... Non, mais attends, il sait quoi? Il en a échangé de méta d'un coup. C'est quoi cette merde? Attends. Il se passe mais quoi? Surtout, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre taxi? Pourquoi il lui casse les couilles? Je comprends pas. Je sais pas, gros. C'est pas clair, en tout cas. Moi, ce qui me fait rire, c'est le chat qui s'en bat un peu les couilles. Alert G7 Altis. Sacré coffre, le cycliste. Oula. Tiens, c'est madame Rousseau. Je crois que c'est à cause du mec en... Mais comment tu peux réagir en disant « Tiens, c'est madame Rousseau ?» C'est bizarre. Il est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'est trop mais bizarre. C'est le multi. Mais attends, gros, mais c'est le multiverse en ce moment. Le monde est parti. Attends, mais avoue que le monde est en parti. En tout cas, moi, je suis en contre les mecs en vélo, moi. Moi, je suis donc sûr attendez, que c'est de leur faute. On a les LGBT qui tabassent des gens. On a Bégodeau qui avoue être soralien chez Zioclo. On a Rousseau qui tabasse des Uber. On a Hollande qui taille la bavette avec Usul. Mais qu'est-ce qui se passe, les gens, là? Ça y est? Trop bizarre. Hein. Ça y est, le monde part. Mais c'était réel, le changement climatique, je crois. On a deux putains de guerres. Non, mais ça, à la limite, c'est oui, un peu... Ça, vous avez l'habitude, c'est maintenant. C'est nous qui sommes le plus Terre 1, maintenant. Nous, on est Terre 1 de ouf, en ce moment. Bon, vas-y, bref, allez. Ouais. Donc, c'est parti pour Bégodeau qui défend Soral. Va-t-il le défendre aussi bien que Kras? C'est ça la question que je me pose. En quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Je l'ai eu tout à l'heure pour un test technique. Donc, tout est calculé ce soir pour que ça fonctionne. Donc, voilà, c'est ici. Oula, j'ai entendu des lives de Wissam où ça a dit ça et ça a fini très vite mal. Hein. Pour les gros cerveaux, oui, gros chiffres. Oui, tout à fait. Et ce soir, tout est dit. Oui, donc bonsoir François. Ça, on va regarder que le passage de 20 minutes où il parle de ça. Ah oui, bah ça dure 5 heures le live, hein. C'est hors de question. Hein. Oui, après il débat avec gros, par contre, ça veut dire moi je vais forcément l'écouter en jouant Diablo parce qu'il doit y avoir un moment Pollux Bégodeau et moi c'est. Ah ouais, le rêve Pollux Bégodeau. C'est mon, pour moi c'est genre la rencontre que j'attends le plus au monde en fait. Comment? Adouf. Bonsoir. Alors, ça va très bien et toi? Très bien, toujours très bien. Je t'entends très bien, le son est bon, donc on a équipé un petit casque à François, comme ça vous aurez... Intervention de Pollux, c'est légendaire. Envoyez-moi le timecode. Ah ouais, s'il vous plaît, ah ouais, je vous en supplie. Pollux, non mais en gros, c'est un gars qui est tout le temps chez Zioclo. Complètement con. Que de la merde. Il est vraiment complètement con. Du coup, pour moi, il est légendaire. Je l'adore. Ah oui, je suis fan. Moi, je suis fan. Hein. Vraiment, Oui. En fait, c'est une performance artistique. Tu vois, c'est comme le mec là dont t'es fan, Jim Carrey là. Tu sais où il y a un film sur lui là. Putain, comment il s'appelle? J'oublie son nom.
Mais c'est pareil, Pollux, pour moi, c'est une sorte de performance. Oui, bah, envoyez, on matera la question. Dans 20 ans, il va révéler que tout ça, c'était prévu, quoi. Voilà, c'est Andy Kaufman, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça. C'est l'Andy Kaufman des radios libres. Ventura, non mais Luc. Ace Ventura, ouais. Bah, mais attends, Jim Carrey, il a Andy... dit un nom au pif. Truman Show. Une qualité de son qui sera relativement satisfaisante. Alors, bonsoir François. Alors, on va commencer par un début d'interview très simple. Je vais te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours. Parle pas de Soral, là. C'est quoi l'arnaque? Non, mais c'est quoi? Il s'est pris pour Zach Nani. Alors, François Bégodeau, dis-nous, qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel est ton parcours scolaire? Parce que c'est assez vaste. Ah, tu veux que moi-même je me présente? Oui. D'accord. Oh, le mépris. Oh. Mais Godot, il lui a dit, mais attends, tu te fous de ma gueule, je vais faire ton travail, ok. Mais bah, d'accord, en fait, c'est juste, t'as rien à foutre, quoi. Genre, tu sais même pas qui je suis, quoi. Tu sais même pas faire l'effort de me présenter, quoi. Oh là là, avec son petit air de Godot, là, je suis trop heureux. C'est déjà le meilleur contenu. Pour aller très vite, j'ai commencé à faire des études de lettres. Dans le même temps, j'ai fait du rock, avec du punk rock. Dans les années 90, je suis né en 71, donc à partir de l'âge de 20 ans. J'étais donc étudiant et on a monté un groupe de punk rock avec des amis, mes amis nantais de l'époque. J'étais nantais, je suis né en Vendée. Oh, tout s'explique. C'est un breton. C'est pour ça. Ça a duré une dizaine d'années où j'ai alterné entre punk rock, pseudo-études, intermittentes. Voilà, et puis à un moment, le punk rock s'est terminé, comme on l'avait plus ou moins programmé à la fin des années 90. Mais entre-temps, j'ai dû aller manger, j'ai dû subvenir à mes besoins. Et donc... À l'âge de 20 ans seulement? Donc je avant, suis il mangeait pas. Avant, il mangeait pas. Ce qui était la suite logique. C'était sous perfusion. Pour un étudiant en lettres, je prends le français. Oui, j'avoue, il y a quoi d'autre à faire, un étudiant en lettres, quoi. C'est vraiment... C'est... Et j'ai enseigné 10 ans... dans des quartiers exclusivement populaires, comme on dit. Ce qui a été une expérience pas extrêmement réjouissante d'un point de vue de pure éducation, mais disons intéressante. Oula, c'est-à-dire ? Il a dit c'était compliqué de parler avec des Arabes toute la journée, quoi. Ah ouais. Oui, mais c'est des petits putains de guerre. Ouais, c'est ça, quoi. Bon, et socialement. Et puis après, là, j'ai commencé un 1h38, ok, on ira à la fin. Souvenez-vous du timecode et je vous demanderai à la fin. Aussi à produire un peu de critique de cinéma, qui a été un peu une de mes premières passions. Et j'ai publié un... comme d'hab, il roule en s'en battant les couilles. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien Zioclo, il s'est là... dit, comment je peux faire des streams, faire de l'argent c'est ça. En foutant rien. Joueurs. Après, moi, je respecte. Ah hein. Oui, il y a une... Mais moi, je trouve que c'est le plus rare. Il a bu son flacon de méthadone avant de lancer le stream. C'est le rare. Il s'est roulé 10 joints. Des coups de droit à parce que bon, lui, il n'est pas classable, tu vois, mais... Mais moi, c'est son côté fonce-dé qui me le rend attachant. Le reste, après, sinon, il y a trop de trucs où je trouve que c'est trop grave. Mais son côté fonce-dé, j'ai toujours... De toute façon, j'ai toujours dit. 2003, ce qui a ouvert une série d'autres livres. Voilà, j'ai écrit très régulièrement depuis 20 ans. Non, gérer les problèmes de Zep surtout. Et c'est quoi gérer les problèmes de Zep à ton avis? Qu'est-ce que tu gères dans les problèmes de Zep? Attention, grenade! 20 ans maintenant. Moi j'étais au lycée Louis Boyard, je vais l'appeler maintenant. Le lycée Louis Boyard, je peux dire que les problèmes de Zep, voilà. C'était, les profs se plaignaient pas des problèmes de Zep. Hein. Ils se plaignaient des élèves de Zep, bizarrement. Pile. D'accord. Des romans, essentiellement des romans, des essais. Ah, écoutez. J'ai fait aussi des pièces de théâtre, des choses comme ça. Enfin, pas mal de travaux écrits, très divers. C'est à peu près tout. Si j'ai réalisé des documentaires, j'ai réalisé des choses dans le cadre d'un collectif qui s'appelle le collectif Auton. D'accord. Et puis, par ailleurs, je suis assez connu à l'époque, dans les années 2000, d'accord, pour avoir eu un succès littéraire entre les murs qui s'est traduit en cinéma. Film, lequel a été très rendu visible par sa Palme d'Or. Ouais. Film où je jouais le rôle du prof. Qui avait été mon rôle dans la vie et que c'était pas très compliqué. C'est inspiré d'un livre. C'est ça, oui. J'avais écrit un livre en. C'est même pas ça, 2006, mais non, mais. Mon quatrième livre. Oh, c'est grave. Parce que c'est le seul truc que tout le monde sait de lui. Bah oui, il y a un truc que tout le monde sait sur Bégodeau, c'est qu'il a fait Entre les murs et qu'il a joué dans le film, quoi. Genre, tu sais, c'est l'info que tout le monde a, quoi. Il y a les interviews Moufette, où Moufette a lu tous les livres de l'invité. C'est ça. Il sait même pas. Non, mais après, Moufette avec Vieman, c'est une histoire d'amour, c'est différent. Oui, c'est vrai, genre, c'est vrai. Moi je suis d'accord, faut créer le ship. Moi, je l'ai ship. Ah, mais oui, moi j'ai, tu sais que j'ai ship instant. Hein. Ah, oui, bien sûr. Moi, je ship 6 day one. Hein. Ouais, c'était un peu un.
J'espère que c'était un peu mieux qu'un journal de prof, parce que c'était un peu mis en forme. Enfin bon, il y avait un truc comme ça où je racontais le quotidien d'un enseignant dans un collège JEP de Paris 19e, quartier populaire. Et puis ben voilà, ce livre a été assez, a eu beaucoup de succès au départ pour des raisons, je pense, très largement extra-littéraires. Et puis il a été repéré par un cinéaste qui s'appelle Laurent Cantet, que j'aimais déjà beaucoup à l'époque, qui m'a proposé donc de co-écrire l'adaptation et d'y jouer, ce qui a donné ça. Et en vrai, quel perf, hein, moi je rappelle, hein, moi j'ai connu Bégodeau comme ça. Pareil. Entre les murs, moi je me suis pris une claque en le voyant, parce que bah, ça ressemblait plus ou moins, même si c'était un peu différent, mais ça ressemblait plus ou moins à ce que j'avais pu vivre à l'école, quoi. Et ta vie de jeune homme racisé. Bah, il n'y a pas que des jeunes hommes racisés. Bah oui, mais c'est la blague, oh là là. Ah non, mais gros, faut pas confondre. Tu sais très bien que... Ah, tu veux pas être pris pour, un, pour autre chose qu'un blanc, non, ça ferait du mal, est, quoi, en tant des... que blanc déter. Oui, quoi. Mais c'est des petits putains de guerre. C'est ça qu'on est, faut pas... voilà. Et puis voilà, après dans les années 2010, bah, finalement les choses ont continué. Non mais le film était super, et moi en plus à l'époque... Je l'ai revu, il est pas ouf, oh tu forces. Non par contre il est bien, moi je l'avais revu un peu avant le Squad Philo je crois, et il est quand même bien encore arrêté, hein, vous êtes des forceurs. Surtout que depuis on a eu je 200... Je vous découvre dans Social Terre, je m'abonne. Ah merci beaucoup, bienvenue bah, à toi. Je savais que t'allais faire ça. Je voulais le faire mais je me suis dit même pas la peine. Ah oui, abonnez-vous les... Abonnez-vous, hein. Ah, c'est pas Morgan Merteuil ici, hein. C'est... Mais autre ambiance. On est des petits butins de guerre de... Voilà. Ah oui, ça on va est des petits butins de guerre, nous. Non, mais bienvenue en vrai, bienvenue sur le stream, on s'amuse bien et voilà, quoi, et on réfléchit aussi, quoi. Ouais, reparlons de Bégodeau sérieusement une seconde pour convaincre nos abonnés de Social Terre ici présents. Exactement. Et en fait, avant de savoir que c'était le livre de Bégodeau, ou même qu'il avait co-réalisé le film, peu importe, moi, c'était juste la performance d'acteur. Franchement, en tant oui, qu'acteur... Oui, en vrai, de fou. Mais après, moi, quand je l'avais vu à l'époque, je ne m'étais pas posé la question, parce que je ne savais pas... oui, moi, pour moi, c'était un acteur, quoi. Oui, de fou, pareil, ça, c'était un acteur typical et tout. Et je trouvais qu'il faisait vraiment prof de français. Bah oui, en fait, c'était un rôle fait pour lui, et très, très chaud dans le rôle. Et je me souviens, avec mon daron, lui, il avait adoré le film, et pareil, on avait été très marqués par la performance de Bégodeau, tu vois. Mais moi, je le rapprochais. Putain, si je disais à mon daron maintenant, tu vois, genre, l'autre fois, je me suis dit ça, attends, si j'avais dit à mon daron que Bégodeau, on le connaît maintenant. Et moi, je l'avais rapproché, je sais pas si tu connais, alors c'est bizarre, dans ma tête, je le rapprochais du film Être et Avoir. Tu vois ce que c'est, Être et Avoir, oui, ou pas? C'est des gosses dans la campagne et tout, et je les avais regardés un peu dans la même période. Bah, ouais, mais toi, t'as pas d'amour pour les campagnards. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça. Non, mais moi, j'étais trop un banlieusard mental. Je trouvais que le film était trop pro-prof. Alors, je suis d'accord avec toi qu'il est pro-prof, mais quand j'étais jeune, moi, j'avais vraiment bien aimé. Et pour moi, c'était des trucs, tu vois, c'était un peu, tu sais, genre, j'étais trop débile, tu sais, un peu des trucs néo-réalistes. Oh, moi, ça m'énerve. Qui parlait de la France, de deux Frances différentes. Mais non, mais... Oui. Après, tu vois la différence, c'est que nous, les campagnards, on est capables d'être en empathie avec la banlieue radicalisée. Alors que vous, en tant que banlieusard radicalisé, insupportable, vous n'êtes pas capable de voir la beauté en nous. Vous êtes pas si, vous êtes pas soi, c'est pas moi qui le dis. Tu après, sais qui c'est qui dit ça? Nous, il aurait pas existé. Tu sais c'est qui dit ça? Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Bon, allez, vas-y, on continue. Mais je continue à écrire des livres, peut-être un peu plus d'essais depuis quelques années. C'est peut-être ça, peut-être la petite nouveauté dans mon. En fait, ce qui me fait déjà rire, c'est que la prochaine fois qu'on va voir Warrior, il va y avoir Wissam qui va dire, tu sais, qu'ils ont été choqués par ta phrase, les petits butins de guerre. Il va dire, ah bon? Tu sais, elle va dire, moi, ah bon, dire, et après, quand est-ce que j'ai dit ça? Oui, elle va dire, ah bon? Quand est-ce que j'ai dit quand ça? Est-ce oui, que t'as dit à gauche. Ah oui, et là, elle va éclater là, elle de va rire pendant au moins 2 minutes. C'est ça, ça là, elle va éclater trop de bien. Rire. C'est tellement réel. J'ai déjà hâte de ce moment, je le vois, j'ai des souvenirs du futur. Douria, c'est une meme master en vrai. Il y a trop de memes Douria qui sont incroyables. Gros, mais surtout, c'est trop, quoi. Elle est trop forte. De toute façon, moi, c'est ma Romda Otis préférée. C'est trop. C'est... Mais ça, en plus, les gens, je pense, ils se rendent pas compte de comment elle est un peu IRL, tu vois. C'est du coup. Il y a un plaisir. Incroyable. C'est un truc de fou. Hein. Moi, c'est une fois, je suis allé dans un McDo, je suis arrivé tard et je me suis fait daronner parce qu'elle s'est dit, tu te lèves trop tard dans ta vie, Dani. Du coup, j'ai dû argumenter. C'est et tout. Tellement réel. J'étais en mode, mais oui, vous arrivez à vous reposer? Oui, oui, c'est, elle a dormir, regardé même, tout en... Tu sais, en plus, c'est quand Douria qui regarde en réfléchissant, ce regard angoissant, là. Pardon, madame. Et oui, j'étais tu là. Elle allait me coucher non, tôt ce soir. Non, mais en même temps, je stream jusqu'à minuit, une heure.
heures, des fois écrase mon jeu vidéo jusqu'à 2-3 heures sur Twitch, c'est normal, on va pas faire ce que je fais tout de suite, donc je vais pas me lever à 6 heures et tout, en plus j'ai le sport et tout, et machin. Et t'es un... bizarre cette histoire. Oui, petit putain de guerre. Ouais, continue. La petite nouveauté dans mon... Traumatisé de ce McDo, mais non, mais traumatisé de cette conversation. Merci Antasio. Dans mon petit bonhomme ouais. de chemin. Et voilà, je crois que je t'ai dit l'essentiel. D'accord. Et non, alors, tu disais un succès n'aiment pas que... culturel. Tu as sous-entendu un truc, mais tu n'as pas développé. Ton film, il a été enfin, ton livre a été reconnu. Pourquoi, à la base, du coup? Ah, il a envie de dire... Pourquoi ton film a été reconnu? Non, il est de livre, non, t'as pas compris, c'est parce que Bégodeau, il a dit le livre a été reconnu pour des raisons extra-littéraires. Bah oui, donc il veut nous dire ce qu'il veut dire. Tu disais, il y a une sorte de succès culturel un peu. Oui, oui, non, je m'en suis expliqué déjà. Très tôt, j'ai été très très lucide sur la nature de ce succès. D'abord, un succès massif est toujours douteux. Enfin, en tout cas, un succès massif repose toujours sur bien d'autres choses que la stricte valeur esthétique. Ce qui ne veut pas dire que le succès massif exclut la valeur esthétique. J'espère, ça m'arrange, en l'occurrence. En l'occurrence, il est évident que dès les années 2000, il y avait des sujets extrêmement névralgiques dans la société française, qui étaient l'école, qui est un sujet névralgique. Oui, bien. Vraiment, qui... Et depuis, il y a eu 2000 putains de films autour de ça qui, c'est vrai. Qui n'arrivent pas à la chute. Est-ce qu'il y en avait autant à l'époque? Après, moi, il y a le lore aussi des comédies, tu sais, genre les Sous-doués... Les trucs comme ça, je sais pas si tu connais les films un peu 70s, 80s. Mais c'était vieux et ça, c'était des trucs de nos parents. Mais oui, ça, c'était pas les trucs genre La Boum et tout, mais c'était pas pareil. Ouais, c'est ça. Oui, c'était pas pareil. C'est pas des films un peu sociaux, crâne. Non, et justement, à l'époque, t'avais Entre les murs et après, pour moi, les deux films qui ont marqué sur l'école et depuis, on n'a pas eu vraiment, c'est LOL et Les sales gosses, là. Les beaux gosses, pardon. Et les après, LOL, c'est moins à l'école. Les beaux gosses, c'est extraordinaire. Oui. Les beaux gosses, ouais. Ah si, LOL, c'est la version bourgeoise, c'est tout. En fait, c'est... Ouais, c'est moi, j'avais bien aimé à l'école, LOL. Ça se passe peu à l'école, LOL. Si, oui, mais si, ça parle des lycéens. En fait, c'est les beaux gosses version les vrais beaux gosses, quoi. C'est plus un film ado qu'un film d'école, je trouve, mais oui. Bah, c'est un film sur la bourgeoisie, gros. Mais justement, oui, à l'époque, c'était marrant parce que t'avais vraiment les deux films. Et moi, j'avais trouvé ça cool en un sens. Heureusement qu'on avait suivi Réal Satouf, qui pour moi est vraiment superbe. Il est incroyable. Il est vraiment extraordinaire. Mais en plus, t'avais LOL qui est beaucoup moins aimé et qui a des qualités cinématographiques moindres. Mais moi, qui est un des premiers films qui m'a aidé un peu à comprendre les bourgeois. Un des premiers. Hein. Genre, t'étais en mode, ah bah oui, quand ton père est ministre et que tu veux pas être ministre, tu vois. Et le film m'a fait réfléchir un peu. Je me suis dit, ah bah ouais. Suscite énormément de débats, extrêmement tendus, toujours très électriques. Et qu'ils aillent se faire enculer, par contre. Déjà, les questions raciales, les questions d'immigration, les questions de multiculturalisme, enfin, tu vois bien de quoi je veux parler. Et mon livre se... Ah bah ça, il voit. Mais au croisement des deux, puisque c'était un prof qui racontait son expérience. Ah, il y a Pollux, il est en train de... Dans un collège où il y avait essentiellement des Noirs et des Arabes. Et donc, je pense que la curiosité qu'a suscité le bouquin tenait beaucoup au fait qu'il croisait ces sujets sur lesquels le corps social français aime bien se jeter de façon un peu frénétique, houleuse, conflictuelle. Bon, ça, c'était la première chose. Et alors, le film, encore plus, puisqu'un film est encore plus visible qu'un livre. Et en plus, celui-là a eu un coup de projecteur particulier. Donc là, ça a été... voilà, donc ça, je l'ai beaucoup... J'ai fait un peu le bilan de cette sortie. Quel disque de diamant qu'il a fait quand même avec ça. C'est vrai. C'est son classique. Hein. Tiré comme enseignement sur un certain état des choses, sur la circulation des œuvres d'art. Mais bon, aussi, et à l'instoral, du coup. Ça s'appelle Deux singes, ma vie politique. J'y consacrais un chapitre. Mais j'en avais parlé. Attends, on lui a même pas parlé de ça. C'est ça qui me fait trop. Ici et là. Oui, bon, voilà. Après, bon, tout le monde lui a parlé de ça. Donc c'est toujours intéressant d'être un peu lucide sur les. Sur, disons... De Godot répond à toutes les invitations. Mais oui, même les chaînes à 32 vues, vous avez 32 vues. Vous voulez un invité? Invitez Bégodeau, il viendra. C'est vrai. C'est vrai, hein? À la fois les... Après, nous, on l'aura eu en premier. Vous sucez Bégodeau, vous voulez le réinviter? Mais on peut le réinviter quand on veut, hein. Mais c'est lui qui nous a invités Bégodeau... dans Social Terre. Bah oui, portrait de Bégodeau, nous. Il nous aime bien. Hein. Bah ouais. Alors, on va lui donner un Bégodeau. Succès, les succès qu'on peut avoir. D'accord, mais pour toi, en gros, ce que tu veux dire par là, c'est que c'est un peu un succès dû au public que tu cibles, une sorte de petite bourgeoisie intellectuelle, ou c'est... Enfin, qui a été ciblé par le biais de ton livre, je veux dire, pas forcément volontaire. Non, parce que si tu... Enfin, je veux dire, évidemment, enfin, si tu veux, qui lit des livres
quel est le lectorat de littérature en général, et notamment d'une littérature qui se veut un tout petit peu exigeante, comme je prétends en faire. Littérature, quoi. Bon, je pourrais définir un peu ce que j'entends par là. Là, c'est souvent de la petite bourgeoisie, de la classe moyenne, un peu éduquée. En fait, c'est fascinant, c'est vraiment le seul prof qui a réussi. Tu sais, les profs de français, ils écrivent toujours des livres et ils sont ratés, quoi. Ah oui, ils sont éclatés, oui, des livres auto-édités. Un peu éclatés, je suis d'accord. Ou alors, ils écrivent des livres, genre quand moi, les profs en Normandie, ils écrivent des livres sur la Normandie pour être édités par un éditeur normand, genre un polar qui se passe à Falaise, tu vois. Et comme ils savent qu'ils n'ont pas de talent et qu'il n'y a personne qui écrit, et ben du coup, ils vont voir un petit éditeur normand à la con, ils ont fait leur livre, ils sont contents. Ah ouais. Vous avez lu Le Socialitaire par-su ? C'est horrible. Moi, je l'ai, moi, je l'ai trouvé à Caen. Ah, tu l'as acheté, du coup ? Ouais. Ah, bâtard. Bah, je l'ai vu, je l'ai pris, quoi. Qu'est-ce que je te dis ? Tu peux le montrer ? Tu peux le recevoir. Ah, faut que j'aille le chercher, oui. Bon, bah, je le montrerai quand je l'aurai, alors. Ah, voilà. J'ai le PDF, si vous voulez. Mais il n'y a que moi qui ne l'ai pas. C'est horrible. La journaliste, vous a pas envoyé le PDF, non. Non, mais on a été snobés, hein. Vas-y, hein. Krohn, t'as eu une photo pleine page de toi qui joue à WoW. Le PDF, 12 fois le journal et tout, nous rien. C'est horrible, c'est le Pride Month. C'est les avantages du Pride Month, ça. Alors déjà... Ça fait quoi d'être une star ? On n'est pas du tout une star ! Sache que ça coûte 20 balles. Quoi ? Sache que ça coûte 20 balles, donc ils se sont fait de la caillasse sur notre dos de fou. Nous, on n'a pas touché un centime, déjà, et première chose. Tout le monde l'a acheté, hein. Grâce à nous uniquement. Grâce à nous, tout le monde a acheté ce truc. Personne n'a acheté ça grâce à Bégodeau, je pense. C'est ça, exactement. Donc, j'aimerais bien que Socialterre nous file un peu de caillasse en échange, quand même, là, parce qu'on a prêté notre image, quoi. Moi, je ne l'ai pas acheté à cause du prix. Oh, t'as bien raison. J'ai lâché 20 euros juste pour vous, mais lâche-les sur cette chaîne, c'est complètement con. Et voilà. Là, mais si vous voulez, nous, lâcher 20 euros ici. C'est ça. Et du coup, bah, on est dedans. Attends, j'ai perdu, où est-ce qu'on est ? Fais voir, je vais voir comme on est beau. Attends ! C'est long. Ah, voilà ! Oh, elle est trop bien, la photo, hein. Elle est pas mal, hein. En plus, ça a l'air d'être du beau papier, non ? Ouais, c'est du papier mat. Enfin, semi-mat. Non, franchement, c'est carré, hein. Après, on du est coup, trop bon, stylé, y a la page, hein. Voilà. Et puis là... Ah, le chat, hein. Le chat en, avec en le chat page. Dont le sioniste, point d'interrogation. Hein, moi, sioniste chelou. On rappelle, hein. Qui c'est qui a dit ça, déjà ? C'est... Ce chat, hein, de qualité. C'est Briouat. Briouat qui a lâché un sioniste chelou. Voilà. Après, moi, le meilleur com, c'est d'El Namir qui dit c'est qui, hein, à Nolo. Hein. Ça, c'est quand même le meilleur. Et à un moment, c'est écrit. Ça m'a beaucoup énervé. C'est écrit... Oula. Hein. Ils se salissent les mains, renvoyant aux streamers d'extrême droite leurs clichés virilistes, tiennent des propos misogynes. Il faut plus de bimbo et de bad bitch à gauche. Oh, je suis mort. C'est quoi cette attaque gratuite ? Oh, tu t'es fait cancel, révolution permanente ? Putain, ça c'est scandaleux. Ah bon, c'est scandaleux, hein. Oui, bah, mais attends, c'est des petits butins bah, de guerre. Attends, mais ce résumé, on dirait un résumé de psychodélique. C'est quoi ah ouais, ce résumé ? Le raccourci Mario Kart, là. C'est vrai, mais c'est le mauvais exemple, oui, à la limite. Mais en plus, le après, journaliste, ça nous a dit, vous assumez le côté... Après, attends, elle l'a dit de manière un peu plus gentille, elle a dit, tiennent des propos misogynes en tentant de dénoncer le sexisme. Donc elle a un peu compris qu'est-ce qu'on voulait dire vite fait, tu vois. Et après, ils n'hésitent pas ça, à inviter sur leur chaîne... Ça se voit que c'est une meuf qui a écrit l'article. Mais t'es un con... On va te faire reculer. Mais non, mais c'est une blague pour dénoncer... la misogynie en tenant des propos. Mais quoi ? J'applique ce qu'elle a dit ! Terrible. Ouais, bien, moi je vais dans son sens, contrairement dis-toi, à base. Même mon daron il a dit qu'on était un peu misogyne. Alors pour que ça soit mon daron qui dit ça, gros, attends, c'est qu'il y a un problème. Attends, non, mais attends, il y a des cons de son camp là. Ah oui, là, quoi, parce que là vraiment, non, là c'est. Ta daronne qui dit ça, je concède. Ma daronne, oui, ma daronne elle a le droit. Le smiley, attends, mets-moi le son avec le. Ah oui. Qui est dans le chat là, très vite. Voilà. Non, mais ça va quoi.
Et après. Non mais oh, non mais c'est quoi ça? C'est du wokiste, ton daron. T'as vu gros? C'est un délire, hein. Ton daron, il est wok. Oui, oui, bah ça, c'est ce que vous croyez, hein. Ils n'hésitent pas à inviter sur leur chaîne des personnalités décriées par une partie de la gauche, telles que la militante antiraciste Ouria Boutelja, à l'initiative du Parti des Indigènes de la République. À l'initiative en plus, tiens. Oui, mais c'est voilà. Des petits butins de guerre. Non, mais il faut lire ces textes en entier. C'est nous aussi. Non, mais non, pas le pire, gros. T'as pas compris. À l'ancienne. Ah, ok. Bah oui. Et nous, on a dit, il faut lire ces textes en entier et ne pas en rester à de petites phrases décontextualisées dont se servent certains de ses adversaires pour l'attaquer d'homophobie, se défendent-ils. Vouloir évacuer le conflit de la politique, c'est se tirer une balle dans le pied, pose rase. Oui, t'as vraiment... Non, mais en fait, c'est pour le moment, moi, je me souviens de l'interview où elle nous a demandé, du coup, Ouria Boutelja, vous en... Et elle te rappelle, on a fait, ah non, mais on a senti, elle était un peu gênée. Et du coup, ouais, on était, tranquille. Mais elle n'était pas convaincue, genre elle a dit elle est quand même un peu homophobie, sauf ça l'avait choqué un peu, je crois que c'est ça qu'elle a dit. Après elle dit moi c'est je suis pas là pour donner une opinion, je suis là pour récolter la vôtre, et en vrai elle était très sympa. C'est mais ça, et après elle parle du chat aussi. Oh. Leurs bonnes audiences démontrent que la formule trouve ses adeptes, non sans critique, oh. Entre guillemets. Parfois vous êtes tout le temps ironique et vous devenez relou, écrit un internaute. Dany et Raz ne se gênent pas pour rendre l'appareil, voire plus. Sérieux, vous êtes trop cons. Des insultes que le duo assume en souriant. C'est vrai qu'on a une relation dominante avec notre chat. Il nous bouscule et nous aussi. Ça fait partie du plaisir. Ça nous a appris à réagir à la confrontation. Ces échanges sans fil permettent aux streamers de prendre la température de leur audience en direct. Gros Lima. Waouh. Du coup, c'est incroyable, quoi. Mais après, c'est vrai. Moi, l'autre fois, me suis fait une réflexion. J'ai compris pourquoi vous nous aimez. À chaque fois, je me pose des questions. Je me dis, mais pourquoi on nous aime ça, moi, tous les jours, hein, je me pose cette question parce que ça me paraît étonnant. Mais, et là, j'ai une révélation. Je me suis dit, mais en fait, on est une safe place à gauche. C'est vrai. On est le seul chat. En fait, tout le monde aime voir notre chat en mode, c'est la malveillance, c'est toxique, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est nous la safe place parce que j'ai l'impression que tout ce que vous pouvez pas dire ailleurs, c'est-à-dire ce que vous aimeriez pouvoir tweeter, mais que vous pouvez pas à cause de votre TL, ce que vous aimeriez pouvoir dire dans un autre chat... Sur c'est nous qui le disons, quoi. Ce que vous aimeriez commenter sous certaines vidéos YouTube, par exemple de Jean-Baptiste ou Tuzul récemment. Où est-ce que vous allez pour déverser votre haine, votre malveillance, vos idées bizarres? C'est ça. Vos angles un peu parce unsafe. C'est ici, sur ce chat. Tellement réel. Regarde. Rappelle que le premier message du chat qu'il y a écrit, qu'il y a dans le truc de chat, c'est... Baisse ta culotte, c'est le Z qui pilote. Ça, c'est le premier message du chat de Dany et Raz disponible. Baisse ta culotte, c'est le Z qui pilote. Après, chat de Yaeric Nolot à l'image. Ensuite, sa calve devrait être interdite. Non mais vraiment, hein. C'est qui le vieux con? Krone, envoie-moi vraiment, le PDF, s'il te plaît. Krone, que je puisse... Ah bah non, mais c'est fait en fait. Merci, Krone. Merci d'avoir les souvenirs du futur, Krone. C'est ça. Attends, parce que je vais montrer l'article, gros, là. T'as trop tease. Je voulais le faire quand je l'aurais physiquement, mais... Alors... Ah ouais, c'est vraiment le... Ils ont de quoi le scanner. Ne lisez pas ça. Après, ils ont fait de l'argent sans... De page 99. Page non, mais là, 99. Ils peuvent rien lire, là. Ah, voilà, pardon. Oh, ça va, ils en ont vendu 2000, hein, qu'ils fassent pas. Alors, ils sont cash et chacho. Sur Twitch, les streamers Dany et Raz commentent l'actu politique quasi quotidiennement, des heures durant. Ah ouais, carrément. C'est vrai. Trentenaire touche à tout, ils s'aventurent. Attends, parce que c'est chiant avec les cams. Oh, ça va, je sais pas, bon, tant pis. On s'en bat les couilles. Trentenaire touche à tout, ils s'aventurent aussi derrière la caméra et sur les planches. Pour éveiller une parole de gauche jugée trop lisse. Et trop bourgeoise. Ah bon? Basé, hein. C'est notre avis, ça? Oui, c'est notre avis. Pour le coup, c'est vrai. Ah oh oui, toi, montre qu'on a l'exemplaire et que du coup, on peut hacker la Rome. Comme avec Tears of the Kingdom. Là, on fait une revue de presse Tar Samuel Etienne. Hein. Oui, voilà. Vouloir évacuer le conflit de la politique, c'est se tirer une balle dans le pied. Vas-y, ils ont pris ta phrase à toi.
Genre, ils ont pas après, elle est bien. Bah oui, mais elle moi, est bien ma phrase. Oh là là. Après, ils ont mis une citation de moi qui est fausse après. Hein, donc bon, leur dis pas trop. Hein. Alors, on va voir laquelle. Oui, bon, bah tu verras, je te dirai laquelle. Mais c'est jamais j'aurais dit ça comme ça. Donc, ça m'énerve. Il faut arrêter de fuir les combats. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, Hugo. Ah oui, oui, oui. La Hugo. Formule est signée par un certain lapin communard. Lapin communard. Ouais, je me l'article. Comment c'est direct quelqu'un de chat qui est cité? Alors, lapin communard. Lapin communard, qu'est-ce qui se passe? Après, il a un peu raison. C'est sur vrai. Le chat de Danny Raz, les streamers. En fait, c'est là que vous voyez, vous croyez trop, c'est une safe place, mais en fait, on est en public, les gens. Ah ouais, ouais, des fois, vous faut pouvez être vous rappeler, à tout moment, hein. Rappel. Même, hein. Nous, même nous, on fait pas attention des fois, quoi. Il se retrouve dans l'article. Après, ça va, Krone, il a pas dit le pire. Parce que rappel, regardez, Krone s'est retrouvé dans Social Terre, regardez la photo. Oui. Oh. Ah, elle joue à WoW, let's go. Je suis trop après, heureux. Pour moi, c'est la joue chose la WoW. Plus Krone de tous les temps, hein, par contre. Oh là là, c'est du génie. Wow, l'odeur. Bref, bref, bref. Bref, 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 bref. Donc, souvent en commentant des émissions ou des extraits de journaux télé. Attends, je vais essayer de. Vous voyez bien là ou pas? J'arrive pas à me rendre compte si vous voyez bien. On s'en fout s'il voit. Si il lâche un format une page. On peut pas mettre un format une page normalement sur ça? Oh, c'est déjà chiant. J'arrive pas à on voir. On s'en fout au pire. Au pire, on s'en bat les couilles. Il lit. Oui, mais je le lis, mais c'est juste que pour y en a, ils sont longs à la détente, tu sais. Donc ouais. Les extraits de journaux télé, oui bon, vous connaissez, mais aussi en citant Twitter, la presse papier ou d'autres streams tels que Backseat, présenté par Jean Massier, pionnier des contenus politiques sur Twitch. Discussion, humour et débat, le ton est libre parfois, moi je suis désolé mais c'est légendaire, on peut plus on la toucher. On pourra jamais la changer. Gros, pour moi, allez, tu sens qu'on a angoissé de devoir nous décrire, et du coup ça fonctionne pas. En même temps, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on est d'autre? Le provoque avec l'apostrophe, vraiment. Mais tu rien sens, ne va. C'est comme quand tu vas chez un coiffeur et qu'il y a une apostrophe avec un jeu de mots. Tu ah sais ouais, qu'il faut pas y aller. Un truc comme ça. Oui, oui c'est oui. Ça. Il va falloir t'y faire. Découptif. Oui, voilà, c'est ça. Oh, sur leur page, auprès de 40 000 followers, leur direct génère un flot ininterrompu de commentaires. De conneries, je croyais que c'était écrit au début. Via les dons des internautes. Façon chapeau numérique, c'est vrai. C'est moi qui lui ai dit ça aussi, t'as vu, je vulgarise bien moi, pour les journalistes, et ils comprennent tout de suite. C'est vrai que moi ils me comprennent pas par contre, puisque je n'ai aucune citation. Mais après moi j'ai des fausses citations aussi. Et moi je me fais insulter de misogyne donc... Bah après, pour l'un de leurs streams d'avril dernier, Dan et Raz ont jeté leur dévolu sur l'émission de France 5, c'est ce soir, son thème. Faut-il débattre d'écologie avec l'extrême droite? Hugo Clément, dont l'échange avec le président du RN lors d'une soirée organisée par Valeurs Actuelles, suscite vives critiques, fait partie des invités. Sur le chat de Dany Raz, la punchline de lapin communard est vite engloutie par d'autres, plus ou moins inspirés. Plus ou moins inspirés. Hugo Clément, il veut trop bouffer à tous les râteliers? Écolo cynique, c'est un éco-fasciste. Alors d'ailleurs, écolo cynique, on a eu l'explication, il est passé dans le chat l'autre jour. Et pour ceux qui se demandent, parce que même moi j'étais en mode qu'est-ce que ça veut dire, en gros il dit que c'est juste qu'à chaque fois que j'ai dit le mot cynique, il répond cynique, S-I-N-I-K, et qu'il a cette vanne apparemment depuis au moins un an. Et il dit coup, ça il dès que j'ai dit dans le mot cynique. Terre. Et du coup, il s'est retrouvé dans Social Terre. Il s'est dit non, mais déjà ma blague est pas drôle, elle a jamais été relevée. Donc bravo, hein, bravo ce chat. Hein. Ah ouais. Parfois, les insultes fusent et les trolls déboulent. Ah, j'ai envie d'écrire. Gros, tu veux pas rajouter ça à notre truc? Genre, discussion, humour et débat, le ton est libre et parfois provoque. Parfois, les insultes fusent et les trolls les déboulent. Trolls déboulent. J'ai un peu c'est envie un peu de rajouter. J'avoue, hein. Merci, Lucas Adelaide. Le chat n'est pas modéré. C'est l'une des spécificités de la chaîne. Régulièrement, Dany et Raz interrompent l'émission. Ils vont de leur analyse et échangent avec leur public. Ah voilà, ça jamais j'aurais dit ça comme ça à la fin, il y a un mot que ah j'utilise vas-y, jamais. Cite, auto-cite-toi et puis corrige-toi. Sur l'écologie, le RN a un angle pro-paysan, ressuscité de la FNSEA. Oh là ça va, je me rappelle quand j'ai dit ça. Qui est une arnaque. On défend les pauvres petits campagnards, la France de la ruralité qui a besoin de sa bagnole. C'est du populisme. Ah oh, j'avoue, c'est mais résumé. D'où j'aurais dit c'est du populisme. Jamais j'utilise ça, je suis populiste. Jamais j'aurais utilisé cette expression-là. Là, tu sens vraiment qu'elle a traduit le truc, tu sais, pour les écolos qui lisent Social Terre, qui comprennent ce que je veux dire, quoi. Tu vois, genre, oui, c'est populiste, le RN, quoi. Oui. Tellement alors... pas toi. Mais oui, le mot populiste, je l'ai jamais utilisé de ma vie, quoi.
Après, je comprends pourquoi elle l'a traduit comme ça pour les lecteurs, tu vois, donc je lui en veux pas trop. Oui, mais raccourci Mario Kart, hein, tu mériterais un cancel sur cette phrase. Voilà. Mais je me rappelle quand j'avais parlé de la FNSEA et tout. Moi, je veux mais c'est pas clair. Je veux 2h30 de pas du ring avec un marxiste de Twitter qui t'insulte sur cette phrase d'avoir dit que c'est du populisme de soutenir les petits. Oui, moi, les je suis pro-populiste en plus. Merci, Souvarine. Lance Rase, en réaction à une intervention d'Hugo Clément. Tu parles de Roussel, là, non ? Rétorque un internaute. Ah, apparemment, c'est ce que t'as dit pendant le react à Hugo Clément. Donc, ça se trouve, t'as vraiment dit c'est du populisme. Non, jamais j'aurais dit le mot populisme. Retrouvez l'extrait, je vous en Retrouvez soupie. L'extrait ! Pas faux. J'ai dit populiste. Approuveras en direct. Je doute. Maintenant, je doute de moi-même. C'est horrible. Ça me t'as dit un truc. C'est du mauvais populisme. Ou un truc comme Peut-être. Ça, je sais pas. Ouais, c'est bien. Merci de me rattraper, mon ami. Toi, t'es gentil. Pas faux, approuveras en direct. Les réactions s'enchaînent, on dit ce qu'on pense. Haut et fort, sans prendre de pincettes. L'ambiance café du commerce. Bah. Café du commerce ? Bah, si, c'est assumé. Nous qui lui avons dit ça. Recherché même. Nous qui lui avons dit ça. Les deux trentenaires tiennent à éviter un ton militant. Regarde, elle va dire qu'on dit de la merde là. À la popularité. La discussion. Attends, j'ai perdu la phrase. La discussion se veut maligne et enlevée plutôt qu'antello. Il faut éviter les. Ah, après, c'est vrai. En vrai, oui, ça oui, va. Oui. Il faut éviter les tunnels théoriques. Et oui, c'est vrai que jamais de tunnel sur cette gêne. Hein. Peut sembler parfois approximatif. Show must go on. Attends, jamais de tunnel sur cette... J'ai parlé de Spinoza. 1 minute et demie pour expliquer leur don aux casse-couilles du chat. Le chat, c'était déjà trop. 1 minute 30 est en mode... Tunnel. Bah oui, c'est insupportable. Et puis il y en a le bâtard, il a dit « J'ai l'impression que je vais à Londres !» Genre, c'est de fou, c'est insupportable. Et en plus, ce qui est insupportable, c'est le... Peut sembler parfois approximatif. Oui. Ça nous Après, respecte non, pas ça, par contre, en fait. Ça c'est vrai gros. Des fois on est approximatif. Alors, faut quand même reconnaître quoi. J'ai découvert ma classe sociale. Ah bon, tu l'as découvert là maintenant aujourd'hui. Ouais, en parlant à la journaliste. Ouais, tu t'es dit ah ouais, on n'est pas du même monde. Oh là là, c'est infernal. En fait, ce qui est trop drôle, c'est Kras, il est angoissé, il m'a dit. Ah, oh, socialitaire, je crois que c'est écolo et ça va être chaud vu notre niveau en écologie. Et du coup, le premier truc qu'il a dit à la journaliste, c'est ah, du coup, vous êtes un magazine écolo et ça l'a trop énervé. Non, alors à socialitaire, il déteste qu'on dise que c'est un magazine écolo. Du coup, on était là. Bon, c'est bien. Après, ils ont pris la seule émission où on a parlé de ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, bah après, tant mieux. Mais oui. En vrai, on a un vrai discours sur l'écologie. En ce moment, tout le monde est d'accord avec nous. Oui. On a vu Tondoli avant eux. C'est vrai. On rencontre Dany Rase dans un café en bordure du périphérique parisien. C'est pratique pour eux, expliquent les streamers, qui ont chacun récemment emménagé dans leur propre logement. Après une période de squats et de galères. De squats, on a fait plein de squats. Ouais, au moins, c'est vrai qu'on a fait quelques dizaines squats. De squats. Tous les squats de Paris, c'était... Moi, je conseille un 4 séries de 12, vous allez progresser. généreux de leur temps et de leurs idées, ils ressemblent dans la vie à ceux qu'ils sont à l'écran. La douceur en plus. Vous voyez, vous voyez plus doux, en vrai. Vous voyez, on est gentils, en fait. Même la journaliste, elle le dit. Oui, même face à une journaliste. C'est pour ça, les gens, arrêtez de stresser. Vous voyez bien que si on est gentil face à des journalistes, ça veut dire qu'on peut être gentil avec vous. C'est ça. Passionné, bavard. La douceur en plus. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a ajouté le compliment. Et même carrément accro à la discussion. La douceur en plus. Et je crois que... là, comprenez le sous-texte, c'est ils m'ont tenu la jambe pendant 3 heures, c'est insupportable. Hein. Parce que c'est ça la vérité aussi, c'est qu'on a fait que parler pendant 2 heures. Après, on était horrible. Des Iliès Manteau, on a ah passé ouais, notre temps à s'excuser par contre. On était là, désolé, hein, on fait que parler, hein, mais coupe-nous, sinon on s'arrête pas. Hein. Ah non, mais ça va. Elle nous enregistrait en mode je vais jamais pouvoir trier dans tout ce qu'ils m'ont raconté de conneries, quoi. Et même carrément accro à la discussion, argumentation, si j'arrête 2 semaines, ça me manque. Disais, après, ça va, je peux pas passer 2 semaines sans argumenter. Voilà la citation que t'as. Voilà c'est horrible, citation. Ça va, 2 semaines sans... C'est horrible, hein. Moi j'ai que de la merde. Hein. Je croyais avoir des trucs, gros. C'est horrible. Hein. La politique est pour J'étais une manière... J'étais plus près de l'enregistreur, je pense. Ah, il y a moyen. La politique est pour une manière naturelle d'être au monde. Ah oui, ça c'est parce qu'en gros, on n'arrêtait pas de lui expliquer que genre c'est pas genre juste qu'on est des gauchistes pour être des gauchistes, c'est que genre on n'arrive pas à faire autrement. C'était un peu ça qu'on a essayé d'expliquer, ce qui était bizarre à expliquer. Oui, du coup ça a donné, c'est notre manière naturelle d'être au monde. Tous deux ont grandi au sein de familles engagées. L'un à Thiers, alors je suis né à Thiers. Toi t'as dit l'inverse, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est... Toi t'as été plus précis.
justement. Genre, toi, c'était toi, le truc gilet jaune, tous pourris, veste, syndicaliste. C'est devenu deux familles engagées, quoi. Oui. Mais c'est pas grave. Mais moi, de toute façon, il n'y a aucune bio qui arrive à me respecter. Hein. C'est réel, gros. J'ai passé ma vie. Et pourtant, gros, j'ai raconté ma vie. Mais tu fais que ça, raconter ta vie, gros. Tu montes 600 photos par jour de toi. Bah oui, et les gens arrivent toujours pas à faire le lien. C'est une dinguerie. Un coup, je suis à Thiers, un coup, je suis à Toulouse, du Sud, à la campagne, colloque d'Antoine Daniel. Mais putain, mais pourquoi? C'est vrai, non, c'est insupportable. C'est pas possible, à un moment donné. Bref, du coup, non, j'ai pas grandi à Thiers, je suis né par contre. L'autre, pas loin de Caen. Toi, par contre, toujours précis. Hein. En Normandie. Attends, c'est pas compliqué, voilà, Normandie, près de Caen, quoi. Tous deux en ont bavé pour vivre aujourd'hui. Et ce qui les anime. Mon baron était ouvrier et délégué syndical à Munich. Coluche, Harakiri, Charlie Hebdo, les Guignols, c'était important pour les parents. Et en plus, ça, c'est moi qui ai dit c'était important pour mes parents. Et toi, t'as dit oui, c'était important pour les miens aussi. C'est devenu ta citation. Mais ça me rend fou. Je suis trop heureux. C'est une dinguerie. C'est vraiment rasé d'Adi, cet article. Voilà la vérité. Oui, ça rend fou. Hein. Après, c'est vraiment, après, by the way, c'est vrai vraiment le point commun de nos darons. C'est vraiment le point commun de nos darons, c'est le côté... Tu sais, ouais, ça et le fait qu'ils sont en vie aussi. Oui, ça, ouais, c'est le deuxième point commun, ouais. Alors, après, avec la fermeture de l'usine et le chômage qui s'ensuit, la famille perd sa maison. J'avais 12 ans, j'ai découvert ma classe sociale. Ah, ça, c'est en perdant une maison. Après, oui, mais toi, en même temps, c'est ta vie. T'as découvert ton destin, perdre ta maison, c'est un peu ta vie, ça, le chien, va. Gros, c'était prémonitoire de fou, hein, t'as raison. Bah oui. Moi, je pense qu'à ce moment-là, tu t'es dit, bon, bah, finito, quoi. C'est des ados, hein. Bah ouais, c'est ça. En banlieue parisienne, comme dans la campagne normande, l'adolescence tourne autour de l'ennui et la drogue. Raz, mais ça ne parle que de toi. En fait, je crois que t'as kiffé, c'est pas possible. Ça, vous voyez ça? Vous voyez, ces conseils de séduction de Thaïs ont raison. Les femmes préfèrent la misogynie. blague annulée. Attends. Du coup, il ennuie la drogue. Ben non, moi, il y a eu très peu de drogue, mais bon. C'est pas tout de suite, quoi. Oui, plus tard. Oui, mais comme peut-être que t'as parlé de tout. Ah non, en plus, je crois pas. Oui, c'est pas clair, hein, t'as raison. Raz zappe la case lycée effrayée avec le milieu free party normand. Ben super. Dany quitte le Val-de-Marne pour étudier la philo à la fac du Mirail. Non mais c'est... Attends, c'est chiant parce que là, il voit plus là avec nos cams. Ah, c'est chiant. Ouais, mais... Oui, bon, vous irez le lire, vous irez l'acheter. Oui, voilà. Vous irez l'acheter, achetez-le en vrai, les gens. On vous le lit, bah achetez-le. En plus, il y a des trucs cool, il y a Morgane Merteuil, il y a Françoise Vergès. En vrai, les gens, dehors de notre article, il y a vraiment des trucs cool à lire. On va pas vous lire le reste parce que c'est bon. Bah oui, là, c'est ça, c'est ça. Oui, il faut doser. Il y a un truc sur Sciences Po et tout. Donc, Dany quitte la fac du Mirail Toulouse et lance en parallèle 20 ans une chaîne YouTube baptisée Doxa, dédiée à la vulgarisation philosophique, l'une de mes passions, explique-t-il simplement. Mais mes citations puent la merde. Chacun de tes citations est pas ouf. Putain, des normies. Oh ben, passion. C'est ma passion, la philosophie. C'est naturel pour moi. C'était ma passion, j'aimais bien la philosophie. Si j'arrête deux semaines de parler de ma passion, je meurs. C'était vraiment c'est un dinguerie, j'ai une grosse merde en t'es fait. T'es devenu Cyrus North dans l'article. Je baise mon robot sexuel, elle va le noter quelque part, ça ou quoi? Je deviens fou. Il mettra quelques années à mettre un mot sur la violence symbolique subie de la part des bourgeois gauchistes de la femme. Bon, au moins, moi, une citation qui me ressort. Ça, c'est vrai. Un milieu qu'il retrouve aussi sur YouTube, si ce n'est nuance-t-il, au début du réseau, quand celui-ci était encore le territoire des geeks. Ah oui, ça, c'est parce que la question, je crois qu'elle avait posée, c'était... Et donc, pour toi, il y a toujours eu ça à gauche. J'ai dit non, pas au début. Au début, c'était un peu les misfits quand je suis arrivé. En disant, on n'était que des geeks insécure, bizarres, de forums. Ouais, ça a créé des chaînes dans tous les sens. Tu vois, la période, on va dire, Bob Lennon, Mathieu Sommel, In The Sun, tout ça, quoi. Et c'est vrai que très vite après, quand la vulgarisation est née, que j'ai enfanté, hein, d'ailleurs. Ça, c'est pas précisé dans l'article, bizarrement. Oui, pourtant, on lui a dit, hein. Que j'ai full enfanté, hein, évidemment. C'est ça. Bah là, c'est là que d'un coup, ils sont arrivés, quoi. Le Normand, lui. Le Normand, et toi, t'as une majuscule. Et le grand Normand, le beau Normand aux yeux bleus, assis en face de moi, avec son petit sourire et sa cigarette. Lui. Rejoins Paris. Mais les bourgeois, ils me préfèrent toujours, Dany. Bah oui, c'est une dinguerie. Bah oui. Rejoint Paris dans l'espoir vite douché de travailler dans l'édition. Mon côté Rastignac bizarre. Mais lui, il a des putains de citations.
Ah mais en même temps, je vais sortir Rastignac, gros. J'ai toutes les strates. Dany, de son côté, demande un café et latte. Et le serveur parisien le méprise, lui disant, on dit un café au lait, monsieur. Oui, c'est vrai, en plus. Pour plus écrire ça. C'est vrai qu'il s'est passé ça. Et j'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, mais c'est un latte en Italie. Oui, tu t'es fait, il t'a trop mal regardé. C'est le serveur parisien, il croit que t'es au Starbucks. Alors comme pour moi, c'est un latte. En plus, moi, je suis en mode, justement, je suis en mode snobisme. Je suis en mode café latte. Bah non, quoi. Justement. Tu me donnes un vrai café, quoi, l'Italie. Et le mec, il m'a regardé comme si j'étais au Starbucks, putain. Alors qu'en plus, c'est Raz, il fait pas mépriser, il met du putain de sucre dans son café. Bah oui. C'est horrible, hein. J'aurais dû. C'est comme toi pour la maison. Mais moi, je demande un grand crème, moi. C'était prémonitoire, tu vois. C'est vrai. Ah, mais t'inquiète, maintenant, je vais demander un grand crème, gros. Je veux dire un crème. Voilà. Oh là là, mais j'avais oublié qu'il y avait des codes. Moi, je connais que les codes du kebab. Tu l'appelais chef, tu l'as pas aimé. Ouais, un café sous samouraï, chef. Avec oignon. La prochaine fois, je vais rentrer là-dedans. Bon, alors attends, on en est où du coup? Le côté Rastignac bizarre, sourit-il de ses belles dents? Non, ça aurait été. Ouais, elle m'a respecté quand même. Et sort dégoûté de la mobilisation Nuit Debout, où il voit des fils de professeurs sans problème. Oh le bâtard. Interdire la parole à des ouvriers syndicalistes. C'est l'un des paradoxes de ce mouvement citoyen méfiant vers les corps intermédiaires. Certaines assemblées décidaient à main levée l'exclusion pour les prises de parole ou le vote des syndicats ou des médias. Eh ben, voilà. On est content là, d'un après, coup, ça vrai. Clash d'un coup, ça me fait trop rire. C'est que le début de l'article, c'est gentil. Et là ça c'est commence vrai. À citer nos propos, ça devient toxique instantanément. Bon, ça va, après ça, tout le monde est d'accord avec ça aujourd'hui. Je crois que c'est pour ça qu'on a des ennemis. À mon avis, si on a autant d'ennemis à gauche, c'est pour ces propos-là. Ils vont essayer de dire que parce qu'il y a 2 ans et demi, on a copiné avec je sais pas qui. Mais tu sais que c'est à cause de ça. Hein. Ton côté Rastignac bizarre, quoi, globalement. La gauche moralisatrice est coincée du cul. Bah, beau titre de chapitre. vraiment, moi je trouve que c'est vraiment. Oui, mais c'est des petits putains de guerre. Voilà la vérité. Hein. Les deux fils d'ouvriers se rencontrent une nuit. Ouais, à l'usine avec nos darons, ouais. Quand on faisait les 3-8. Ouais. Ouais, ça, les bandeurs, hein. Maxeurs, hein. Prouveurs, hein. Ouvriéristes. Hein. De 2018, lors d'un live confidentiel de Daniel Direct, t'étais sur mon OnlyFans. Oui, montrer ses pieds. Peu de temps avant que ce dernier ne publie sa réponse à Internet. Une vidéo au ton personnel et humaniste en réaction au harcèlement en ligne dont il fut victime. Le mot a été lâché et qui comptabilise plus de 200 000 vues. On s'est réunis dans une période de pauvreté et de dépression. On était en mode « j'en peux plus ». On était un peu con, avec un ressentiment contre la société, contre le capitalisme, contre le temps en poulet de la gauche internet. On avait la dalle. Résume ! Raz. J'ai fait SCH, on avait la dalle. C'est nouvelle école. C'est une dinguerie. Hein. À ses côtés, c'est Dany pas de ma retrouve pote, si Internet mieux que toi. Et assume un nouveau style. J'en avais marre, dit-il. C'est genre. Voilà mes citations. Excite la chemise et Doxa, place au sweat et à l'impolitesse. Au sweat, j'ai jamais mis de sweat de ma vie. Mais si, ton sweat Nike que t'as mis tous ah les oui, jours oui, là. Oui, 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 quand j'avais pas d'argent. Bah oui, gros, si, c'est réel ça. C'est vrai, si, c'est vrai. Je reconnais le sweat du coup. Attends, l'ex-abstentionniste se défend aujourd'hui de livrer sur Twitch une véritable analyse politique et préfère parler d'un partage d'affect. Hein ? Ah putain, mais c'est Banmulch qui a écrit l'article ou quoi ? Bah... Donc en gros, on n'a pas d'analyse politique, nous on est juste dans les affects quoi. Bah ouais, je crois qu'elle a compris ça de ton explication alambiquée, mais toi t'expliques trop de choses. Je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de citations que moi, c'est que moi je suis plus concis. Tu vois, je sais ce qu'elle veut comme formulation. Alors que toi, tu faisais des TPE, quoi. Donc elle était perdue, elle comprenait rien. Je lui dis, je suis circoncis. Est-ce voilà, c'est ça. Ça va la convaincre, tu penses ? Bah, je pense, hein. Dany, jeune circoncis. C'est mon côté Rastignac. J'écrirais ça. Ça marche toujours, ça. Les deux streamers ont en commun une colère profonde envers une gauche internet très blanche, très homogène, moralisatrice, coincée du cul, au petit ton universitaire, un peu lisse, qui refuse les gros mots. Oh bah putain. Ça, c'est toi, par exemple, mais elle a pas dit Dany, c'est ça qui me fait rire. Non, mais là, c'est nous deux, là. Là c'est... En fait, quand je suis cité, t'es cité aussi, pour pas faire de... Tu vois. Pour pas te blesser, en fait.
leur chaîne reflète cette volonté d'imposer d'autres accents. D'autres accents, genre on change d'accent quand on parle, t'imagines ? D'autres termes, d'autres pensées de gauche. Il faut arrêter de fuir les combats ! Ah ça devait être moi là, hein, tu vois, vu que la citation est éclatée. Vu qu'il n'y a pas de citation et qu'il n'y a pas de nom, c'est sûrement toi, oui. Alors ils y vont, dans le contexte du confinement, leur public d'abord LGBT est issu de la marche élargie. Dany Raz aborde des questions qui fâchent. La religion musulmane, la religion féministe, non pardon, la religion musulmane ou le féminisme blanc et libéral. Ah ouais, c'est vraiment les deux. En fait, au final, c'est nos deux sujets qui fâchent, je crois. C'est pourquoi on énerve l'extrême droite, le premier sujet, pourquoi on énerve la gauche, le deuxième. En vrai. Après, c'est vrai qu'on fait que les trucs interdits, en fait. Bah, y a deux trucs, après, en fait. Après, elle aurait pu dire que tu t'étais converti quand même. T'en as longuement parlé avec elle et tout. Ça, elle aurait pu le préciser. Ah ouais, bah surtout le moment de l'interview où je suis allé prier, quoi. J'ai sorti mon tapis là que j'ai déplié. Et c'est là le garçon de café m'a encore plus mal regardé. C'était bizarre un peu. Bref, continuons. Se salissent les mains en renvoyant aux streamers d'extrême droite leurs clichés virilistes. Ah, tiennent des propos misogynes. En tentant de dénoncer le sexisme en politique. Mais t'es pas cité ! T'es pas cité ! C'est peut-être toi, c'est vrai, c'est peut-être toi qui as dit cette connerie, non, en fait. Non, tout le monde le sait que c'est toi, là. Il y a eu non, trop c'est peut-être Dany, elle a pas précisé. Il faut plus de bimbo et de bad bitch à gauche, t'as bien sûr. Et c'est, on, ça a devenu il, c'est devenu mes mots encore. Ah, c'est ta faute aussi, je suis désolé. C'est une dinguerie, cet article. C'est un peu toi aussi, c'est un peu toi, c'est un peu ton avis aussi. Ah, ils auraient pas pu prendre une photo de moi qui joue à Apex, là, et mettre ça. Ils n'hésitent pas à inviter sur leur chaîne des personnalités décriées par une partie de la gauche, telles que la militante antiraciste Souria Boutelja, initiative des partis des indigènes de la République. Tu sais, genre, elle a fait que ça, à chaque fois. Il faut lire ces textes en entier et ne pas rester à de petites phrases décontextualisées dont se servent certains de ses adversaires pour la taxer d'homophobie. Se défendent-ils ? Vouloir évacuer le conflit de la politique, c'est se tirer une balle dans le pied. Pause rase. C'est vrai ? Là, t'es cité, là. Bah, le conflit n'est pas une agression. Le rire est leur arme de choix. Dany juge que certaines personnes regardent Papacito et d'autres streamers d'extrême droite parce qu'ils les font rire, pas parce qu'ils sont fâchés. Attends. Oh là, si pas que, pas seulement. Mais tu ne dis pas qu'ils sont fâchés, ils le sont. Et t'as cité une fois, elle l'a mal fait. Dany, c'est vraiment le moins cher de toute l'interview. Ça en plus, tu te souviens de ce qu'on a dit. On a été oui, super t'as pas précis. Du tout dit ça. Oui, t'as pas du tout dit mais ça. T'as vraiment dit. Mais parce que t'as trop expliqué. Je te le dis, gros, vraiment. Oh, t'as trop expliqué. Je vais faire des réponses simples maintenant. Bah oui, gros. Mais gros, je te jure que premier degré, je suis sûr que ça joue. Premier degré, gros. C'est que t'as trop tunnelé. Du coup, elle a voulu reformuler et elle a pas réussi. Mais tu tunnelais aussi ? Ouais, non, mais gros, non, c'est sans commune mesure. Il y a la démo, quoi. Bah ouais. Du coup, il y a écrit dans Social Terre que c'est pas parce qu'ils sont fachos qu'ils regardent Papacito. Alors que j'en connais que deux qui font ça, c'est Wissam et Yacine Bellouz, quoi. C'est vrai, pire take. C'est terrible, hein. Il entend bien rallier ses viewers et ne pas laisser du pouvoir, du rire aux RN et à leurs troupes. Sur Internet comme dans la rue, il faut occuper le terrain. Quand on ne répond pas à l'extrême droite, elle gagne en puissance. Tiens, ça doit être une citation de moi, elle est bien, mais du coup, je ne suis pas cité, quoi. Par contre, sur, tu vois, je ne suis pas cité, moi, en fait. C'est ça, mon truc. Je ne suis pas cité, quoi. Cité pour dire que Papacito, il est trop marrant et que c'est ah, pas un wow, fachou, en moi, plus, ça me rend heureux. Quel timeline en ce moment de dire ça, hein. Ah oui, c'est vraiment le bon moment pour dire que Papacito, c'est pas un facho, quoi. En fait, là, on est des vraiment, artistes, ouais. Là, par contre, gros, c'est waouh. Wow. Mais ça, je crois que c'est un moment où elle nous a demandé de nous expliquer, on n'était pas clair, et ça a fini sûrement, on est des artistes touche à tout, bon à rien. Oui. Et c'est devenu, et en après, fait, on est des comme artistes, les journalistes. Non, mais les flexeurs. Ça l'a fait rire quand je lui ai dit comme les journalistes, je m'en rappelle. Oui, mais du coup, ça maintenant, on passe pour des giga flexeurs, en fait, on est juste des génies, en fait. Mais c'est bien, oui, c'est bon, on a le droit de flex un peu. Leurs bonnes merdes. Audiences démontrent que la formule trouve ses adeptes, non sans critique. Ah. Bad Mull, je sais pas sur cette phrase qu'on aurait écrit sur un article sur lui, quoi. C'est vrai. Leur mauvaise audience démontre que leur technique ne trouve pas ses adeptes. Nous, sans critique. Parfois, vous êtes tout le temps ironique et vous devenez relou, écrit un internaute. Dany Raz ne gêne pas pour rendre la parole. C'est vrai que vous êtes trop con. Des insultes que le duo assume en souriant. C'est vrai qu'on a une relation domina avec notre chat. Ça, c'est chat. Toi, ça.
Il nous bouscule et nous... Ben ouais, mais je suis pas cité, dame. Hein. Il nous bouscule et nous aussi. Ça fait partie du plaisir. Et ça nous a appris à réagir. Comment réagir à la confrontation pour être efficace ? Ça, c'est vraiment toi qui as dit ça. Et du coup, t'es pas cité, ça me fait mourir de rire. Pas cité. Hein. Surtout, ces échanges sans fil permettent aux streamers de prendre la température de leur audience en direct. Faut-il accélérer le rythme ou relâcher la pression ? Ah, voilà ! Oh putain, le chat ! Donc, baisse ta culotte, c'est le Z qui pilote. Après ce que je disais avec Le Pen, sa cave devrait être interdite. C'est qui, ce vieux con ? Qui est Bronalisé, New World, Bam, Gaspard G ? Il a changé l'ancien chroniqueur de Baxi, donc c'est parce qu'on regardait Nolo, hein, bien sûr, pour le contexte. Bah, Fogg, il avait raison. Bah, il sombre, lui. C'est qui, lui, déjà ? Sioni, chelou. Après, Mandoré, ils vont tous faire genre, ils n'étaient pas d'élus. Rome, il y a tout le gratin de vomi éditocratique. Et le père, c'est que le remplace de Le Pen, c'est Jordan, il a aucune chance. Le gars est unicolore. Gaspard G, le coq originel, il est bègue. C'est tortue minable, le frère pervers de tortue géniale. Ah oui, il a dérangé de l'espace, oui. Zerma, c'était Jésus, carrément, parce que ça parlait de Zemmour. Le line-up de fou. Pour moi, le Z s'est tatoué sur les uniformes russes. Okay. Ça n'a pas de sens. Pascal Prolapsus, ce fils de pute. Le tapis rouge, il est bien celui-là aussi. Hein, moi, je trouve, il est Pascal très bien. Prolapsus, ce fils de pute, il est très 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 bien. L'odeur de son équipe, tenir la main des femmes pour les agresser. L'odeur de l'espace me dégoûte, c'est elle. Remember Macron 2017. En tout cas, malgré cette semaine, il n'a pas décollé. C'est vrai. Ah, notre chat, bravo le chat. Oh, le chat, vous êtes exceptionnel, hein, vraiment, je vous aime. Hein. Magnifique le chat. C'est quand je vois ça, je suis trop fier. Comment ne pas être fier, quoi ? C'est ça. En tout cas, la qualité, pourquoi la qualité, elle est. Le chat qui n'avait pas été respecté. Hein. Mais dans le ouais, journal, c'est en qualité HD, non ? Oui, c'est en qualité bien. Ouais. Bon, allez, c'est la dernière page et c'est fini après. Tout en s'invéritant là où ils n'auraient pas forcément allé. Pour Nicolas Bouchaïb, un data scientist qui suit depuis. Ça, c'est Data Algo, les gens ! Depuis des années. Les évolutions de Twitch, c'est le côté. Je crois que c'est lui. C'est ce côté râleur et provoque, au-delà d'un contenu très marqué politiquement, qui distingue Dany Eras d'autres streamers. Ils font souvent exprès de s'énerver et se lancent dans des joutes verbales. Ils sont très libres dans leur façon de s'adresser au chat, parfois en l'attaquant. C'est très singulier. Bon, c'est sûr. Moi, ah, les autres streamers, gros. Oh, bah, à chaque fois, je suis choqué. Hein. C'est vrai. Ils disent rien. C'est tiède. Je m'emmerde. C'est une dinguerie. Dites quelque chose un jour. Réveillez-vous. Donner un avis, quoi. Choix du cadre et du décor, mise en scène de soi, maîtrise du rythme, interaction avec le public. Faire un stream est un spectacle qui peut vite virer à l'ego trip. En fait, on est des artistes. Revendique Dany Eras. Le duo se produit d'ailleurs depuis peu sur les planches. Oh, bah alors, c'est quand tu nous vois sur les planches que tu comprends que. Il y a les artistes, oui. Ça, c'est limite, ah, mais quoi. Si, arrête. Mais ça m'énerve. Ils se vendent trop. J'ai envie de les clasher un peu. Ah, je dis populiste. Et Dany a réalisé. Tu as dit populiste. Ah, oh, c'était sûr. Ah, voilà. Tu vois, t'accuses les journalistes alors que toi, t'es cité. Chaque putain de phrase que t'as dit à la virgule près. En gros, c'est un article de 6000 mots. Il y en a 4500 de toi dedans. C'est horrible. J'ai le seum. Et Dany a réalisé. Mais oui. J'ai vraiment. Elle a cité mot pour mot. Putain, terrible. C'est une catastrophe. Elle a vraiment cité mot pour mot le truc de production un peu sale pour dire, par contre, on défend les pauvres petits campagnards, la France de la ruralité, qui ont besoin de leur voiture pour travailler et ils vont avoir un discours populiste. Ah où ils vont dire que eux, ils veulent pas taper sur les bagnoles, mais par contre, avoir de la... Après, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais en fait, c'était bien comme phrase, finalement. Oui, oui. Elle a juste été modifiée et sortie de son contexte. Du coup, on comprend pas, c'est pas clair. Voilà, c'est pas ma faute, tout ça, c'est pas clair. T'as été encore sortie de ton contexte, gros, c'est pas grave, ça arrive, quoi. Du coup, oui, Dany a fait un film qui lui a permis de décrocher intermittent. C'est de s'arrêter sur le tournage, pas mal de copains. Alors, bah tiens, encore une phrase qui va rassurer les enquêteurs de Cro-Blanc, ça. Ah, Twitch ouais. Serait-il le lieu d'une parole moins formatée, plus subversif ? Stéphanie Wojcik, les Wojak, j'imagine, Stéphanie Wojak, chercheuse à l'université Paris-Est Créteil, pointe l'intérêt de la visibilité de la contradiction, qu'on ne retrouve pas dans les interviews classiques, et cite l'exemple du streamer Samuel Etienne. Ah bah ? Invitant récemment Marine Le Pen sur sa chaîne. Non mais attends, il n'a pas invité Marine Le Pen, justement, il s'est fait... Je comprends pas. En direct sur le chat, un internaute a copié-collé un article de presse citant l'enquête... pour détournement de fonds européens dont la numéro 1 du RN faisait l'objet. Pas sûr que Léa Salamé fasse la même chose. Ouais. Quoi ? Mais il a pas invité Marine Le Pen. Il l'a invité. Attends, mais pas c'est reçu. C'est pas clair.
Oui, il l'a invité, oui, c'est ça. Il a des lettres après, c'est ça. Pas clair. C'était bizarre. Mais si elle ouvre le rêve d'un potentiel politique, cette interactivité resterait marginale, nuance un autre spécialiste de la plateforme, le chercheur en sciences de l'information et de la communication, Edouard Boutet. L'écrasante majorité des personnes connectées ne s'expriment jamais. Reste que la flexibilité et la liberté éditoriale offerte par la plateforme bien réelle attire un public plus divers que celui des émissions politiques conventionnelles. La politique resterait marginale sur Twitch. La longueur des streams, souvent 4 ou 5 heures pour ceux de Dany Eras, point d'exclamation. Ah ouais, là, c'est vraiment, c'est choquant, ça. Permettre de développer des idées et favorise un lien affectif. Chacun se connecte quand il peut ou laisse le stream allumé tout en vaquant à ses occupations. Quand on est un habitué de Twitch, on n'arrive plus à revenir à la rigueur des médias traditionnels, juge Nicolas Bouchaïb. Sur la cartographie aux allures nébuleuses multicolores de la plateforme qu'il a récemment réalisée, il a pour ça récupéré et traité les données du top 100 des streamers francophones de septembre à décembre, dont on fait partie évidemment. Dany Eras occupe une place périphérique dans des teintes roses. Oh bah tiens. Ah ok, les LGBT en rose, bon, on avait déjà fait la blague à l'époque. La politique reste très marginale sur Twitch, elle ne rassemble qu'un faible pourcentage de viewers. Mais la position de Dany Eras révèle qu'ils sont moins confidentiels que d'autres contenus plus strictement politiques. Ouais, ça c'est contre le Zawaverse alors, le Zawaverse. Vous êtes les confidentiels des confidentiels, let's go. Et let's go. C'est pas nous qui le disons là. Vous pouvez pas dire oui, Dany Eras méchant, ils ont dit. Ils ont dit que voilà. De toute façon, toi t'as dit des trucs et c'est jamais marqué, donc de toute façon, c'est vrai. Quoi que t'aies dit. Si les émissions d'actualité sur Twitch, on parlera plutôt de React, sont démocratisées depuis le Covid, notamment avec l'arrivée de Jean Massy et de Samuel Etienne, elle reste encore une niche destinée à s'étendre. Dany Eras croit en tout cas au pouvoir mobilisateur des réseaux sociaux et de la discussion. Il constate déjà un changement profond. Sur TikTok, les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles à l'antiracisme, aux questions queer. Ça nous booste. Oui, bon, ça conclusion. Nous booste. Ça nous boostait quand ça marchait. Maintenant que Toby Lofir a tous les TikTok... Voilà. Est-ce que ça nous... Non, mais il est bien l'article, vous l'avez eu gratuit. Non, en vrai, donc, blague à part, ça fait trop plaisir. Pour plaisir. Article gratuit. Attends. Non, et puis allez l'acheter. Franchement, moi j'ai lu le truc de Morgan Merteuil, c'est cool. Il y a un passage sur Chrone, il y a des trucs sympas. Ah, non, franchement, ouais. Allez. Le passage allez sur Chrone en question. Voilà. Le passage sur Chrone en question. Capture de l'écran du live intitulé C'est ce soir avec Hugo Clément pendant que je rattrape mon absence sur vous. Ah, ça me détruit. Hein. Ah, vraiment, ça voilà. Me détruit. Hein. En tout cas, ça fait plaisir. Moi, je suis content. Non, et puis les photos sont les photos sont bien et tout. Classe. C'est ça. Faut qu'on demande d'ailleurs pour les mettre. Mais Daron, ils vont pouvoir flex en disant regardez, ils sont dans le journal et tout. En plus, on n'est pas dans. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas genre dans un petit journal de merde. Tu vois, on est vraiment entouré que on est dans un vrai bail. On est entouré que de gold, quoi. C'est ça, Françoise Vergès, Morgane Merteuil, François Bégodeau. Et bien, puis merci à François Bégodeau d'avoir demandé à ce qu'on soit dedans. Hein. C'est François qui a demandé. Merci François. Merci François. Grave vénère ton écharpe. Allez, maintenant on va l'écouter défendre Sora. Allez, merci. Allez, on continue. Pour être cancel par association avec lui. Diplômé, etc. Donc bon, ça, si tu veux, t'as le tout venant. Mais il se trouve que s'emparer indifféremment de ce livre, et parfois pour le saluer indifféremment, des gens tout à fait réactionnaires, qui voyaient une documentation absolue du fait que nous allions droit vers la guerre civile, et aussi, on se pourrait appeler des bien-pensants cool de gauche, disons de gauche au sens très large, au sens beaucoup trop large, qui voyaient au contraire un livre sympatoche sur le vivre ensemble, quoi. Et moi, j'avais voulu évidemment ni l'un ni l'autre, moi j'avais voulu essayer d'écrire des choses. D'ailleurs, mon option était essentiellement comique quand j'écrivais le livre, parce que je trouvais qu'il y avait que l'école produisait quotidiennement des scènes cocasses, quoi, par leur complicité. C'est drôle dans le film aussi, ça. Ouais. Le moment où il vire un élève après le conseil de classe, j'ai trouvé ça hilarant. Ouais, j'étais mort de rire. J'étais là, oh lol, l'élève, il est nul. Leur impasse, pour moi, c'était un petit peu Ionesco au pays de l'école, quoi, c'est-à-dire de l'humour absurde. C'est un peu les situations scolaires poussées à leur point d'absurdité qui produisaient un comique un peu grinçant. Quoi. Ah, c'est l'humanité. Enfin, moi, quand je travaillais à l'hôpital, c'est ce que j'y voyais. C'est pour ça que je rigolais beaucoup de mon travail à l'hôpital, parce que j'y voyais... Attends, quoi? Vous voyez justement ce côté un peu grinçant, mais parce que c'est... J'ai l'impression que Bégodeau est en mode, je parlais pas vraiment de ça, d'accord? Humain justement, donc très, des fois très particulier. Ouais. Mais alors... c'est un matériau humain extraordinaire, à la fois les métiers du soin et les métiers de l'éducation, on brasse de l'humain en permanence, c'est notre matière première. La grande différence entre... Là, c'est là que tu vois qu'il est gentil Bégodeau.
c'est que il a pas compris, Zyoku il a pas compris ce qu'il voulait dire, mais il le suit quand même dans son truc, quoi, en mode ah oui c'est vrai et tout. C'est là que tu vois qu'il est gentil finalement. Bah quoi? Bah t'es obligé. Ah oui, t'es obligé d'être un peu clément. Ah oui, tu dois suivre, quoi, sinon... c'est comme celui que tu as pu exercer, par exemple être soignant ou infirmier ou infirmière. Et prof, c'est que je pense que l'aide-soignant, aussi pénible soit sa tâche, barré. Je pense que tu pourrais nous en parler. Attends, tiens, j'ai écrit un livre sur une infirmière, donc j'ai Mais par contre, je fais pause, pour de vrai. Vas-y, vas-y. Le parallèle avec l'hôpital n'est pas absurde. Oui, 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 c'est bien, les gens. C'est vous qui n'avez pas compris. C'est toi qui n'as pas compris. Tu veux que je te banne? Il est Clément François. François Clément. Oh, avec votre oui, le P, on a compris. J'ai pas compris le gros prout. Oui, c'est trop bizarre. On est d'accord qu'il y a un bruit bizarre dans la vidéo de Zyoklo, là. Pourquoi il a mis des prouts dans sa vidéo? C'est trop chelou. Bah. Merde alors, pourquoi il y a ça? Je comprends pas. Ça, c'est étonnant, ça veut rien dire. C'est quoi ce bruit? Bah oui, c'est quoi ce bruit? Il vient d'où? Bah. What the fuck, les amis? Je comprends pas. Ouais, même quand c'est en pause, il y a le bruit. C'est trop bizarre. Oui, la vidéo est en pause. Trop chelou. Ça vient de chez Dany. Ouais, je pense que ça vient de chez Dany. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Dany? Je comprends pas. Gros libard! C'est quoi cette merde? C'est peut-être chez vous, hein, aussi, hein. Je sais pas, hein. J'ai l'impression que c'est peut-être Twitch qui bug, genre. C'est étonnant, ça. Hein. Il est en train de chier. Oui, Dany, il est parti turbo chier, du coup, on entend ses proutes, quoi. Si Dany revient déguisé, je hurle. Mais pourquoi il serait déguisé? Attends, je comprends pas ton chemin de pensée. Pourquoi il serait déguisé? On est vraiment au prime de l'humour, là. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que ton analyse est plutôt bonne, quoi. Humour d'enfant de 4 ans réel, ça. Mais ça, c'est Dany, les gens. Y a que ça. Dany, c'est le truc, c'est ce qui fait le plus rire, quoi. Mettre des bruits de prout, des gens qui crient gronibar et tout. Genre, c'est un truc de ouf, en fait. Étonnant. Tout le monde se déguise après avoir chié. Ça serait vraiment super drôle qu'ils reviennent déguisés. Non mais, moi je veux bien qu'ils reviennent déguisés, mais je comprends pas pourquoi ils reviendraient déguisés maintenant. C'est étonnant. J'ai cherché un déguisement. J'en ai oui, pas mais chez t'en moi. Avais pas. Je sais pas pourquoi ils ont décidé que t'allais revenir déguisé d'un coup. C'est trop bizarre. Gros. Out of nowhere. J'aurais kiffé. Attends, par contre, une seconde. Oh putain. Mais dès qu'on regarde Bégodo, gros, en fait, les gens. C'est vrai que Bégodo, il y a un cœur. Les gens, chaque fois qu'on a réagi à Bégodo, on a eu notre stream de débilité profonde. C'est trop bizarre. Genre, on est plus débile que d'habitude. Ah ouais. Oui, c'est des petits putains de guerre. Aussi pénible soit sa tâche, il a quand même des satisfactions objectives, c'est-à-dire même le truc le plus crado, c'est-à-dire nettoyer un vieux qui s'est pissé, chié dessus. Je crois au début le vieux est sale et à la fin il est propre. Et donc tu as une petite satisfaction d'efficacité, ce qui manque terriblement à un enseignant. Et c'est là que l'école est complètement absurde, c'est qu'elle est quand même globalement une machine qui produit rien. Et donc c'est beaucoup de bruit et pour rien. Voilà. D'accord. Et alors j'ai une question à te poser, c'est j'ai lu donc moi notre joie. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça fait du coup de te dire que tu touches beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec le public que tu essayes de viser? Et est-ce que toi tu le vis bien ou pas? Parce qu'on le reproche beaucoup en mode, ouais, ça parle confus, ça parle facho, etc. Machin. Et comment tu vois tout ça? Bon, d'abord, moi je vise aucun public. Moi je vise quand j'écris un livre. Le petit P, il commence à me faire encore plus rire. Il est où le petit P? Moi j'ai pas le petit P. Je sais pas, je l'ai eu dans un Discord, peut-être tout est pas. Oh mais faut qu'on en mette plein, qu'on va se mettre plein de paix différents. Moi j'ai besoin d'un nuancier. Moi je trouverais ça bien si les slots de notre serveur servaient que à avoir des paix. Est-ce qu'on a besoin d'autres?
Non mais c'est vrai, excusez-moi, mais c'est important pour React. J'essaie de faire un bon livre qui correspond à peu près au programme que je me suis donné, qui est à la fois un programme de sens, des choses qu'on a à dire, et puis un programme esthétique, une forme qu'on a à mener à bien. Voilà, alors ça varie selon le livre, etc. Notre joie, c'est à la fois une forme, un sens, il y a des choses, bon, etc. Moi, donc je ne vise aucun public, si ce n'est des... Je ne vise qu'une chose, c'est des gens qui veulent bien prêter attention à un livre pendant 10, 15, 20 heures. C'est tout ce que je vise, et qui veulent bien me... avoir la gentillesse, la bonté de m'accorder un peu d'attention, parce que ça demande un peu d'attention de bien. Alors après, effectivement, mais là, ce que tu constates date pour moi d'avant notre joie. Et notre joie répondait déjà à ça, d'une certaine manière, puisque... Et en fait, le petit malentendu ou la petite confusion ne s'est joué qu'autour de l'histoire de ta bêtise, qui était mon essai d'avant, qui a été particulièrement visible aussi, qui était bon, une espèce d'interpellation... Voilà, c'était une interpellation d'un bourgeois. Je faisais une espèce de portrait d'une classe, quoi, dans sa mouture un peu contemporaine, mais aussi dans ses invariants économiques et sociaux. Et ce livre m'a causé beaucoup de tracas, beaucoup aussi de popularité. Et alors oui, là, c'est noué. Il y a eu des gens qui étaient plutôt issus de l'extrême droite ou, disons, d'une droite un peu dure, qui ont trouvé... matière à me trouver sympathique au moment de ce livre. Je dis bien au moment de ce livre, ce qui ne veut pas dire qu'ils aient trouvé sympathique le livre, parce qu'il faut toujours bien faire la différence entre les gens qui lisent un livre médiatique et des gens qui te découvrent à travers des vidéos suscitées par le livre, des interviews, des machins. Et par exemple, dans le cas de M, dont je faisais le portrait dans notre voix, qui était un de ces jeunes identitaires, on va dire, plutôt soralien, je dirais. En fait, ça serait plus simple de le dire. Ah, on y est, attention, attention. À la fin d'une rencontre publique suite à l'histoire de ta bêtise, arrête. Nous avons pris des verres dont j'ai tiré. Stop, c'est interdit. Vas-y, on en fait un chacun. Vas-y. Voilà, allez, c'est parti. Notre joie. C'est bon. Je me suis rendu compte, et je le disais dans le livre, et tu as oublié de le mentionner dans l'analyse que tu en fais avec ton interlocuteur, dont je dis le nom, parce que j'ai évidemment écouté ça, vous oubliez totalement de signaler qu'à un moment, je déduisais et je concluais que M n'avait pas lu l'histoire de ta bêtise. C'est vrai. Ah. Bon. Et que donc, si confusion il y a, elle ne tient pas au fait que mes livres soient confus, parce que je pense qu'ils sont suffisamment clairs comme ça. Elle tient à la confusion de la circulation médiatique, où parfois, et je commençais notre joie par cette phrase, qui est pour moi clé, un soir de septembre à Lyon, j'ai été confirmé dans l'idée, c'est pas exactement l'expression, mais un soir de septembre à Lyon... En fait, il vient toujours s'excuser de ce que Usul a dit. C'est incroyable, hein. Quand même, notre stream qui est tellement légendaire, quoi. Je suis désolé, on écrit l'histoire d'Internet. Bah oui, là, c'est seul, pas quoi. Genre un petit loot, les petits blancs, je sais pas quoi, là. C'est du gros loot, là, c'est du butin de guerre, quand même. J'ai pu vérifier que les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes amis. Et alors, ça, c'était le raisonnement d'un mec comme M et de certains soraliens. C'était à partir du moment où j'avais un peu ferraillé avec des gens qui se trouvaient être leurs ennemis, ils en déduisaient une amitié avec moi. Et c'était une erreur, c'était une confusion. Et j'ai dissipé cette confusion dans notre joie. Et je pense que je suis suffisamment clair dans notre joie pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible. Après, il peut y avoir des affinités transversales politiques qui peuvent être des affinités humaines. Par exemple, un type bien... Parce que moi, ce que tu dis sur Soral, quand tu dis ça aurait pu être un grand frère... Enfin, je sais plus comment je l'avais noté le... D'accord, alors... Je ne sais pas ce qui se passe avec mon corps, là. Mais je ne peux plus m'arrêter de péter. Mais putain, mais c'est pour ça qu'on passe pour des abrutis, en fait. Des quoi ? T'as dit quoi ? Des abrutis. Des quoi ? Attends, mais j'ai dit abrutis normalement pour la première fois de ma vie, tu m'engueules ? T'as dit abrutis. C'est abrutis. Des abrutis, dis. Hein. Mais fort, mais... Oh, alerte au gogol ! Voilà, allez. Alerte au gogol, les enfants ! Plus là, sous les yeux, tu disais non, c'était une figure qui t'a inspiré. C'est une version de toi réussie, non. Aboutie, sportive, non, etc. Alors, je te laisse reciter peut-être... C'est une version de toi aboutie, sportive et tout, il a dit. Comment Zioclo, il a transformé le bail avec Bégodo qui se moque de lui en mode « Ah, t'arrives même pas à citer un truc !» Après, Zioclo a raison. Est-ce qu'au moins, Soral, c'est... Est-ce que vous avez déjà vu Bégodo boxer ? Ah bah oui, dans Social Terre. Attends, je vais mettre les photos un peu gênantes. Non mais il faut qu'on en parle à un moment donné de ces photos-là.
Elle est géniale. Celle-là, elle est incroyable. Celle-là, je trouve qu'elle est incroyable. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est vraiment bégodo. Mais celle-là... Celle-là, elle est plus issue, je suis d'accord avec toi. Allez, ça se voit, il aime pas poser, quoi. Ouais, ça se voit. Mais l'autre, celle-là, elle est vraiment bien, celle-là, je trouve. Ça se voit, il aime pas poser. Après, je comprends, c'est casse-couille de poser. Hein. Non, mais attends, je suis parti où, là? Oh, je sais plus où là, on est, oula, moi. Oula, 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 oula. Oh, 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 Paul. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, casquette CGT. Hein. Quand on pourra dire que tu l'as porté la casquette CGT. Before it was cool. Hein. Ah, c'était la première vidéo. Et recontextualiser. Moi, j'aime bien écrire parce que d'écrit, c'est précis. C'est et alors, je crois pouvoir te dire à peu près ce que je disais dans ce passage sur Soral. Il s'en souvient pas. Hé, hey, moi, quand j'écris, c'est précis. Je vais pouvoir te dire du. Alors attends. Du coup, j'ai tout oublié. Je disais qu'il était. il a vraiment oublié. En plus, c'est vrai, il a un peu mal à cause d'un flex. Une version aboutie de l'intellectuel que j'aurais pu devenir et que je n'ai pas voulu devenir. D'accord. Parce que pour moi, je fais une énorme différence entre un intellectuel dont je considère que sa matière première, c'est les idées. Il brasse des idées, il fait des discours très politique, tout est porté toujours sur le message, sur l'opinion, tout ça. Moi, je considère que je ne suis pas exactement ça, parce que sinon, je ne produirais pas des travaux qui ne sont pas directement, dont le matériau n'est pas les idées, c'est autre chose. Moi, mon matériau, c'est plutôt la vie. Je pense que c'est plutôt ça, un romancier. C'est quelqu'un dont le matériau est la vie, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas des options politiques. Les miennes sont assez connues, et dans certains essais, je les donne plus explicitement. Donc, ce que je disais, c'est que si j'avais vraiment voulu persister dans une sorte d'étoile intellectuelle que j'avais quand j'avais 18-19 ans, parce qu'on aime bien les grandes idées, on aime bien les grands discours, j'étais déjà très politisé, eh bien, oui, j'aurais eu un devenir Soral. Non, mais je pense que je vois de quoi il parle. Il parle dans le truc de, tu sais, full logos, de... Mais ce qu'il a un peu... En fait, moi, là où j'ai envie de lui dire, c'est qu'il l'est devenu, en fait. Tu vois ce côté de l'intellectuel qui prend beaucoup la parole, un petit peu clasheur, tout en se donnant un air tout le temps d'être, tu vois, de parler de ce qu'il y a, tu sais, le truc de c'est vérifiable, c'est écrit dans mon livre. Très bégodo comme phrase au final, tu vois. De, oui. Et lui, il a un côté où on pourrait le rapprocher d'une version de gauche marxiste matérialiste d'Alain Soral, tu vois. Bah ouais. Genre, même, ouais, parler du réel, tu vois, et puis même le côté de. Intellectuel, beaucoup parler du fait d'avoir écrit des livres, tout en aimant un peu être dans la confrontation, un peu aller se confronter avec la lie d'Internet, tu vois, tout ce truc un peu... On devient ce qu'on demande. C'est ça, voilà, ouais, ouais, tu vois. J'ai beau voir Nietzsche, Bégodeau pour en arriver à on devient ce qu'on demande. C'est vrai. Non, mais en vrai, en plus, ça a l'air débile ce que je dis, mais... Et je pense que ce qui est bien aussi, hein, déjà il dit ça chez Yoclo, il sait où il parle. On a parlé de débats ces derniers temps et le contexte est toujours important. Qui vas-tu convaincre ou pas? D'ailleurs, il a l'air d'avoir convaincu, hein, comme d'hab. Hein. Les commentaires sont assez élogieux. Bah, bien sûr, évidemment, bah, comme toujours. Non, mais bon, il est trop fort. Des gens qui ont essayé d'aller, allez, je me mets dedans, mais des gens qui ont essayé d'aller chez Yoclo pour convaincre les gens, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein, C'est vrai. Mais ça, non, mais cet exercice-là, de toute façon, il le maîtrise. Genre, c'est bon, c'est bégodo, tu le mets dans ce truc-là. Tu le laisses parler pendant 3 heures à des gens, que ce soit des gauchistes ou des droitards. Il va trouver l'angle pour et les critiquer, les baiser, et un peu les convaincre et finir par être un peu sucé et tout. Et c'est ça, son côté Soral aussi, tu vois. Son côté matrixant, tu vois. Genre, en dehors du fond, tu vois. Genre, je pense que, parce que le fond, il n'y a rien à voir. Parce qu'en plus, Soral, qui lui, genre, tu sais, c'est son truc gauche du travail, droite des valeurs, blabla, tout son blabla. En fait, Bégodeau, il n'a pas d'idée proche de lui. C'est pas un tanky. Parce que Soral, c'est vraiment stalinien, fit les trucs racistes, tu vois, et antisémites. Mais par contre, au niveau de la présence médiatique, de la manière de présenter ses idées, c'est vraiment une question de forme qui les rapproche, quoi. Ah, pardon, pendant ce temps, il y a des proutes partout, c'est... je suis d'accord avec toi. Non, mais... Moi, il y en a un, j'ai failli craquer. À la limite, les stickman, je commence à m'habituer, mais il y en a un, il a juste dit « Envie de péter sur Bégodeau » pendant que tu parlais. C'est vraiment, mais... Pff, c'est ce chat, c'est vraiment... C'est le collège, quoi. C'est un gros... En c'est fait, déquité, on a un chat c'est comme... de Zep, quoi. On a un chat de... C'est sec, ça. Quoi. Non, mais tu sais, c'est comme... Les... Genre, si c'est calme... Ils vont être calmes et il y a l'ambiance qui va être calme. Par contre, quand ils commencent à s'énerver après et à être dissipés, c'est fini. Après, non, mais regarde, on a passé 15 minutes à faire des proutes. Et on n'a rien à foutre.
La commune qu'on mérite. Non mais oui, moi, pour ça, je veux pas vous ban ce soir. On mérite tout ce qui nous arrive là. Et donc en fait, le pseudo-compliment que je lui faisais était en fait un coup de pied de l'âne. C'était une espèce de compliment-attaque. C'était de dire, Soral, t'es peut-être devenu la version aboutie de ce dont je rêvais en tant que petit intellectuel en herbe, très grande gueule de 18 ans. Mais précisément, il y a eu des choses dans ma vie qui ont fait que je n'ai pas voulu devenir ça. J'ai voulu devenir autre chose que ça. Pas une machine à idées, pas une machine à déblatérer sur un canapé. Même avec beaucoup de talent, parce qu'effectivement, Soral a du talent. Après, il déblatère quand même. Etc. Bah, en fait, ce qui est c'est que moi, je trouve qu'il pourrait faire qu'il en a gardé le meilleur, quoi, au final. Bah, de dire justement qu'il est devenu un Soral sans tomber dans ses idées, ses raccourcis faciles. C'est ça, c'est donc, ça. Donc voilà, ça s'arrête là. Je veux dire, j'ai pas... Faut bien lire les choses, parce que dès lors qu'on essaie d'être un peu subtil, évidemment, ça peut prêter à des contresens. Voilà. Mais après, je pense que tout m'oppose à Soral. Ah non, mais clairement, mais après, c'est juste qu'il a marqué une époque. Et ce qui est marrant, c'est que t'arrives à dire ça de lui, en fait. C'est-à-dire au point qu'il t'ait marqué toi aussi. Après, ce que je trouve marrant, à chaque fois, les droitards, ils découvrent, alors qu'à gauche, franchement, Usul, hein. Tout le monde à gauche reconnaît à Soral le fait qu'il a été un des pionniers sur Internet en termes de parole politique. Bah oui, et il y a même beaucoup même de gens... Même si un contexte aussi à ça, qui est son éviction des médias traditionnels, donc c'est plus fou, un hasard qu'il a eu le pif avant tout le monde, tu vois. C'est qu'il n'avait pas d'autre choix, et finalement, bah, il est arrivé là avant les autres. Son aura, l'importance qu'il a eue sur... toute une génération, on va dire, rails de JVC, complotistes, qui sont devenus après des Papacito, des Raptors dissidents, tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, même ceux, Usul le premier, qui sont construits en opposition c'est à ça, c'est que c'était pour répondre gens... à Soral ou à aller c'est sur ça, son c'est terrain. Que, même si c'est pas quelqu'un qui t'a inspiré ou que t'as regardé, ça a forcément été, si t'as été sur Internet en voulant faire de la politique à cette époque, au moins une figure sur laquelle tu te places en faux, quoi. Ça veut dire que ça soit dans une tradition, que ça soit en rupture, que ça soit, tu vois, parce que des gens aussi, des ex-soraliens qui sont devenus l'inverse aujourd'hui, tu vois, genre ça existe aussi. Tu vois, genre c'est... Après, Soral, à l'époque, c'était un truc vraiment qui était hégémonique, quoi. On parle sérieusement, je lis le chat, je vois qu'on n'est pas dans le même espace-temps depuis tout à l'heure. Il y en a un qui a dit réel, c'est vrai sur ce râle machin, ils mettent un peu un com juste après, tu lis salut Dani. Il n'y a aucune raison d'avoir mon DP. Ils sont naturels et indiquent simplement que tout système digestif fonctionne comment correctement. Français, etc. Pour moi, ça me paraissait un peu lointain, tu vois. C'est pour ça que le livre sur M, j'ai vu beaucoup d'intérêt, mais cette phrase m'avait un peu interpellé en mode ah ouais, quand même, c'est fin. Soral, c'est vraiment le Mélenchon de la droite. Ils vont pleurer sans trouver de remplaçant avant un long moment. Ouais. Après, le truc, c'est que il a vrillé et aujourd'hui, même les mecs qui l'aimaient bien et qui l'aiment bien, qui tu sais, qui regardent ses vidéos, tu sais, qui sont restés soraliens dans le fond, genre que ça soit le côté antisémite, le côté antiféministe, le côté tradition, etc. Quand il le voit passer des heures à parler de complots un peu éclatés autour du Covid, qui n'ont pas trop de sens, genre là, il est vraiment devenu conspi éclaté maintenant. Et il tombe que dans, genre même, genre limite, les trucs de terre plate, les trucs de chemtrail, il commence à tomber là-dedans. Soral. Alors qu'à l'époque, tu sais, il y avait un côté où les gens, ils avaient l'impression que c'était un peu la noblesse du complotisme Soral, tu vois, tu sais, où c'était, oui, des... là, bah, c'était pas les complots ridicules. Il voilà, avait une image d'Antello, malgré c'est tout. C'est ça, exactement. Et puis, les gens se battaient contre lui dans les médias, alors qu'aujourd'hui, plus personne ne cite, à part des gogoles d'Internet, tu vois. Vous sentez presque déçus. Ah non, pas du tout. On serait déçus. Pas du tout. Surtout que moi, je vois à quel point il était puissant, et tant mieux de plus avoir un adversaire comme celui-là, je peux vous le dire. Ah oui, de fou. De voir tous les nuls qui essayent de l'imiter. C'est ça, c'est tant mieux. Hein, genre, t'as pas envie d'avoir une machine de guerre comme ça en face, quoi. Ça qui est l'enfer, quoi. Ouais, et puis moi, je pense qu'en plus, pareil, comme il s'attaquait aussi beaucoup aux médias traditionnels, en vrai, tu vois. Ouais, genre, l'arc, moi, tu vois, genre, soralien, j'ai jamais, moi, été soralien. Genre, vraiment, j'ai toujours trouvé ça. Wow. Ouais, moi non plus. Par contre, il y a un arc dont je me souviens et qui m'a fait écouter du Soral et tout, c'était l'arc Stéphane Guillon. Je détestais. Ah oui. Stéphane il Guillon. Il a fait Prout. Et quand il était là, j'ai baisé sa femme. Hein, faut le savoir. Et c'est pas demain que tu baiseras la mienne. Voilà. Cet arc-là, genre, force est de constater, genre, c'est, tu vois, ça fait partie. Et d'ailleurs, je pense que c'est un moment qu'il a turbo-popularisé, un parmi d'autres, tu vois. Parce qu'il y a des données, il y a des tas de trucs aussi. Mais un parmi d'autres qu'il a popularisé. Et ça, à l'époque,
tu n'entendais personne critiquer la télé, tu vois. Et moi, très vite, ce qui après m'a fait du bien, c'est justement l'arrivée des Pierre Carl, des Franck Lepage, des... Mais ça, moi, je pense que ça a déradicalisé la télé, tu vois. Ça a déradicalisé des gens de Soral parce que tu avais un autre endroit où trouver de la critique médiatique. Et je pense que c'est pour ça aussi que le, on va dire, l'arc critique médiatique très tous pourris de la gauche, donc Pierre Carl, Lepage, et puis même toute la période du Jules, oui, toi, tous les gens. Et en fait, je pense que d'avoir eu cette période très anti-média, tous pourris, presque complot, tu vois, tu sais, tout ce truc aussi des nouveaux chiens de garde, de regarder le complot de la télé, Pierre Carl qui va au dîner du siècle, qui montre qu'ils se réunissent tous, que les patrons de télé et les politiques vont bouffer au même endroit et tout. En fait, la petite saveur, tu sais, il y a eu du poivre communiste, du poivre complotiste, genre ça. Ouais, ouais. La petite saveur a permis vraiment de déradicaliser. Il disait sa mère, les médias. C'est ça, voilà. Et puis c'est aussi, ça, il a su parler, ça on l'a déjà dit des tas de fois, mais il a su parler banlieusard beaucoup. C'est ça. Avec un discours de réconciliation, des trucs comme ça. Qui était une arnaque totale. Oui, parce que bon, c'était pour cibler le juif. C'est, donc, ça. C'est ça. Déjà, lui, c'était de manière cynique pour cibler les juifs. Et de toute façon, en privé, c'est aussi ce qu'il a baisé. C'était un raciste dur. Parce que lui, il faisait croire, il disait que lui... Tu sais, même, il avait des phrases très... ah, moi, j'aime pas les racialistes. Il disait qu'il aimait pas les identitaires de droite. Tu vois, tout ce truc du musulman qui était des vrais travailleurs, etc. Mais en fait, tu te rends compte que... même, tu vois, tout ce truc de la virilité... Et puis son histoire de cul aussi, là. Voilà, et ben ça, il y a aussi le truc quand il s'est rapproché de Joe Dalton, qui est un mec... Enfin, tu vois, et en fait, ces mecs-là se sont rendus compte qu'en privé... il était aussi immonde avec les Arabes, avec les Noirs qu'avec les autres, et qu'au final, lui aussi, il avait une part un peu identitaire, tout son truc, tu vois, et que tout son vernis de dire « Ah, moi, j'aime bien tout le monde, sauf les Juifs, qui étaient sa strate », c'était un mensonge, quoi. C'était, il aimait pas les Juifs, et les autres aussi, tu vois. C'était globalement personne, quoi. Tu vois, donc c'est aussi ça qu'il a baisé, quoi. Quoi, Elias, tu savais pas qu'il avait fait des trucs avec Joe Dalton ? Oui, le Joe Dalton du rap, Elias, bien sûr. Et en fait, ils essayaient de faire des trucs, des confs ensemble. Et notamment, Soral, il espérait un peu avoir tous les mecs autour de Joe Dalton qui sont un peu des ex-mecs de gang, slash chasseurs de skin, un peu bizarres, machin, etc. Il espérait un peu que ça serait sa milice privée. Mais sauf qu'ils se sont rendus compte de la vérité du personnage. Et lui, il a essayé de les manipuler. Ils se sont rendus compte. Donc après, ils lui ont fait un sort. Ils se sont retournés contre lui, tu vois. Mais, bah ouais. Mais voilà. Après, si la gauche a été à hauteur sur Israël, ça aurait pas poussé des indigènes dans les bras de Soral. Oui, mais tu peux aussi... Non, mais il y a ça aussi. Après, ouais, mais attends, oui, tu peux aussi tourner le truc dans l'autre sens, qui est quel dégât Soral a fait à la cause palestinienne. Parce que justement, c'est ça, la gauche avait beaucoup moins de mal à dire qu'elle était pro-palestinienne fut un temps, il n'y arrive plus du tout aujourd'hui. Et mon avis, c'est que c'est aussi justement l'horreur des discours de Soral. Et regardez... Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que des gens disent qu'il ne faut pas écouter Ouria Boutelja ou Wissam ou peu importe ? La Palestine, très précisément, que ce sont des nouveaux soraliens. Et parce qu'ils ont un discours anti-sioniste. Et en fait, si tu dis « je suis anti-sioniste, je suis contre Israël, contre la politique d'Israël », eh ben, les gens font très vite le lien avec l'antisémitisme. Et oui, parce que Dieudonné, parce que Soral, et c'est des souvenirs encore trop présents, encore trop forts. C'est ça. Je pense c'est que dans d'une génération ou deux, quand les gens ne sauront plus qui c'est Soral et Dieudonné, tu vois, ça sera peut-être en mode oh là, les paniques bizarres des vieux, tu vois. C'est ça. Un peu c'est comme il y a avec la gauche et l'anticommunisme primaire de nos grands-parents, vous voyez, vous avez dû entendre vos vieux dire oh non, Mélenchon, Venezuela, Cuba, et vous êtes en mode mais c'est quoi, je comprends pas ces arguments. Mais c'est des arguments qui parlent d'abord. Et ceux que tu l'as encore. D'avant. C'est les jeunes bourgeois macronistes ou alors libéraux ou LV, ouais, à qui il y a des vieux qui leur ont dit ça et ils le répètent, tu vois. Oui, mais c'est pas pareil que ceux qui ont grandi dans la peur du communisme, des goulags, qu'ont mangé BHL, qu'ont mangé les nouveaux philosophes contre l'intelligentsia de l'URSS, blablabla. Enfin, tu vois, c'est pas du coup, c'est pour ça, c'est des digestions aussi. Et je pense que là, on vit une période de transition où, pour beaucoup de gens, le simple fait de dire... ils peuvent en plus être au fond d'eux, dire oui, c'est grave ce qui arrive à la Palestine, mais le simple fait de parler d'Israël, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Et nous, par exemple, nous, on se fait taxer d'antisémites avec Razan, des fois. Ouais. Genre de soraliens, de néo-soraliens. Alors que, de je sais pas alors quoi. Alors que, en plus, c'est même pas, tu sais, genre, sur les questions...
Israël, Palestine, antisionisme, etc. C'est pas là-dessus qu'on va le plus, parce que bon, c'est pas une expertise qu'on a, tu vois, genre non plus, tu vois. Donc on n'irait pas commencer à faire de la vulgarisation là-dessus, mais juste d'avoir un accord sur cette lutte-là suffit à être taxé de ça, tu vois. Alors qu'on fait pas les malins sur ouais, le sujet, c'est tu vois. Genre, Non, mais c'est juste pour expliquer que. Ah, de fou, de fou. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un effet. Mais je pense que l'effet global que Soral pouvait plaire à des classes populaires par rapport aux gauchistes, il y en a plusieurs. Il y a son accessibilité, son goût pour la punchline, le fait qu'il était sur Internet avant les autres, c'est-à-dire que ça écrit des papiers à Le Monde ou que ça va sur les plateaux de Backseat, bah, il y en a, ils préfèrent regarder Internet. J'aime bien, je dis Backseat ouais, comme si c'était... Oui, de fou. Mais il y en a, ils préféraient, ils se disaient « Ah bah tiens, au moins là, ça me parle plus ». Et puis le discours de réconciliation, etc., dans un climat très islamophobe. Moi, je pense qu'il y a ça aussi, hein, l'islamophobie qui a joué plus qu'autre chose. Et après, il est allé aussi surfer sur des affects antisémites très très forts et qui continuent de fonctionner. Oui. Donc, et en plus, les affects antisémites qui étaient très larges dans la société, tu vois, parce que les gens ils sont en mode ah, Soral il a parlé aux affects antisémites des banlieues, mais vous croyez quoi? Vous croyez que les campagnards. Droitard, séduit par le côté machin identitaire. Pourquoi ils sont full antisémites aussi, la tradition antisémite à l'extrême droite. Genre, c'est on ça. Dirait maintenant que l'extrême droite. Et aussi, il y a un autre angle que les gens ils sous-cotent sur ce pourquoi Soral il a été efficace. Pareil, c'est aussi l'antiféminisme. C'est aussi le discours sur les meufs, le discours sur la drague, le discours sur ces trucs-là aussi qui a convaincu des gens. Et des gens qui ont été convaincus sous l'angle drague, antiféministe, viriliste. D'ailleurs, combien ça a donné ? Ils sont suivis sur l'antisémitisme après aussi. Combien quoi. Ça a donné de coachs en séduction, etc. Mais tout ça pour dire, juste, vous savez, nous, on aime bien taper sur les responsabilités de la gauche, surtout en matière d'islamophobie, en matière de mépris de classe, d'inaccessibilité de leur discours. Mais vraiment, sincèrement, je pense que Dieudonné, il ne faut pas prendre le problème à l'envers, il ne faut pas se faire gaslight. Dieudonné et Soral ont clairement nui à la cause palestinienne. Ah oui, ah, mais c'est sûr et certain. Et je pense qu'il y en a des années même. Il y en a beaucoup ici, et d'anciens avec Soral, ou qui ont écouté Soral et qui ont pu être séduits plus ou moins, parce qu'en vrai, même, tu vois, il y a. Tu sais, les gens être en mode ex-Soral, mais il y en a, ils écoutaient juste Soral en se disant bon, c'est le bonbon politique un peu interdit, je l'écoute en me disant il va trop loin. Tu vois, les gens l'écoutaient pas forcément aussi dans cette logique d'être vraiment fan, tu vois, en mode je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Moi j'avais pas mal de potos, ils me disaient ouais, j'écoute Soral, mais c'est un gueudin, tu vois, ils étaient en mode il va trop loin, il est perché, mais des fois il dit des vérités, tu vois, mais c'était un peu plus c'est cet ça, effet-là. C'est ça. Mais je pense qu'il y en a plein maintenant, forcément, quoi. Et peut-être qu'ils disaient c'est important et qu'ils se rendent compte avec le recul et qu'il y en a plein qui l'ont déjà formulé comme ça, de dire ouais, non, mais par contre, on a perdu du temps. Parce qu'en fait, c'est ça, et c'est les dégâts du confusionnisme. Et je pense que la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que ouais, la confusion, en fait, au début, tu te dis « Ah, oh, ça fait pas de mal. Vaut mieux quelqu'un qui parle en dog whistle, qui dise des horreurs, et puis ça peut rassembler, et puis on peut convaincre dans les confus, etc. » Ouais, mais pour convaincre dans les confus, pour moi, justement, t'as intérêt à être solide comme un bégodo, quoi. T'as intérêt à être quand même bien sur tes appuis. Parce que l'enfer du confusionnisme, c'est que du coup, tu peux faire le con de son camp. C'est-à-dire qu'il y en a plein, ils se sont dit « je suis pro-palestinien, je vais soutenir un discours antisioniste, je vais partager des vidéos de Dieudonné ». Bah, ça fait qu'aujourd'hui, même parfois d'ailleurs, des artistes hein, qui ont complètement changé de bord et qui ne peuvent plus parler de ça, et on leur sort toutes les 5 minutes leurs anciens tweets où ils ont partagé Dieudonné. Hein. Ou parce qu'ils ont fait une quenelle une fois ou truc, il y en a, ça a condamné leur carrière et ça fait que je pense qu'ils ne pourront et plus même jamais des mecs... donner leur avis sur Israël, quand bien même ils seraient le bon et aujourd'hui. Et t'as des mecs, tu regardes par exemple Medine, qui a carrément été dieudonniste à une époque, qui a même un peu forcé avec ça et qui aujourd'hui, tu sais, tu regardes toutes ses déclarations, c'est devenu un gauchiste quoi. Il va à l'AFA, il fait des trucs avec les gilets jaunes pendant les retraites, enfin vraiment roi des gauchistes. Et même, on lui ressort encore est, alors est que tu vois clairement que. Lycée, je mets des gros guillemets parce que je respecte beaucoup. Il s'est lissé à sa Medine. Manière, oui, je suis d'accord. Mais par rapport à avant, tu vois. Il suffit de regarder 2 secondes pour voir son évolution politique et qui est LFI, réelle, c'est tu ça, vois. C'est ça, il est LFI, c'est bon. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un insoumis, Medine. Mais moi, je l'adore, hein, Medine, hein. Très très chaud. Ouais, de fou, pareil. Mais c'est vrai que ça... Et d'ailleurs, c'est même l'extrême droite le ressort souvent. Et d'ailleurs, ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que l'extrême droite eux-mêmes disent « Ah, les Soraliens !» Moi, je vois souvent « Oui, Sam, les Soraliens !» Je le vois dans certains gauchistes, mais je le vois aussi beaucoup à droite, hein. Ou les printemps républicains mentaux aussi, un truc comme ça. C'est très dur ce chat, genre de ce soir. C'est insupportable. J'essaye d'être sérieux depuis 20 minutes, mais il continue. Hein.
te voir comme une sorte de soirée. Mais après, je comprends par rapport à la virulence des idées, etc., où c'est pas exactement le même propos, en fait. Si tu veux, il y a... Après, il prend un cachet, attends, mais pause. Chronologiquement. Il a pris un cachet pour aller à l'AFA. D'accord, Elias, déjà normal qu'il prenne un cachet pour jouer, qu'il prenne un peu de thunes. Et surtout, il y a plein de gens où, même si l'AFA leur propose un cachet, ils iraient pas. C'est que, ok, il prend un billet pour aller faire le truc. Mais c'est quand même dire oui à l'AFA, quoi. C'est connoté, tu sais, c'est pas la fête de l'humain, quoi. Et puis même, tout le monde serait pas accueilli comme il a été accueilli à l'AFA. Quand il arrive et qu'il dit à l'AFA, et là, t'as tout le monde qui connaît ses paroles. Genre, je pense que n'importe quel antifa dans ce pays écoute Medine. Ouais, bah genre, en tout cas, il y en a plein qui c'est important dans la rue. Ça me paraît, même je pense que c'est une des choses qui peut te former politiquement aujourd'hui à devenir antifasciste. L'AFA, c'est. En fait partie, tu vois. C'est antifasciste action. Bah là, c'était AFA Paris banlieue. Donc antifasciste de Paris. Moi, si tu veux, je n'ai pas eu un moment sur. C'est pas l'AFA, c'est L apostrophe AFA. C'est antifasciste action. Quand j'étais gamin. Qui fasse que. Bon, vu que ça parle jamais d'eux, en général, tout le monde connaît pas. Pourtant, ils sont utiles. Hein. Il ait pu être une idole possible que j'aurais ensuite tué. C'est pas ça du tout qui s'est passé. Une idée de Wissam, et que c'est vrai, il y a une émission avec eux. Elle est très très bien, allez la voir. Allez la voir. Soral, si tu veux, quand j'ai 20 ans, on ne le connaît qu'à une chose, fin des années 80, début des années 90, par là, et qu'il passe parfois à la télé dans des débats chez, par exemple, Christophe de Chavannes, qui à l'époque animait une émission de débat qui a été un peu matricielle par rapport à toutes les autres talk shows. Et Soral était un bon client de télé, notamment dans les émissions qu'il voulait faire spectacle, parce qu'on savait qu'il avait une grande gueule, et notamment sa spécialité à l'époque, et je le disais aussi dans Notre Joie, il ne faut jamais oublier que le premier tropisme de gens comme Soral et Zemmour, qui en l'occurrence peuvent être amalgamés, même s'ils sont très différents par ailleurs, c'est l'antiféminisme. Et oui. Soral était devenu une espèce de bataille de plateau qu'on invitait dès qu'il y avait comme... Bah ça, tu le dis tout le temps, et là, ça fait Bégodeau, évidemment, qui connaît ses classiques. C'est ça, c'est important, ça. Et oui, parce que vous croyez trop, justement, c'est l'antisémitisme et machin... En vrai, même moi, j'aurais même tendance à dire que le truc sur lequel il était un peu trop dans le passé et qu'il a fini par le condamner à terme, c'est son antisémitisme. Et d'ailleurs, la preuve en est l'émergence d'une nouvelle droite très islamophobe qui s'est construite en deuil et en contradiction de Soral. Mais que par contre, là où il a été très en avance par rapport à un public... Et qu'il est encore ressuscité. Et oui, et par un public d'extrême droite qui aujourd'hui est très très actuel sur la question, vous le savez, nous, à chaque fois qu'on mate du contenu un peu droitard, on va dire, vous voyez bien que ça tourne quand même beaucoup autour de la question du sexe, d'être puceau, de misère sexuelle, incel, féminisme, les femmes, drague de rue, harcèlement. Et par exemple, des Raptors qui sont construits après en opposition avec Soral tout en étant inspirés. Les premières vidéos buzz du Raptor, les premiers gros chiffre qu'il a fait, c'est Marion Seclin, c'est sur le harcèlement de rue, c'est le nombre de chaînes qui sont construites comme ça. Et ça, c'est ultra important parce que moi, je pense que c'est là-dessus qu'il a eu, tu sais, sans s'en rendre compte encore une fois, mais qu'il a amené à se propulser, quoi. S'il y a bien un truc les droitards bien babtous nationalistes et les mecs de quartier qui baissent pas, bah, c'est qu'ils baissent pas, quoi. C'est ça qu'ils ont en commun. aussi. Merde. Et elle est là aussi, l'alliance des beaufs et des barbares. Elle s'est faite sur ça aussi, tu vois. Ah, putain. Sur une détestation des meufs. Et tu regardes d'ailleurs Twitter. Moi, je vois, je vois bien sur Twitter, genre, il y a des gens clairement pas racistes et des gens clairement racistes sur Twitter qui se font la guerre toute la journée. Mais parfois, ils se rejoignent dans les RT, dans les likes, sur des positions antiféministes, tu vois. Et ça, c'est très, 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 très courant. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce truc qui est non seulement... à l'origine de comment ils ont créé leur truc, mais aussi peut-être le cœur en vrai de l'extrême droite aujourd'hui. Regardez une Thaïs, on sait qu'elle, en plus, niveau nationalisme, niveau discours racialiste, parce qu'elle, elle est carrément en mode si t'es pas blanc, même si t'as des idées traditionnelles, c'est quand même limite même un marqueur de radicalité, même dans son propre champ, parce que même si les autres le pensent, ils osent pas le dire comme ça. Au contraire, ils sont souvent à se vanter qu'au moins ils ont déracisé, contrairement à la gauche. Thaïs qui assume ce discours-là sur Telegram et tout, dans sa phase la plus publique, donc c'est-à-dire ses vidéos YouTube, son TikTok, ce n'est que des discours antiféministes autour de la séduction, etc. Donc, ça, c'est important à comprendre. Le cœur, je pense que c'est le cœur populaire
du discours. C'est ça, parce que c'est un truc qui touche très largement, quoi. Et d'ailleurs, l'alt-right aux États-Unis, c'est construit aussi autour de ces questions-là. Antifémie et les LGBT aussi. Là, en ce moment, aux États-Unis, la question LGBT, c'est ce qui canalise de fou l'extrême droite et même la droite états-unienne. Là, c'est un enfer, même en Floride et tout, même les lois anti-trans, tous les trucs là, genre c'est un truc de ouf. Là, tu as un truc où des parents qui laissent transitionner en Floride, si tes parents laissent transitionner leur enfant mineur, on peut leur retirer la garde, gros. Et, ouais. Genre, et là, même si tu vas dans un autre état pour faire des opérations, pour aller prendre, pour aller chercher traitement des trucs, ça peut te retomber dessus. Enfin, c'est là le backlash, il est hyper violent, c'est un truc de ouf. Ouais, et puis là-bas, c'est non, mais de toute façon, même tu vois, genre le débat woke, anti-woke, là-bas, c'est un fou. Vous êtes aussi critique du féminisme une partie. Alors c'est vrai, nous, je pense que nous, on pourrait dire qu'on est critique du féminisme libéral blanc et bourgeois à la limite, tu vois, si tu veux. Parce que nous, c'est surtout ça qu'on va critiquer dans le féminisme, même si derrière, je pense qu'on a quand même des positions assez clairement féministes pour moi, tu vois, sur beaucoup d'aspects. Mais, et si on l'est, c'est justement, je pense que faut avoir ce travail-là, parce que ça permet à des gens qui pourraient être séduits par les droits d'auteur en mode « mais ils n'en parlent jamais », etc., etc. Là, je sais qu'on avait fait la série avec Cassandre qui parlait de masculinité. Alors, on a reçu beaucoup de mecs trans, de queer, de gay, de femmes, de féministes qui nous ont dit merci de parler de masculinité comme vous en parlez, mais c'était un message sur deux. L'autre message sur deux, c'était enfin un discours qui parle de misère sexuelle entre guillemets à gauche et qui en parle bien, parce qu'il y avait les deux profils là-dedans. C'est que t'as les gens qui sont en mode un peu, ils regardent un peu d'autres vidéos genre Philogine ou des trucs comme ça, hein. Et qui, là, ils sont contents parce qu'ils entendent un discours qui leur paraît tout simplement un peu plus carré et qui les prend en compte, qui les méprise pas. Et un autre, qui sont des gens qui savent très bien que les trucs Philogine et tout, etc., c'est de la merde et que misère sexuelle, lol, c'est toax, tu vois, que ça veut rien dire. Et qui sont justement à la recherche du discours qui dit les problèmes avec la masculinité, il faut parler de ça, il faut les régler, qui ont envie de se poser des questions sur leur genre, qui savent que c'est presque plus de la misère affective en réalité, tu vois. Que de la misère sexuelle, que c'est pas lié que à leur genre, que c'est lié aussi à un contexte sociétal, tu vois, un mode même de production, j'ai envie de dire, tu vois, au capitalisme, etc. Donc en fait, c'est ces choses-là qui re-ramènent les gens vers, tu vois, ce discours-là. Et si t'as pas ce discours, c'était juste dans le mépris fort, bah il y en a, et notamment, je pense, les moins, tu sais, ceux qui ont peut-être le moins de culture politique, ou qui s'en sont pris le plus dans la gueule, bah, qui s'aliènent, en fait. Et c'est ça ce qui est fascinant, d'ailleurs, avec l'alt-right aux États-Unis, c'est que pour beaucoup, à la base, c'est des, c'est des geeks, c'est des gamers, c'est des psychodéliques. C'est-à-dire, c'est juste des petits gars qui jouent à Zelda et machin, ils se posent pas trop de questions. Et puis, au fur et à mesure de l'engagement féministe d'une part, du fait qu'ils comprennent rien d'une autre, tu vois, etc., qui se radicalisent parce qu'ils se font bait par des contenus un peu vite fait antiféministes qui disent ah t'inquiète, on va parler de toi, et après ça les ramène sur mais tiens regarde les étrangers, les migrants, et c'est comme ça qu'il y en a pour beaucoup qui prennent la El Famoso Red Pill. Donc c'est ça aussi qui avec lequel il faut faire attention. Et nous, le pari, après c'est notre pari, il y en a d'autres, ils en font d'autres, et est-ce qu'on a raison, je sais pas, mais nous le pari, c'est aussi on va pas mentir sur les trucs qui coincent. Et donc, je pense que la journaliste l'a bien résumé, quoi. Ne pas hésiter à parler d'islam, et ne pas de parler des musulmans dans ce pays, de parler de l'antiracisme, de la question des violences policières, de tout ce qui en découle, d'une part, et de l'autre, de ne pas hésiter à critiquer une gauche universitaire, savante, insupportable, et un féminisme libéral blanc qui n'est jamais remis en question. Jamais. Et je dis bien un féminisme libéral blanc. Parce que derrière, nous, on n'est pas en mode... Enfin, je pense que vous ne nous avez pas beaucoup entendu critiquer en disant « Ah, vraiment ?» Oh là là, les afroféministes Oh là là, le féministe décolonial, on n'en peut plus. C'est bizarre, on choisit nos cibles. Après, il y a des afroféministes libérales. Ouais, mais tu vois, mais on choisit nos cibles. Il y en a, genre par antiféministes, ils vont taper de Morgane Merteuil à Ouria Boutelja en passant par Mademoiselle. Tu sais, ils font oui, un mélange, ils mettent tout pas dans la même différence, sac. Ouais. Alors que nous, on dit non, on va enlever quelques petits chapons du sac avant de le frapper avec. On regarde qui domine, en fait, et quels sont les discours dominants. Ah, j'ai vu des gens s'énerver là sur le truc. Ah, les mineurs qui transitionnent, c'est grave, etc. Allez sur le stream de Cassandre demain, posez-lui la question et vous expliquer.
Vous allez chez le roi des trans. C'est le roi des trans. Si vous vous expliquez, c'est quoi la réalité des transitions des mineurs. Parce que moi, de toute façon, le problème des États-Unis que j'ai, gros, c'est que le niveau de wokisme aussi, genre, c'est waouh. Oui. C'est il y a des trucs qui sont. Mais vraiment en fait, c'est ce qu'on discutait avec Cassandre, c'est qu'en fait, ce qui est horrible avec les États-Unis, c'est que tu regardes les wokistes états-uniens, ils sont cringe, ridicules contre son camp, mais en face, t'as des gens, c'est vraiment des meurtriers, et c'est vraiment gens qui, tu sais, qui sont là, les lois, les trucs, c'est qu'en fait, tu t'es obligé, t'as envie de défendre, on va dire, la gauche états-unienne, machin, mais elle est tellement cringe que c'est ridicule, mais en face, ils sont, genre, c'est vrai, ils ont vraiment des gens. C'est immonde, là, il y a eu un truc, gros, il y a un mec, il y a un néo-nazi qui a essayé de faire un truc de fausses hormones à vendre sur Internet, et en fait, les cachetons, c'était de la testo surdosée. Pour essayer de faire prendre de la testo à des meufs trans, machin, etc. Bon, après, là où il est complètement débile, c'est que les meufs trans, elles sont chimistes et qu'elles connaissent tous les lores et qu'elles savent tous les trucs qui marchent ou pas. Donc ouais, mais il y a forcément une ou deux personnes. Mais c'est ça, tu vois, genre, et en surdosage, c'est limite dangereux pour la vie, tu vois. Genre, tu vois, des trucs comme ça aux États-Unis, c'est tout le temps, quoi. C'est ce que Psycho alors disait pour se dédouaner, mais là où il y avait une part un peu de vérité là-dedans, c'est qu'il disait. Ouais, moi je parle des woke aux États-Unis parce qu'au moins c'est drôle vu que c'est cringe, alors que la droite ça me fait bader. Et ça, je pense que c'est un peu sincère, mais du coup, ça fait partie du nœud du problème, je trouve. Et je pense qu'à gauche, faut pas qu'on hésite à se moquer de quand la gauche est un peu cringe, mais à rappeler quand la droite est horrible. Tu vois ? Moi, je pense que c'est ça aussi le rôle. C'est que... Et c'est un rôle compliqué. Parce que moi, je trouve la question du. En fait, la question du wokisme, moi tu me dis est-ce qu'en France il y a du wokisme ? Je te dis, par 20 tweetos insupportables matrixés par les États-Unis, non. Franchement, non, et c'est une panique morale de ouf. Par contre, tu me dis aux États-Unis, c'est impossible de ne pas cringe, challenge. Et genre, tout est gangréné par ça. Mais à un stade où, justement, pour moi, faut proposer des critiques queer telles qu'on les a toujours posées en France. La question du pinkwashing, la question de, oh non, mais vas-y, mais encore un jeu vidéo là où on nous met le drapeau LGBT avec l'équipe de Californiens, bab tout angoissé, qui sont là à te mettre des persos qui se ressemblent tous. Mal sucé de Steven Universe, la gros, la Wholesome, le Wholesome Game Fest là, de l'E3, la gros, c'est. Waouh, c'est que des jeux Stardew Valley bizarres, en mode un peu woke, bidule. Tu vois ça, je te jure, t'as envie, tu vois le truc, t'as envie de devenir fasciste, tu vois, tellement c'est. Tu sais, c'est caricatural, c'est ridicule, etc. Moi, ça, j'ai pas trop envie de devenir fasciste, par contre, toi. Moi, je suis capable de poser une critique de gauche. Alors vas-y, je vais te montrer les images. Ah mais gros, moi tu peux me montrer les images, ça va pas me rendre fasciste. Ah, je vais te montrer les images, on va voir. Ça me rend pas fasciste du tout. Ça me rend anti-wokiste, ça me rend pas fasciste. Donc tu vas pouvoir ça a l'air d'être le BGE, hein. Ça c'est la faute. Gros, ça c'est la faute de ton jeu préféré Animal Crossing, gros, by the way. Non, parce qu'Animal Crossing, justement, ils critiquaient ça. Ils ont enlevé toute la substance. Gros, c'est toi qui es fan de ces jeux-là. C'est toi qui es fan de Nintendo, gros. Hein. Ils sont matrixés. C'est horrible. C'est horrible parce que t'es une ordure. T'es une ordure parce que le premier. Justement, moi, ma critique que j'ai à leur faire pour les baiser à leur propre jeu, c'est qu'Animal Crossing lui-même. Animal Crossing lui-même critiquait ça, gros. Le premier Animal Crossing, chaque village quand les gens ils jouent Animal Crossing, c'est pas ça qui est chien, solitaire, ça te rappelle que le monde il est pas mignon et que t'es pas dans un monde pipou, que c'est le capitalisme. Non, le dernier déjà et il que dit Tom pas du Nook tout ça. Viendra. Non, mais ça s'est lissé à cause de ces trucs là. Mais je te jure qu'à la base c'est ça. À la base c'est ça et tous ces et jeux. Les gens qui jouent Animal tous Crossing. Ces jeux là. Moi en fait j'ai envie de te faire à une bégodo. Toi et tes potes de GameCube, j'ai envie de te à l'Avatar quand il parle d'Avatar et qui dit non. On enlève toi, tout en mode le tragique. Dis, quoi. On enlève ça, le tout truc. Le tragique. C'est que pour les pipons. Mais tout doit être mignon et tout. Mais sauf que ça parle pas du réel. Ça parle pas de la nature. La nature est laide aussi. Mais arrête de sucer Animal Crossing. C'est pas pour ça que t'auras une gros, place dans les médias tu veux jouer gros, à ça. Arrête d'être dans le déni, gros. Toi, tu veux jouer à ça. Bah, gros, non, c'est tes jeux. C'est toi qui as passé des heures sur Animal t'as Crossing. T'as envie de jouer gros. À ça. Regarde. Bah, ces non, jeux. Ça, c'est ton toi, rêve. T'es en mode littéralement enfin ta de culture de N-sex. Toi, t'as tweeté. T'as tweeté. Tu fais que parler ça change du pampan grisaille. Ça change des pampans boum boum grisaille de chaque année.
C'est vraiment les, c'est vraiment c'est toi. T'es fan de Nintendo et de Zelda. Le Wilson direct gros, genre vraiment. Tu connais par cœur Animal Crossing. Regarde ça. En fait, c'est ça, pour ça que tu deviens fasciste. C'est que toi, t'as une culpabilité d'être fan de ça. Alors que moi, j'ai pas besoin de devenir fasciste pour être opposé à ça. Ça a jamais été ma culture, Nintendo. Bah pourquoi ? Trop bizarre. Hein. Oui, ça, on dirait toi, du coup. Ah tiens, on dirait toi encore. J'ai pas de moustache. Ils sont beaux, hein, les personnages. Hein. Vraiment, wow, le jeu vidéo. C'est ton imaginaire. C'est l'avenir de... C'est à ça que tu joues tous les jours sur Nintendo. T'as une Switch. Attends. Regarde la DA de ça, gros. Là, c'est taï, tu deviens nazi un peu, on est d'accord. Bah non, je deviens pas nazi. Ah je suis dans le mépris. Je suis dans un mépris. Fasse quelque chose contre tout les à fait argumenté. Non, mais sinon, est-ce qu'on peut redevenir anti-États-Unis primaire, peut-être, sinon ? Ah bah voilà, ça me va. Moi, je veux bien être anti-États-Unis, pas besoin de devenir fasciste, comme toi, tu le désires, parce que tu culpabilises d'être fan d'Animal Crossing, quoi. Ça, le problème. Non, mais gros, c'est grave. C'est gravissime. Tout est grave dans ce truc. C'est ton imaginaire. Ah ouais, c'est vraiment les jeux que j'adore. C'est les fans de Nintendo, ils ont joué au même jeu que toi, ils aiment les mêmes jeux que toi. Chaque jeu, tu cliques, et c'est que des Stardew Valley de Wish, c'est une dinguerie. T'es fan de Outer Wilds. Ouais, je suis vraiment fan de Outer Wilds. Ouais. T'as turbo sucé le jeu. C'est pas toi qui jouais à... qui a fait un putain de let's play entier de Hollow Knight, là ? Mais Hollow Knight, c'est pas un jeu comme ça. Oui, bah Hollow Knight, tu tapes des trucs. Alors à la base, qu'est-ce que tu... C'est toi qui joues des jeux où tu tapes des trucs. T'as pas des trucs. Oh. Après, désolé, c'est... gros, Hollow Knight encule n'importe lequel des jeux que tu es en train de me montrer. Hein. Regarde, vraiment, genre, chaque DA. Et en fait, ce que j'adore, moi, c'est qu'il y a tout un lore qui arrive à t'expliquer que ça, au moins, c'est original par rapport au pampan triple A grisaille. Et tu vois, j'en en parlais avec Wendo. Et Wendo, il disait, en vrai, le jeu indé est en train de vivre sa période 360, tu sais, où il y avait que des jeux de guerre, triple A, jeux de tir, et ça n'en finissait jamais, où tout se ressemblait. En fait, maintenant, le jeu indé, mais tous ressemblent. Et moi, enfin, il y a des jeux, gros, mais c'est à la limite. Parce qu'il y a des trucs, à la limite, il y a des DA un peu sympas, des machins. Mais il y a des jeux, genre, qui sont... C'est du foutage de gueule, gros. J'ai l'impression de te voir sur Animal Crossing. Je vois pas la différence. Pour moi, c'est vraiment le même jeu. Il y a des animaux mignons. Et t'es là, oh, c'est trop mignon, Tom Nook. Voilà. C'est horrible. Fan de ça, hein. T'es fan de Kirby, hein, donc... Bon, il y a quoi de plus non, c'est bien que de fan de Kirby. J'avais envie de commettre un crime de haine après ça. Et je pense que je vais te tuer toi, en fait. Tu veux me hate crime? Voilà, j'ai envie de te hate crime. Je pense que là, il est temps, là. Vraiment, je me disais, il faut que je bute un LGBT après ça, là. Il y a eu trop de roses bonbons. Je suis obligé, là, de commettre un crime homophobe. Et je sais chez qui je vais aller, tiens. Je sais chez qui je vais initier mon fascisme, là. Il y a des gens qui donnent de l'argent là-dessus, c'est terrible, hein. Voilà, allez-y, c'est parti les gens, on soutient, soutenez mon projet de destruction. Non, c'est pas vrai. Non, mais quand tu vois ça, en fait, t'es en mode, waouh, les gamins de 15. En fait, je vois la boucle immonde de, ça veut absolument forcer en permanence sur tous les sujets de, oh regardez, on a mis des LGBT, alors que c'est que tu vois les équipes de développement à chaque fois, gros, les équipes de BAP, tout californien, surprivilégiés avec des chaussettes, avec des fraises. Des chaussettes Oui, tu sais, ils ont toujours des chaussettes en mode des muffins roses ou des trucs comme ça, qui font leur jeu en mode Wholesome. C'est gros, ils ont fait un jeu de loot box où tu peux créer ta start-up et envoyer des mademoiselles box, là. Gros, il y a un jeu comme ça, et le jeu, tu peux mettre des étiquettes genre « Wholesome, you're the best » dessus et tout. Genre, t'es là, tu vois ça quand t'es une petite merde aux États-Unis. Après, tu tombes du coup sur des youtubeurs un peu droitards, edgy, qui vont dire « regardez, c'est la mort » et tout. Tu regardes ça, tu finis dans une boucle, alt-right, tu votes Trump, gros. C'est bah oui, ce pays a un putain de problème, c'est une dinguerie. Tu te définis comme fasciste depuis que t'as vu ça, tellement t'es un fragile, t'as honte. T'as honte de ta culture jeu vidéo. Hein. Jeu vidéo est finito, c'est tout, gros. Non, parce que moi, je te dis qu'Animal Crossing, justement, Animal Crossing proposait, par rapport à toute cette sous-merde-là, qu'ils font genre, qu'ils ont essayé de comprendre quelque chose, Animal Crossing t'expliquait le réel.
Animal Crossing te disait tu viens vivre dans un truc plein de villageois, mais en fait chaque villageois est un keuk avec ses propres angoisses. Ton voisin, tu lui offres pas de cadeaux, il vient te voir et dit ah, tu me parles plus trop, t'es un peu une merde. Il y a que toi qui le vois, non mais Dani pour lui. Ça, mais non, il y a pas que moi qui le vois. Animal Crossing, alors que tout le monde était là, regardez, lui il est trop mignon et je lui ai offert des cadeaux et regardez ma petite maison. J'ai fait un petit tableau CGT et regardez, j'ai fait un drapeau LGBT dans ma maison d'Animal Crossing. Resetti, ouais, voilà, Resetti, c'est Raz. T'as oublié de sauvegarder, t'avais Raz qui se putain de ramener pour te dire sale enculé de merde, t'as oublié de sauvegarder, t'as un peu détruit la vie des gens, je vais te casser les couilles avec un humour très Raz, à te Raz light pendant 2h30. Vous avez pas joué à Animal Crossing sur GameCube, fermez vos gueules. Vous avez joué à Animal Crossing récemment. C'était il y a combien de temps qu'il est sorti? C'était il y a longtemps, mais c'est ce que je te dis, c'est moi ma critique. Voilà. Que je porte. Mais t'es quand même fan du dernier Animal Crossing qui est à l'inverse de ça. Oui, bon, ça crée ta carrière, alors ferme ta gueule. Hein. Oui, bah n'empêche que t'es fan de ce truc, Crossing, c'est grâce à nous. C'est toi et les NSX, vous avez enfanté cette merde. Vous avez joué à Kirby Dream Land Aventure, là, et à cause de vous, il y a cette esthétique-là partout. Kirby Dream Land Aventure. Ça existe, non? C'est pas un vrai truc. T'as cité Kirby, là, j'entends. Ah, il y a un Wendo qui meurt à chaque fois que tu parles. Oh, non, tu vas pas de Sakurai comme ça. D'ailleurs, Sakura a créé le gameplay de Smash Bros, car en fait, c'est le gameplay de Kirby. Quand tu manges la craie à main dans Kirby Dream Land Adventure, eh bien, en fait, tu obtiens le panel de coups de Kirby dans Smash Bros, actually. Et voilà, la preuve. Hein. C'est horrible, les gens, ils veulent pas comprendre. C'est bien quand vous dosez pas aussi. Enfin oui, quand même, je vais devenir fasciste, il fallait peut-être la doser, celle-là. Les woke, ils rendent fous, les woke. Rendez-vous compte qu'ils rendent fous. Donc moi, je vous propose qu'on devient anti-états-unien. Mais là où t'as... Par contre, là où t'as totalement raison pour sortir du troll, c'est qu'à chaque fois que tu vois ça, t'es en mode « Ah, les woke, insup !» Mais n'oubliez jamais qu'autant plus les woke, plus ça va, plus ils sont cringe. Mais les autres en face, c'est des tueurs. C'est ça la difficulté. C'est là que tu peux pas te faire d'équivalence de dire c'est pareil, bah c'est cringe tout. Il y a un côté c'est cringe et l'autre c'est des malades mentaux assassins en fait. Bah tu fais psychodélique. Donc c'est l'enfer. Et en fait on peut même pas, moi ce qui me rentrait c'est qu'on peut même pas avoir le plaisir de totalement se moquer des woke états-uniens si en s'en battant un peu 5, les couilles. Minimum. Oui. Là 45 secondes il y aura pas de radio libre. Mais... C'est ça, donc ça dégage. Mais c'est ça qui est frustrant, c'est que moi j'aimerais bien juste me moquer des woke états-uniens en mode balèque, mais on peut pas parce que c'est tellement cringe en face, c'est tellement l'enfer en face que bah voilà quoi, donc c'est terrible. Oh, merci le G54000. 50 subs comme ça, c'est 50 subs comme ça libre. C'est l'argument de la radio libre ou t'as... Non, il avait prévu avant. Donc pour moi, il compte pas dans la radio libre. Ouais, il compte pas dans la radio libre. Merci Dunkman, sauf s'il dit oui, j'ai fait ça pour la radio libre, il compte pas. S'il dit non, j'ai pas fait ça pour la radio libre, c'est bon. C'est lui qui décide. S'il veut pas de radio libre, pas de radio libre. Mais attends, du coup, donc voilà, bref, oubliez jamais que si on devait faire un psychodélique de gauche pour... Oh là là, regardez, cette prof a montré un reportage LGBT aux États-Unis, bah l'équivalent, ça serait... Oh là là, regardez, ce jeune Américain matrixé par 4chan a pris un M16 et s'est rendu dans un supermarché afro-américain et a buté 12 personnes. Et les gens aussi, ça commence à arriver en France. On l'a vu à Tours avec le mec, la bombe artisanale. Là, apparemment, hier, il y a eu des dingueries aussi et tout. Genre là, ça commence à vraiment... genre la blague hate crime, là, en France, ça commence ouais, à arriver centres de plus LGBT en plus. Qui se font attaquer, et tous les trucs. Et c'est des gens matrixés par la droite états-unienne qui trouvent ça très bien, quoi. D'ailleurs, moi, je pense les vidéos Papacito, là, les dernières vidéos dans lesquelles l'humour dans lequel il commence à aller, c'est cet effet-là aussi. Et finalement, moi, je trouve... En vrai, tu vois, la gauche française... Elle a des côtés un peu wokies, Terminali, Twitter et tout, etc. Mais en vrai, elle est quand même hyper consciente de ça. C'est critiquable et tout le monde critique ça. Faut arrêter, tu vois. Et même ceux qui n'osent pas critiquer ça, ils le savent très bien. Genre même parmi, je veux dire, les gens qui ont les communes les plus pipous, moi, je sais leur discours sur leur propre commune. Ouais, je les connais, leur discours. Et je peux vous dire qu'ils sont très conscients des fois des limites de ce truc et l'enfer que ça peut être. Merci, Mr. Oblomov. Mais alors que par contre, là, pour le coup, la droite française, elle commence vraiment à se alt-rightiser, à se fortchaniser, que ce soit dans les thèmes, dans les côtés mêmes, dans les machins, dans les trucs, et dans ce côté un peu, il est temps d'agir, quoi. Combien de fois Baptiste Marchais ou Papacito ont dit, il faut agir. C'est ça. Et tout le monde est inquiet que lui comprend très bien ce que ça veut dire. Ah. Mais voilà, quoi. Mais en vrai, vrai sujet intéressant, tout ça, là, tout ce qu'on dit là, au-delà des blagues...
C'est vraiment... Oui, on est plus en 2017, Milan. Moi, je suis d'accord qu'en plus, la gauche, on en sort de cette méta nulle. En plus, ça veut dire que la droite, l'extrême droite s'enfonce dans le truc fortune états-unien haine, alors que la gauche en sort de ce truc qui était cringe, tu vois. Genre, c'est pas si relevant que ça. Il y en a toujours un peu, mais c'est pas si relevant, quoi. Il a dit Radio Libre, le frérot. J'ai pas vu son message. T'as vu son message, toi? Non, moi, j'ai pas vu son message non plus. Ah, mais on va la fera, les gens. On va la faire, on va finir la vidéo. Mais en fait, c'est important parce que vu qu'on parle de Soral, et bon, Soral, c'est le passé, c'est facile à analyser, les raisons d'eux, les raisons de machin et tout. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, pour moi, je trouve le vrai défi, c'est comment tu parles d'islam, des musulmans, de leurs angoisses, de leurs préoccupations à gauche. À la limite, il y a Mélenchon qui a à peu près un petit peu essayé de le faire, mais c'est largement pas suffisant. Donc il y a ça d'un côté. Et comment tu le fais dans un contexte de plus en plus islamophobe où justement, je pense que là où le fascisme est le plus fort, le plus dangereux, enfin les gens qui vont dans la rue, ils crient immigrés, assassins, immigrés dehors, tu vois, c'est ce qu'ils font. Hein. Donc faut rappeler que la cible, ça reste quand même ça. Et donc ça, c'est la préoccupation, on va dire, numéro une. Mais aussi, du coup, comment tu fais face au wokisme, au discours de gauche un peu déconnecté, surprivilégié, ce qu'ose pas aborder certaines contradictions et tout, etc. Et qui, je pense, est la porte d'entrée. Et je dis bien la porte d'entrée. Hein. Il y en a, heureusement, ils s'arrêtent là. Ils vont pas jusqu'à aller gueuler immigrés et assassins dans la rue, tu vois. Mais il y en a pour beaucoup, plus, c'est la porte d'entrée. Et en plus, là où c'est une porte d'entrée, j'ai l'impression plus maintenant, c'est que c'est même une porte d'entrée business. C'est-à-dire que tu peux rentrer... un peu en faisant une ou deux vidéos, je critique un peu le féminisme ou je sais pas quoi. C'est et ça, YouTube, coaching, machin. Regarde Psychodélique, à la base, le gars, c'est un gars, il veut parler de jeux vidéo, il a ses opinions parfois un peu gamer gâteuses. Et maintenant, le mec, c'est Cro-Blanc, c'est, tu vois, enfin c'est un niveau... Ah, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple de cette lente chute, quoi. Donc bon, ça fait beaucoup de questions à se poser, quoi. Si justement, on veut éviter... Parce que là, c'est bien, maintenant, tout le monde analyse les conséquences de Soral, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait dû pas faire. Mais il y a des enjeux actuels, quoi. Comment on déradicalise les incels? Vraie question, qu'on s'est déjà fait quand on les refoulant dans le bon sens? Ah bah après, déjà, alors, il faut déjà partir du principe que tu pourras pas tous les déradicaliser, déjà. Et après, à chacun ses techniques, il y en a plein qui essayent. Hein. Chacun à leur propre manière, hein. Il y en a, c'est par la pédagogie, d'autres, c'est dans l'affrontement. Il y en a, c'est aussi en essayant un peu de considérer leur discours, d'essayer d'aller parler un peu à leurs affects, tout en les confrontant quand même. Je pense à ce qu'on a fait avec Cassandre, je pense à Léo aujourd'hui qui fait ça, qui est dans la suite de ça un peu. En les baisant. Ah oui, bah c'est vrai que il y a quand même, vous voulez sauver, voilà. Vous voulez sauver les hommes de l'incélitude, coucher avec eux. En vrai, ça marche, hein. Ça marche, hein. Il y a un ou deux incels qui sont devenus pédés. Mais bon, après, faut se sacrifier, faut avoir le don de soi. Moi, je vous avoue, j'ai pas le temps pour ça. Moi, je vous avoue, j'ai pas forcément le temps pour ça. Donc voilà, faut être très motivé, on va dire. Donc vous vous débrouillez avec ça, mais j'irai pas. J'encouragerai. Enfin, je ne forcerai pas les autres à le faire. Baise un incel, sauve un droit à tard. Putain, mais il faudrait faire un film Le Nom des Autres, le pseudo des autres. Et en fait, tu fais le remake du film Le Nom des Autres et c'est juste genre une militante qui se dit « Ah, je vais baiser avec des incels. » Ou un militant. En vrai, le vrai film, pour moi, le vrai film, ça serait du coup un militant parce que j'ai vu plus de PD aller dans des forums et convertir tout le monde que l'effet inverse. Ok, bon, vas-y, la suite, là. Il est tard, là. Surtout oui. Si on fait Radio Libre. Le sujet... Un sujet qui était à l'époque c'était moins un peu la cam, c'est trop chaud. C'est le nom des gens, l'émancipation des femmes ou des choses comme ça. Il y avait toujours un Soral pour venir chier sur une féministe, dire qu'en fait le féminisme était bourgeois, bon, vrai, que c'était l'idiot utile du capitalisme. Il redit la même chose, tu veux pas mater Pollux, comme ça on passe à la radio libre. Ça c'est Soral tel que moi je le vois quand j'ai 20 ans et lui il en a 30. Et bah ma foi, je trouve le mec rigolo parce que c'est vrai qu'il anime les plateaux, mais je suis absolument pas d'accord sur sa position sur le féminisme. Et puis longtemps après, parce qu'à un moment, il disparaît de la circulation.
Et moi, je le retrouve rétroactivement, je dirais en 2010, j'ai vent du fait qu'il est devenu une espèce de petite star de YouTube qui fait des confs, et je croise pas mal de jeunes gens qui sont fans de lui. Et c'est à ce titre-là que moi, qui à l'époque ai 40 ans et donc qui est largement passé l'âge d'avoir une idole comme lui, je vais aller regarder un peu ses vidéos pour voir mais qu'est-ce qu'il lui trouve. Et là, bon, je commence à voir ce qu'il est en train de faire. Tu vois, mais je veux dire, Sorel n'est pas du tout quelqu'un qui m'a construit d'aucune manière, ni comme repoussoir, ni comme adhésion. Moi, je suis vraiment allé le voir avec attention qu'à partir du moment où, effectivement, dans ma petite circulation sociale, je croisais pas mal de jeunes mecs de 15-20 ans qui me disaient... Bah, Bégodo, le mentor ? Quoi ? Je comprends pas. Bah, dans son parcours, il a croisé pas mal de mecs de 15 ans... Ah, je l'ai ! Oui, mentor à Guy, j'ai compris, ça y est. Eh ouais, Soral, ouais, il dit des trucs quand même, c'est pas mal. Voilà, et après, ça va donner notre joie. Les plans cul grinder de Bégodo lui disant oh, bien Soral quand même. Nous avons de nouveau. Ah, c'est pour ça qu'il est au courant, mais oui, mais c'est logique, bien sûr. Soralien, un bébé Soral, puisque M, au moment où a lieu cette soirée à Lyonnaise, cette fameuse soirée lyonnaise, là, où il vient me voir et se déclare fan. Eh bien, à ce moment-là, il a 25-26 ans. Donc, il était typiquement le type qui cherchait des idées politiques à 14-15 ans, s'est branché sur YouTube et s'est mis à écouter Soral. Je crois qu'il y en a énormément comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai fait Notre Joie, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quand même une sorte de phénomène de masse, quoi, et que ça méritait qu'on s'y arrête. Clairement. Et du coup... Il faut bien leur vendre des livres. Attends, non, pardon, c'est pas ça que... moi, j'ai une question, c'est que t'as été boycotté de la télé, si je dis pas de bêtises. Moi ouais. Oui, bah, récemment, je dirais qu'à partir de l'histoire de ta bêtise, notamment, où j'interpellais la bourgeoisie, mais j'interpellais non pas exclusivement, comme contrairement à ce qui a été dit, mais quand même en grande partie une certaine bourgeoisie culturelle qui officie beaucoup dans les médias et notamment dans la presse, parce que c'est celle que je connais le mieux, puisque moi j'ai foutu un ou deux pieds là-dedans. Donc ça a été mon accès à la bourgeoisie. Donc c'est vrai que dans le livre, il n'y avait pas que ça, mais il y avait beaucoup d'exemples qui étaient tirés du milieu de la critique de cinéma, du milieu de la télé, du milieu du cinéma tout court, du milieu de la littérature, voilà, toutes les choses que je connaissais. Bah, précisément, c'est ce milieu-là qui est censé être leader d'opinion dans ma sphère d'activité à moi, qui consiste à produire des travaux et à les médiatiser pour qu'ils se vendent un peu. Et à ce moment-là, ils me l'ont fait payer. C'est évident qu'à partir de 2019, sortie du livre, je n'ai plus eu aucune invitation à Radio France, notamment. Ah, voilà pourquoi il faut sucer la bite à Hollande un peu. Non, mais en plus, eh oui. Je dis pas ça pour tracher, là. Je dis ça aussi pour expliquer un peu. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est que t'écris ça, et moi, je pense que c'est un peu vrai. Hein. Je pense qu'il y a un effet boycott, quoi. Et la preuve, aujourd'hui, il y a que sûr. Sud Radio ou Zio Clos qui veulent parler à Bégodo. Et puis, hein. Vous voyez la bourgeoisie... La bourgeoisie de gauche et qu'on les critique. Hein. Ça, c'est vraiment un no-go. Nous, on l'a vu, on a pris ultra cher à cause de ça aussi. Quelle que soit l'échelle, là, la plus petite ou la plus haute, c'est vraiment un truc de ouf. Tu commences à mal parler d'eux, t'es finito, en fait. Ah bah, ça, c'est mais sûr. Mais voilà, bon. Mais on tu a fait vois, le tournant. Le cauchemar d'Uzul, il est là. Non, mais apparemment, il va parler d'Uzul. Putain, mais c'est une dinguerie. Mais, tu veux vraiment changer de il sujet. Il va parler d'Uzul. Oui, je veux changer de sujet. Ça fait une heure que c'est sur une vidéo de merde. Elle est pas si intéressante, j'ai le seum. Mais vas-y, s'il parle d'Uzul, tant mieux. Les gens ne font que dire, il va parler du Zula, attendez, regarde, c'est dans le chat. En pinote, à France Télé. Pas du alors tout, qu'avant, ouais. Il m'invitait assez régulièrement parce que j'étais considéré comme un tout bon client. Voilà. Spoil, ils vont parler d'un Usul Aviné. De fait, un effet liste noire que je trouve tout à fait logique, d'ailleurs, très cohérent et dont je me réjouis. Et pourquoi cohérent ? Enfin, tu penses que genre ton discours gêne le pouvoir ou c'est quoi, enfin, façon de parler, hein. Pas le pouvoir, mais la bourgeoisie, ça les gêne vraiment ? Je suis pas assez mégalo pour dire les phrases du genre « mon discours gêne le pouvoir ». Non, mais je pense qu'il y a quand même, quoi qu'en pensent les droitards, et je l'ai déjà dit et je le répéterai, une droitisation du service public français. France Inter est une chaîne de droite, je le maintiens, et je pourrais nommer des gens, et je pourrais lister, et je pourrais faire ça très méthodiquement. Et d'ailleurs, à chaque fois on m'oppose que quand même il y a l'émission Charline dans le cœur, etc. Elle vient ah oui, c'est pas branco, bah oui, mais il a raison de mettre cette balle. C'est pas parce que tu vois comment les médias s'organisent qu'il faut devenir fou en mode « Bah oui, c'est ça !» Tel journaliste qui habite rue des journalistes, qui est le cousin de la sœur d'un proche de Macron par alliance. D'ailleurs, il y a des pros Zul dans les coms qui t'en veulent, parce que tu sais, quand t'as imité Juan Branco pour te moquer du Zul, ils croient que t'es sérieux, premier degré, et vu que l'État a mis ça dans l'intro... Entre
supprimé. En fait, mieux que ça, semi-supprimé, ce qui est encore plus subtil comme. Ouais, comme, en plus, je fais une voix débile et tout. Comme ça, il ne peut pas vraiment se plaindre. Donc, c'est encore mieux. Donc, il y a même plus ce petit îlot, après avoir viré des gens comme Mermet, qui disent peut-être rien aux gens qui te suivent, mais qui ont été très importants. Daniel Mermet dans la formation de la conscience de gauche dans les années 80-90, avec une émission absolument passionnante qui s'appelait Là-bas, si j'y suis. Mermet, qui était vraiment plutôt associé à la gauche. Les gauchistes disparaissent. La gauche anticapitaliste a été virée. Alors que c'est des gauchistes éclatés, c'est dire, tu vois. Bah ouais, mais c'est dire l'angoisse. Déjà, 1h16:45, il parle d'Usul, mais c'est pas. J'ai pas cette la c'est bonne pas vidéo, dans cette alors. Vidéo. Ça me donne tant de plaisir. Envoyez la vidéo. Envoyez la bonne vidéo. 10-15 ans. Et ça a été en bon moment. Ça a monté en puissance sous la houlette, par exemple, d'un sinistre personnage qui s'appelle Philippe Val. D'autres gens sont venus après. Et... Dany et Raz sont-ils des putains de guerre? Oh. Ah bah c'est là. Je vois bien que souvent, dans les débats que vous avez, pardon, je me permets ce vous un peu générique, tu t'excluras si tu veux. Ah, il parle de nous. C'est souvent ce qu'on pourrait appeler des métadébats dans une vieille lexicologie universitaire, c'est-à-dire des débats sur le débat. On parle du fait qu'il faudrait parler, ou on parle du fait qu'on a parlé et qu'il n'aurait pas fallu parler, on parle du fait qu'il aurait fallu, on dialogue à propos du fait qu'il faudrait dialoguer ou ne pas dialoguer avec quelqu'un qui lui-même refuse de dialoguer. Il a raison. Mais regarde lui par exemple, il dialogue avec machin, donc pourquoi moi je dialoguerai pas avec. C'est une espèce comme ça de mise en abîme permanente de soi-même, ce qui fait qu'on perd un peu l'objet. Donc moi, si tu veux, la question de savoir si l'extrême gauche doit débattre avec l'extrême droite est une question très secondaire pour moi. Moi, si je tombe sur un mec d'extrême droite, je lui cause, on se cause, on débat. Je l'ai fait dans notre jour, enfin, je l'ai fait dans la soirée qu'a donné notre jour, mais ça n'a pas été la seule fois dans ma vie. Hein. Et puis ça m'est arrivé depuis, puis ça m'arrive encore. Regarde, quand t'as Usul, qui te voit discuter avec des fachos. Ouais. Lui il dit, faut pas qu'il parle avec. Tu vois, c'est lui qui a la surface. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que organiser. Alors il a pas dit ça. Il a dit qu'il avait pas vu que c'était des fachos. C'était ça son accusation, oui, qui était encore plus bizarre. Et qui était en mode, ah, oh, il y avait des fachos qui le absorbaient ce qu'il disait. Bah, avec l'extrême gauche. Il a accusé. Ça, il buvait ses paroles. D'être un peu bizarre, car beaucoup de confus le sucent, quoi. Gauche et extrême droite. Moi j'aimerais bien des fois le faire et tout, mais c'est très compliqué. Parce qu'un mec qui aurait des idées à poser, voilà, d'extrême droite, qui pourrait être contredite, il n'y en a pas beaucoup qui veulent le challenger. Et je comprends pas en fait pourquoi. Et effectivement, pourquoi, à part le reproche qui est fait par certaines autorités de gauche, façon de parler, ou de droite aussi, je l'ai déjà entendu à l'époque, hein, ils ont dit faut pas y aller. Usul bourré, mais après les gens, quand est-ce que vous allez comprendre qu'Usul est toujours bourré, je vous en supplie. Le nombre de gens qui ont dit « Oh, il y a Usul, il était pas bourré sur votre stream de l'autre soir. » C'est là que je vois ça, que... C'est là que je vois qu'en fait, si on vous le dit pas, vous le voyez pas. Allez, bref. Allez, etc. Et maintenant, ils y vont un peu plus, ils ont envie. Parce qu'ils savent que c'est leur terrain, en fait, aussi. Donc, est-ce qu'il faut prendre le terrain plutôt? Non, mais moi, je me sens pas du tout concerné par ce genre de réticence ou d'interdit dont la gauche frappe certains sous prétexte qu'ils ont approché de l'extrême droite dans tel ou tel débat. Enfin, vraiment, ça, mais c'est tellement loin de moi, ça. Parce que moi, je veux dire, je l'ai parfois dit, je vais le redire, moi, je suis un littéraire à la base. C'est vraiment ça, ma base arrière. Et littéraire, c'est quoi lire des romans? C'est quoi? Oui, ça, on connaît son plein de gens de droite. J'ai vu plein de films de gens de droite. J'ai un réactionnaire. Oui, je ne vois absolument pas ce qui ferait que je devrais me passer d'aller dialoguer avec un type qui ne serait pas de mon camp, quel qu'il soit d'ailleurs, parce qu'après, se posera toujours la question de savoir où on met le curseur. Quoi. Je veux dire, je peux donc débattre avec Macron, mais pas avec Marine Le Pen. Ah ben donc, on est en train d'accréditer le fait qu'il y ait une rupture qualitative entre Macron et Le Pen. Or, nous, les gens de gauche radicale, nous n'arrêtons pas de dire qu'au contraire, il y a une espèce de continuité entre les deux qu'on appelle le bloc libéral autoritaire. Oh, pauvre Jean Massy. Bah après, RL, hein. Donc tout ça est plus en plus, hein. Contradictoire et après je pense que ça vient aussi d'un esprit un peu antifa qui ont toujours un peu comme ça vu, comme leur nom l'indique, le fascisme comme l'ennemi absolu, et qu'il y avait comme une espèce d'exception fasciste qui appelait un traitement moral ou un comportement spécifique. Bon, moi je me suis toujours engueulé avec eux, même à Nantes dans les années 90, ça s'appelait pas exactement Antifa encore, mais il y avait à peu près le même genre de truc, et je m'engueulais déjà avec eux, j'étais déjà pas d'accord là-dessus. Tout ça me passe complètement au-dessus de la tête, et c'est pour moi c'est vraiment un débat chichiteux, un débat un peu moralineux, qui n'a aucun intérêt. Oh, voyons plutôt avec qui débattre, dans quelles circonstances, quel temps nous est donné. Voilà, moi ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que j'ai été invité, pour l'instant il m'est arrivé de refuser des trucs, hein, par exemple, tu vois, je vais te le dire parce que c'est pas du tout un scoop ou un secret,
C'est Téléliberté, c'est comme ça que ça s'appelle le truc Téléliberté. Ça m'étonne pas. Qui est maintenant animé par l'émission qui est animée par Morillo. Oui. Voilà. Alors Morillo, j'ai fait récemment Les Incorrectibles avec lui et il m'a invité à venir au truc. Et moi je lui ai pas dit non parce que c'est Morillo. La preuve, je venais de faire Les Incorrectibles avec lui. J'ai même pas dit non parce que c'est quand même un peu un nid d'extrême droite, quand même, qu'il le veuille ou non lui-même. Enfin, globalement, c'est plutôt de cette couleur-là. Je lui ai dit non parce que je lui ai dit, mais moi, venir dans le truc où on est 6 là, et que moi, je vais avoir 4 minutes de parole et je pourrais pas en placer une, et qu'en plus, ça va être confus parce que quand on est 6, on sait jamais de quoi on parle. Moi, je lui ai dit non. Moi, je lui ai dit éventuellement, invite-moi de nouveau tout seul dans ce même truc, et puis pour moi, ça sera exactement la même chose. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait Les Incorrectibles. Ça, c'est vrai, ça. J'avais déjà vu. L'exercice plateau multiple, il est autant plus touchy que tu. Genre, c'est trop dur de voler la place. Il y a un mec qui parle, et tu veux répondre à ce qu'il a dit, mais un autre va lui répondre. Du coup, si tu re-réponds au gars qui a parlé, que tu reviens sur ce truc-là, c'est bizarre parce que tu reviens en arrière, et ça se trouve, les deux qui ont dit des trucs, t'as deux trucs à dire. Bah, c'est donc, ce soir, tu peux pas avoir le truc de tag. Voilà, c'est ça. Tu vois, un vieux ça, fou, et ça y est, c'est ça fou, fout quoi. La merde, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Merci, Gaz Papaja. Donc, je savais qu'on avait le temps d'y parler, qu'on aurait au moins une bonne heure et demie. En plus, il s'engage à ne pas monter. Et d'ailleurs, il a maintenu ce cap. Ouais. Alors qu'à un moment, il a été quand même tenté de couper, à un moment où il était un peu mis à mal lui-même. Et dans sa grande honnêteté, je le salue pour ça. Je pense que tout m'oppose politiquement à lui, mais là-dessus, j'ai vraiment du respect pour lui. Il n'a pas coupé. Et donc, donc j'ai eu le temps de m'exprimer. Ça n'allait pas monter. Et que Morillo soit d'extrême droite ou un peu moins ou un peu plus ou libéral ou que sais-je, peu importe, l'important c'est est-ce que j'ai eu le temps de causer. Voilà, c'est moi, c'est vraiment dans cette forme là que je pose le débat. En plus, bon, Usul en l'occurrence, bon, on s'est expliqué depuis et bon, il a eu l'honnêteté intellectuelle de s'excuser sur ses sorties un peu avinées sur mon compte, et donc je le remercie pour ça. C'est sa strat, s'excuser en privé, ça. J'ai reconnu le Usul que j'aimais dans cette honnêteté intellectuelle. En revanche, oh, ça fait rire Zioclo. Après, le rire de Zioclo est pas. Je pense qu'il a un bon instinct, Zioclo là. Encore confondre parce que la chose qu'il me reproche ce soir-là à Lyon, c'est pas un débat public. Drôle. Parce que la rigueur pourrait se poser la question d'un débat public avec des gens d'extrême droite. Si jamais il y a l'idée que tu vas un peu leur servir la sauce en allant débattre avec eux. Ça, effectivement, on pourrait rentrer dans un débat qui ne serait pas moral, mais qui serait un débat tactique. Ça, c'est pas pareil. Là, ça commence à m'intéresser. Mais en l'occurrence, c'était une discussion privée dont il parle. Je venais de faire ma rencontre publique à Lyon, m'aborde ce jeune homme que je vais plus tard appeler M, parce que c'est son image. On les a vus, hein, les fans de Bégodeau, hein. Même nous. Hein. On est allé au Trucouria Bégodeau. Ah ouais, ah ouais. Vus, fans. Moi, je comprends Usul depuis. Oh, ça va, arrête, c'était les mieux. Je défends Usul oui. Maintenant. Il est avec 2-3 copains à lui. Je trouve qu'ils n'ont pas des mauvaises têtes. Et par ailleurs, il me propose de me payer des bières. Il fait beau, il y a un café à côté, une terrasse s'offre à nous. Nous allons constituer une table de 15, où d'ailleurs se trouveront des anarchistes, une copine à moi, pas vraiment de droite, un autre mec très gauchiste aussi, et puis les 3-4 qui me payaient des coups et qui vont s'avérer là, au bout de 5, 10, 5 quarts d'heure, plutôt soralien. Est-ce que je vais me lever de la table? Mais c'est ridicule, enfin. Évidemment qu'on était là, évidemment qu'on a discuté, et j'ai bien fait, puisque j'en ai tiré beaucoup de lumière sur ce qu'étaient ces gens-là. Et... Toujours aucun mot sur le fait que c'est à cause du que Usul, il a dit ça dans la dernière race. Et que... Oui, c'est nous, on est toujours ceux, c'est nous qu'on est les vrais censurés, les vrais boycottés, même pas, ça parle de nous. Oui, Bégodeau jamais nous donnerait la lumière. Attends, c'est comment il s'appelait le magazine que t'as montré? Non, mais bref, hein. Un livre. Donc là, vraiment, je vois pas en quoi. Évidemment, Usul mettait en avant un truc qui était audible à ce moment-là, et ça, je peux le comprendre. Et ça, c'est son côté militant antifa. Il mettait en avant le fait que, d'une certaine manière, en acceptant une bière avec ses mecs, j'abondais dans leur sens au sein d'une situation extrêmement circonstanciée, qui était celle de la guerre des bars. La guerre des bars de Lyon, voilà. Ou entre les antifa et les identitaires, voilà. C'est l'ordre des guerres, ils y croient absolument. Là, je commence à trouver ça à peu près audible, parce que ça a le mérite d'être un peu concret, et de pas d'être une espèce d'oukase morale ou d'interdit moral comme ça, très abstrait sur... il faut absolument pas parler. Ouais, ok, bon. Intéressant. Moi, ouais. Je suis pas choqué de la vie, on a discuté avec les deux de toute façon, donc je suis pas choqué de ce qu'il dit. Ouais.
Mais c'est intéressant, vous avez la fin de l'arc en vrai, vous avez la fin de l'arc, et puis je trouve que ça met en lumière un peu les discussions qu'on a eues récentes. Moi, c'est vrai, tu vois, genre... Après, en fait, je pense Bégodeau, il a cette force de venir d'une autre génération, et donc de, aussi, tu sais, de pouvoir s'en battre les couilles de El Famoso Meta Débat. Je pense que, par exemple, toi et moi, on est fou... Moi, en vrai, je suis sur une très Bégodeau, mais sauf que je suis obligé d'avoir le Meta Débat, puisque sur Internet... Rien que l'idée de pouvoir défendre le fait que tu peux aller débattre dans un certain contexte, c'est déjà vu comme une opinion un peu tarée. Donc, et qui est incomprise, quoi. Oh non, ouais, pas Pollux, c'est bon, les gens, on arrête avec cette vidéo, non, vous y regardez par vous-même. Est-ce qu'on fait un peu de Radio Libre ou quoi? Si tu veux. Bah soit Pollux, si soit veux. Radio Libre. Bah, l'un ou l'autre, pas les deux. Les gens, une petite Radio Libre, là. Allez, non, on va avoir bon, un avis éclaté. On a fait que dans des la pros, salle d'attente. Coup, ça a duré une heure de trop. On va avoir des gens pas intéressants. Allez, c'est parti. Ah putain, il y croit plus. En fait, il croit en rien. Bah, dis-moi ce qu'on fait. Alors, vas-y, tu décides. Non, mais si. Tiens, la Radio Libre a été cool. Tu veux absolument. Tu dis que les gens vont être ultra basés. Tiens, voilà quelqu'un. Je le prends direct. On est d'accord. La mais première attends, personne. Attends, on a même pas expliqué aux gens. Je suis d'accord. Vous venez, vous êtes malveillant. Non, attends, qu'est-ce quoi le concept? On sait pas. Bah, venez c'était discuter ça. Avec nous. Voilà, venez nous reprocher des c'était choses. C'était être malveillant à la base. Venez nous faire le procès. Venez. Oh, il y a Jeanne au secours déjà. Oh là là. C'est horrible. Hein. C'est horrible. Hein. C'est et déjà on vous dégage vite si vous êtes chiant. Vous ah ouais, vous n'avez pas le droit de vous vexer. Hein. De... Oui, alors moi, je vais vous raconter mon histoire, Dani Raz. Donc, je suis né ici et donc j'ai souffert. J'ai pris de la. On s'en fout. Hein. Vous venez, vous avez un truc à dire, sinon on vous vire. C'est ça. Allô. Allô. Ouais. Ouais. Oui. Non, en fait, j'avoue, moi, j'avais pas prévu d'être malveillant à la base. Bah, c'est pas grave. Soit. Bah, vas-y, vas-y, sois toi-même. Prévu. Venez comme vous êtes. Non, en fait. Allô. Allô. Moi, le truc au début, c'était. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Après, je t'entends, mais. Okay. Non, mais en fait, j'ai un retour bizarre décalé, je crois. Bah, coupe ton stream. Attends. Mais sinon, est-ce que tu penses pas que... C'est ok, c'est bon. C'est juste pour savoir si c'est que... En fait, non, ce que je voulais dire, c'était... je trouve on parle pas assez de trucs. De, ouais. C'est de géopolitique, à gauche. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Ferme ta putain de gueule, espèce de débile. Non mais géopolitique. Non mais je sais. Non mais en vrai, on est trop tourné à chaque fois sur la politique intérieure et que je crois il y a un des trucs oh que non, nous reproche non, la droite. On est pas chez Wissam mais, là. Mais au final, non mais au final c'était même pas de ça que je voulais parler. Oh, c'était plutôt genre là, est-ce que Youssef, là. Est-ce que est-ce qu'il y a un moment genre de vouloir enfin genre à vouloir j'ai avoir dit les États-Unis une économie. Laisse-le parler. Est-ce que de vouloir avoir genre une économie gauche, un monde un peu de gauche et tout aujourd'hui où ça devient de plus en plus compliqué et qu'on n'a pas forcément les capacités en tout cas que le futur il a pas l'air de vouloir aller vers dans notre sens. Est-ce que à un moment on ferait pas qu'on fasse aussi qu'on propose une économie aux gens quoi, hein, qu'on propose un truc concret. Parce que sinon, forcément, quand ils se lèvent le matin, il n'y a que vers des putains d'entreprises de merde qui peuvent aller bosser, quoi. Bah vas-y. Oui, d'accord, bah oui, bah... Non, mais c'est une question. Oh, t'écoutes. Là, 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 là. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, Dani? Bah non, je t'entends plus. T'écoutes. Par exemple... Tu veux sauver par exemple, le monde, quoi. Bah oui, c'est pour ça, moi, j'attends la solution concrète. Mais non, mais c'est par exemple proposer des trucs avec les outils qu'on peut avoir aujourd'hui. Genre, je me dis, par exemple, la sécurité sociale, on n'a plus la main dessus, on est en train de se la faire baiser complètement. Il y a de plus en plus de gens qui sont. Ah, moi j'ai envie de te dire, vous avez milité à la France Insoumise. Non, la mais France attends, insoumise. Mais attends, laisse-moi finir. Il y a juste. Il y a de plus en plus de gens qui sont en auto-entrepreneur et du coup qui se font baiser aussi par ça, avec oui. La sécurité sociale. Et du coup, est-ce que, par exemple, on pourrait pas genre remonter une sécurité sociale entre les travailleurs, tu vois, genre refaire des trucs un peu plus. C'est pas clair. Recréer les mêmes outils, mais dont on a la main dessus, quoi. Selon les analystes du web, il s'agirait là d'un symptôme typique des personnes atteintes d'autisme. Non, mais oui. Mais en fait, j'ai envie de te répondre. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On dirait c'est à cause de nous. Il n'y a plus la France insoumise. Non, y a plus, pas ça. Y a plus non, mais même là, il faut aller chez Frio. Tu peux aller au PCF. En vrai, pour moi, non, mais réponse premier degré.
J'ai envie de te dire, go, allez militer, je te jure. Genre, vraiment. Bah, genre, après, c'est ce que je fais, tu vois, c'est ce que je fais aussi. Voilà. Non, mais en fait, tu viens nous engueuler, nous. Non, je vous engueule pas, justement, c'est si pour ça. Si tu nous engueules. Après, si vous voulez, je peux être malveillant, mais je vous engueule pas. C'était juste pour ouvrir le sujet. Oui, bah écoute, en fait, le problème, moi, mon avis, sur l'ouverture du sujet de comment on fait pour arrêter de perdre à 23h30 un dimanche, je suis pas capable d'y répondre parce qu'en fait, t'as posé le débat le plus compliqué possible. Je sais, mais en même temps, c'est la seule fois voilà. que j'ai la parole sur le stream, donc j'en profite. Je comprends. Désolé, hein, mais c'est... Mais je suis pas méchant, là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont ? Oh là là ! C'est horrible, hein. Vous êtes trop malveillants. Mais non, mais ce que je dis, c'est vrai, les gens. Genre, vous avez envie de débattre maintenant de comment faire rêver la sécu... Surtout qu'on a déjà parlé, quoi. Plein de fois. Oui, en vrai, on en parle, en plus, de temps en temps. De ça, de comment convaincre, pourquoi on convainc pas. Il vous a aligné. Tu nous as détruit, hein, selon le chat. Bravo. Bah, en tout cas, c'était pas le but, mais... Enfin, je crois pas que ce soit le cas, non plus, mais... Bah si, parce qu'en fait, t'es arrivé, t'as dit, bon, ok, on parle tous, mais on fait quoi ? Et c'est le problème, globalement. Bah, un peu, ouais. Bah ouais. Bah voilà, bon, bah, je pense que c'est fini, problème. C'est fini, finito. Non, mais en vrai, la vérité, là, c'est trop long de débattre ce soir-là, mais merci de ton intervention, quand même, ça fait plaisir. Vas-y, on va à la suite. Direct, on fait rapide, on est efficace. Bah merci, allô. Merci à toi, hein. Mais si on refait une radio libre et qu'il n'est pas 23h30, on pourra débattre de moi ça. Moi j'ai donné une adresse, va chez Cali Vision. Non mais j'y vais déjà. Mais... Ah bah voilà, mais ça, bah, c'est les questions voilà. Cali, ça, c'est le chat de Cali Vision ça. Cali il va te faire un truc de 45 bah, attends, minutes. Attends, mais moi je comprends gros, 23h30 pour un Cali Vision, le live vient de mais commencer. Mais oui, il vient de commencer là. Il a 16h devant Cali Vision, il est dans son jacuzzi. Là c'est le moment. Non, après je suis plutôt un viewer de Daniel Ras que de Cali, hein, mais mais je le regarde quand même. Bah voilà, bah tu non mais en vrai va en discuter de ça. Non mais en vrai là, je t'avoue moi vraiment un avis sincère à débattre. Mais on a envie de rigoler en plus. En vrai, non, mais bien sûr, mais en vrai c'était sinon, pour ouvrir le sujet et en parler avec le et que le stream ait ce sujet en tête aussi. Voilà. Bah et t'inquiète, regarde, il y a Joué qui a dit usul sobre, c'est bof. Donc je pense qu'il a le sujet en tête. Merci à toi, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le prend pas mal, on rigole, nous on a juste envie de rigoler. Mal, on a envie de se prendre la tête. Non, je sais, y a pas de soucis. Mais t'inquiète, voilà. Ton sujet, de toute façon, bah, on essaie de parler de ça à chaque fois, hein, autant que possible. Mais je pense vraiment, ceux qui veulent parler de géopolitique ou de comment qu'on pourrait sauver l'agriculture, il y a d'autres chaînes de Radio Libre, là, s'il vous plaît, on a une demi-heure, go être efficace. Voilà, exactement. Allez, merci, ciao. Mais merci à la prochaine. Beaucoup. Je te glisse dans le truc. À bientôt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a même pas eu le temps de dire au revoir. Attention, grenade! Alors, bon, vas-y, attends! Les gens choisir au pif. Allez, Poppy! Allô? 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 Oui, allô? Allô. C'est bon? Allô. Oui, allô? C'est bon? Allô? 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 Oh, mais tu nous emmerdes, fils de pute! Bah, attends, ça, je allô, allô? Mais c'est allô, allô? 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 Allô. Oui, non, mais on t'entend. Allô. On t'entend, allô. Je te le jure qu'on t'entend. C'est ouais, donc, terrible. C'était pour bonjour, la malveillance. Bien sûr, la malveillance. Voilà. Ah, vas-y, sois malveillant. Ouais, par rapport aux jeux vidéo. Oula. Oh, oula. Bien sûr. Alors, déjà, faut arrêter de faire des tunnels sur les jeux vidéo. C'est vrai. Oh, je m'attendais à un avis inverse. Le tunnel de Dany sur RE4, il n'y avait rien de plus insupportable de toute l'histoire de vos streams. C'était... horrible. Là, c'est Dany qui a attaqué. Ah bah, moi, je suis merci d'accord. Dans le chat, ça dit merci, parle, réel, je t'adore. Réel, merci. Non, mais tu grave, sais où t'as raison. Il a raison, réel, grave, plus un, il a pas tort, merci. Tu j'avoue, sais où t'as raison. J'ai écouté un de nos lives avec Raz et on était dans Zelda, toi et moi, Raz. Et on a fait que parler de Tears of the Kingdom pendant le react. Et gros, c'était, j'en pouvais plus. Genre, t'écoutes le react, c'est insupportable. Dès qu'on parle de Zelda, on a envie de se tuer. Bah du coup on est d'accord avec toi. Et voilà. Et aussi vous êtes très mauvais. La malveillance n'est pas finie, vous êtes de très mauvais streamers jeux vidéo. Bah pourquoi sauf, mais attends, sauf, moi je suis donc là c'est Raz. Là c'est Raz. Attends. Ouais, attends, si t'as fait du FIFA avec Pazu aussi, c'était éclaté. Bah oui, c'est à cause de Pazu. On est d'accord. Ouais, bof.
Attends, allez, c'est quoi être un bon streamer jeu vidéo, vraie question. En vrai, je regarde plus trop de stream jeux vidéo, donc... Bah voilà, bah va niquer ta mère aussi, à un moment donné. Ah, j'aime pas les streams jeux vidéo, là, et je vais toi, dire mon avis sur les jeux vidéo. Les tunnels, mais toi, c'est toi qui joues à des jeux pas ouf pendant des heures. Oui, Dark Souls 3, vraiment un jeu de merde. Du moins Ban Mulch, au niveau des viewers pendant les jeux vidéo, voilà. Ah oui, bah écoute, je fais plus de viewers que Ban Mulch en jouant aux jeux vidéo, qu'est-ce que je te dise. Pas de ma faute, hein. Certes. La run full vaccine, voilà. Meilleur stream Elden Ring, voilà, 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 voilà. Argumente mieux, le chat est déçu, vous aviez qu'à être là. Bon bah écoute, donc les jeux... Ah, après, ceci dit, t'es pas obligé de les regarder les streams, hein. Si tu kiffes pas, t'écoutes pas, c'est tout. Ah bah voilà, et bah très bien. Eh bien, je t'invite à ne jamais venir après, sur les jeux vidéo et d'être enculé. Il y en a quand même les FIFA avec Pazu ou d'autres qui aiment les Dark Souls. Et par contre, il y en a qui disent qu'ils aiment pas FIFA parce qu'ils aiment pas le jeu. Hein. On voit le mépris de classe de ce chat. Hein. Oui, bah oui, typique alors. Typical. Raz, il a arrêté Sekiro avant même de tester le moindre combat, se fumer. J'ai Alt F4 pendant le tuto. Ah ouais, à ce point-là. Un gros éclaté le jeu. Hein. C'est unfunny, trop moche et tout, j'ai rien aimé, mais voilà quoi. Voilà. Bah vas-y, on fait un petit tunnel jeu vidéo. Bon bah, copie, du coup. Ah non, non. Bon bah écoute, merci pour Tigel, pour ton avis. Tu as raison. C'était efficace, tu as raison, on va faire attention à pas trop parler de jeux vidéo. On va faire que en ça. En tout cas, de doser. Du coup, on va sûrement le faire et on va te citer à chaque fois, Popigel, pour dire que t'es le plus grand fan des streams jeux vidéo et des moments où on parle de jeux vidéo. Parfait. Tu joues pas, toi, ou tu joues? Si, si, je joue, mais... Ah ouais, donc c'est vraiment... C'est... Ah ouais, d'accord. C'est quoi ton jeu vidéo préféré? Bah, j'ai LOL, mais... Ah oui, c'est un genre de LOL. Ah hop, ça dégage. Allez, on en prend un autre. C'est bon, allez, allez. C'est pas le moment. Ah, mais voilà, non, mais... Il avait fait une masterclass, il avait réussi à détruire Dany Eraz en débat et il ah oui, a fini sur c'est un ça. Joueur de LOL, hein, c'est l'état. Hein. Genre, allez, malheureusement, bon. Quoi, putain. Vous avez vu, il a un peu hésité à le dire. Wow, l'odeur. Ah ouais. Bon, allez. Allez, allez. J'en prends un autre au pif. C'est ah, j'ai pris déjà, c'est bon. Allô, oh. Allô. 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 Oui, alors en fait, c'était pour contredire la personne avant, parce qu'en fait, j'aime bien quand vous faites des tunnels sur les jeux vidéo et sur la littérature et ce genre de trucs, parce que je vous trouve pas intéressant que quand vous parlez de politique, ah oh, oui, Hollande, pour la 40e fois de la journée, c'est bon. Parce que vous parlez que de ça, alors que les autres, ils parlent que de ça, et puis vous plaignez que les autres, ils parlent que de ça, alors que, bon, voilà. Bah. Alors que vous parlez bah sur oui, des mais autistes, du coup, on fait quoi des autistes un peu plus précis. Bah, on bah, on parle plus, nous, on arrête de streamer, quoi. Mais non, parler de jeux vidéo, parler de. Mais un stream, on parle de jeux vidéo et Hollande, c'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce que vous nous reprochez. Pardon. Ah non, mais on fait quoi d'autre? On parle de quoi d'autre? Merci, Anna, c'est qu'on dit. Mais non, mais. Moi, je suis pas d'accord avec la personne avant, c'est tout. C'est terrible parce que le chat s'est un peu retourné parce que tout à l'heure, il disait basé au gars et maintenant, il disait la raison aussi. Je crois qu'il se fait le chat confus. Viewer confus. Non, en fait, non, vous justement. Êtes tout le temps contre nous, quoi. Je pense pas que le viewer est confus. Finalement, ce que ça vient de prouver, c'est qu'il faut qu'on parle de jeux vidéo parce qu'il y a ceux que ça emmerde la politique et qu'il faut qu'on parle de politique parce qu'il y a ceux que ça emmerde le jeu vidéo. Donc voilà. En fait, mais c'est bien la politique, mais doser en fait parce que vous voulez venir. Je sais, ça se voit, vous voulez devenir des streamers plus normis et tout. Ça se voit quand vous avez fait le tribunal des bannis, c'était ce que vous voulez parce que vous en avez marre d'être terminé à ce sujet-là. Enfin, tout le monde l'a remarqué. Et là. Oh non, on parle de politique! Non, mais c'est. Ouais, mais après, t'as vu notre tribunal des bannis, dès qu'on avait un mec banni, il disait Zemmour, donc bon. C'est ça, notre tribunal des bannis, c'est un tribunal des bannis que des Zemmouriens, c'est une catastrophe. Bah oui, parce que vous me dissez là-dessus. Oui, en même temps, c'est ce que les gens y veulent aussi. Bah, c'est ce truc dans lequel on est un peu bon, jeux vidéo, justement, on est mauvais, personne veut voir le niveau de race sur Valorant. Par contre, en politique, ils baissent tout le monde, bah c'est comme ça. Voilà, désolé. Mais après, mais ça en vrai, on le fait de temps en temps. On va continuer à parler de jeux vidéo en intro. Oui, non, mais au pire, changez pas. Mais l'écoutez pas en disant qu'il faut arrêter. C'est bon, c'est pas vrai. Vous avez des gens divers. Les viewers sont pas d'accord entre eux. Merde, j'ai. Pardon. J'avais mon truc sur les assurances. Ça, j'ai ripé. Pardon, je suis désolé. Tu joues vraiment à Valorant? C'est une catastrophe. C'était Valorant, ça. C'est horrible. Bon, bah, du coup. Mais attends, tu joues. Tu l'as viré? Non, je l'ai pas viré, il s'est barré tout seul avec ce son, mais du coup j'ai turbo mal aux oreilles. Attends, je vais baisser la soundboard parce que je crains le pire. Bon bah du coup décidez-vous le chat, vous voulez. Bon vas-y, vas-y, c'est le débat. J'ai trop de politique sur Dany Eraz maintenant. Vas-y, j'ai quelqu'un qui n'est pas venu pour ça. Allez, allô, ça va, c'est Purple. Tu peux avoir changé ton pseudo pour pas que je t'appelle Purple, j'ai vu que tu t'appelais Purple. Bah c'est pas grave. D'accord. Bon, ça va alors. Ça va ? Vous allez bien ? Ça va.
Alors, j'ai deux trucs à dire. Le premier, c'est un compliment. Et le deuxième, c'est une critique qui sort de nulle part. Ah Ok, vas-y, alors, le compliment, je me prépare. C'est que je tenais à vous remercier parce que vous m'avez réconcilié avec la politique intérieure. Et c'était un sujet auquel je ne m'intéressais plus parce que j'étais gavée de ce que je voyais à la télé. J'aimais pas trop ce qui était présent sur le net vis-à-vis de tout ce qui était politique intérieure. Et en tombant sur vos TikTok et après sur vos streams, franchement, vous m'avez réconcilié avec. Ah, donc, let's go, TikTok, la strat TikTok. Ah, trop bien, ça fait trop plaisir. Mais alors la critique. Et aussi de... bah, 30 secondes. Non, mais oui, mais moi, je... et aussi pour m'avoir fait connaître Cassandre. Bien sûr, Cassandre le meilleur d'entre nous. Je l'adore, trop bien. Ouais, évidemment, magnifique. Évidemment. Tout le monde l'aime. Tout le monde nous dit ça. Pardon. Oui, c'est clair. Alors, toi, on est moins cher. Un compliment de Cassandre. Le compliment, c'est vous m'avez fait découvrir Cassandre. Maintenant, la critique. Mais non, mais vous m'avez réconcilié avec la politique. Attends. Non, mais c'est bien. Oui, donc avec Cassandre. Je m'attends au pire. Quelle est la critique? La critique, c'est par rapport à Raz. Oui! Ah, vas-y, la critique! Ah, oui, je vais entendre. J'ai prévenu, ça vient de nulle part. Mais Raz, sérieux, tu me fais flipper en fait. Tu me fais flipper! J'ai l'impression, j'ai peur que si un jour je te croise dans la rue, je viens te parler, tu vas m'en coller une. Mais quoi? Mais attends, mais c'est la vie le plus désastreux que j'ai jamais entendu de ma vie! Mais pourquoi? Mais j'ai rien fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, c'est horrible! Bien sûr qu'il frappe des femmes, Raz. Ça vient de... En plus, c'est genre gratos. Non, mais alors là, pour le coup, non, je pense absolument pas que t'es le genre à frapper des femmes. Merci. Je ne pense pas que vous êtes misogyne, parce que sinon, je resterai pas sur vos streams. Mais par contre, je te promets, je sais pas, t'exploses en fait. Tu restes tranquille et d'un coup, t'exploses. Mais doucement. Je sais pas. Je suis hyper chaud. Prends de la tisane, détends-toi, gars. Ah oui, c'est que des fois t'exploses d'un coup en stream, on comprend pas pourquoi. J'imagine, là il est en manque, sa cigarette électronique elle marche plus. Moi je vais lui dire bonjour, contre, il s'énerve, mais mon colis. Par contre, t'es vraiment précise parce qu'autant moi je peux défendre le personnage de Raz, par contre Raz qui n'a pas assez de drogue. Mais après, je le vois pas sortir dehors. Ah, bien vu, Dani. Je le vois pas justement infliger ça à. Mais c'est vrai qu'il faut pas le croiser quand il lui manque. Sa nicotine, son cachet. La dernière fois sur le stream de Cassandre, il avait bugué complètement parce que sa cigarette électronique marchait pas. J'étais partie en fou rire. Oh, mais. Ah, vous êtes toxicophobe en fait. C'est ça le problème. Mais non, mais pas du tout. Oh là, oui, absolument pas. Je me sens trop mal. C'est une catastrophe. Absolument pas. Après, c'est tout un problème. Moi j'aime bien la critique du coup, elle est vraiment bien. Je suis gentil en vrai de vrai. Mais je sais, mais t'inquiète, je sais. Quand je vous vois, j'ai l'impression de retrouver mes potes de fac en fait. Est-ce que c'est un compliment? C'était où ta fac? Elle était pas en France. Ok, d'accord. Bon, ça va alors, j'imagine. Là en fait, c'est Harvard. Absolument pas. Pourquoi les compliments en ta bouche ils font mal? Mais oui, on a peur maintenant. Absolument pas. Et du coup, pourquoi vous n'avez pas beaucoup de femmes sur vos streams? Je comprends pas. Parce qu'on est deux. Hein? Mais non, mais c'est non, pas ça. Je parle dans votre chat. Ouais, dans votre chat. Dans le chat. Alors, c'est Twitch. En vrai, c'est Twitch. Déjà... Parce que sur TikTok, on a plus de femmes que de mecs. Let's go. Ouais, sur TikTok, où c'est 50-50, un truc comme ça. Non, on a plus de meufs que de mecs. Il y a plus de meufs mais maintenant. Après, TikTok est une plateforme beaucoup plus égalitaire, dans le sens où il y a beaucoup plus de meufs sur TikTok. Et l'algo de TikTok propose vraiment le contenu. Alors que par exemple, tu vois, Twitch, c'est une plateforme qui est extrêmement masculine. Et du coup, on a assez peu de femmes. Mais je pense que par rapport à des streamers, on est une des chaînes avec le plus de meufs. Ouais, on avait fait le calcul. C'était quoi? C'est combien? C'est 20%, un truc comme ça, de meufs? Ça va, hein, je pensais que c'était moins. Non, regarde le nombre. Après, là, il va y en avoir qui vont dire FC femmes alors que c'est pas des meufs, on connaît. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Je parle pas des trans. Ah, voilà. J'avais traité de trans. Et les non-binaires, ça compte ou pas? Oui, ça compte. Oui, on prend tout. Alors, allez. Les PD, on prend tout, nous, c'est bon. Oui, vous inquiétez pas. Si vous êtes une minorité visible. Non, mais je pense que ça doit être de l'ordre de 20%, oui. Entre 10 et 20%, ce qui est ridicule. Mais ce qui pour Twitch est gigantesque. Mais vraiment gigantesque. Ouais. Parce qu'on est plutôt. Tu vois, on n'est pas du tout sur ça. Même les streameuses ont un public d'abord constitué de mecs.
tu vois. C'est ça. L'odeur de la plateforme. Alors, par exemple, l'odeur sur YouTube, de Twitch, t'es youtubeuse, ouais, bah t'as d'abord des meufs, tu vois. Sauf quand t'es Thaïs Descuffion, j'imagine. Mais, ouais. Mais sinon. Non, mais bonne. Mais après, je pense que, bah, tu vois, notamment TikTok, je pense qu'il y a moyen que ça ramène. Bah, genre, toi, tu viens de TikTok et tout. Ah bah oui. On espère que ça diversifie un peu, quoi. Moi, je pense... je vous promets, j'ai installé Twitch à cause de vous deux. Hein. Bah voilà. Ah, trop bien. Mais, c'est parfait. Mais en vrai, je pense que TikTok, nous, c'est même un truc qui nous a rassurés, quoi. C'est qu'on s'est dit, mais c'est un truc de ouf. Le nombre de femmes qu'on a qui regardent le contenu d'un coup. Alors que sur Twitch, c'est très très difficile d'atteindre la plupart des nanas. En fait, non, pas Twitch, on ne regarde pas. Mais c'est normal, c'est une plateforme qui d'abord s'adresse à un public jeu vidéo et même compétitif jeu vidéo, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a plein de nanas qui jouent au jeu, mais tu vois, genre le côté e-sport, machin, qui sont encore des milieux très... Mais c'est en train de changer en vrai. Mais c'est encore des milieux très masculins, etc. Beaucoup perçus comme tels. Et du coup, je pense que Twitch a cette aura de un peu masculine et même masculiniste en vrai, beaucoup de critiques qui reviennent sur Twitch de on est dans une ambiance boys club où sur chaque scène il y a 12 mecs qui parlent ensemble de jeux vidéo basé pardon, donc voilà, je pense que ça explique. Voilà, bah merci en tout cas de ton intervention, on a le temps d'en prendre une dernière avant que ça n'achève. Ah vas-y. Ah c'est bon, je croyais que tu voulais dire un truc, parfait. Eh bien écoute, bonne soirée à toi, merci des compliments et même des critiques, à bientôt, ciao. Ah, j'espère que ça a été, parce qu'on a parlé longtemps quand même pour quelqu'un qui est sur TikTok d'habitude. Le taux d'attention normalement il est pas aussi élevé. Il est de 20 secondes quoi. La nana. Oh c'est bon, oui j'ai dit le mot nana, vous allez vous en remettre. Quoi, je suis pas Julien Chiez. Oh là là. Oh. Les gos là. Ça va les gonzesses du. gonzesses. Les gadjis là. Qu'est-ce qu'il y a les gadjis. Pauvre Dany à 50 ans, mais. Pourquoi. Je dis mec. Pourquoi Dany a 50 dis, ans, j'ai pas la vanne pour Nana, il trouve que c'est un vieux mot, mais en Nana. En fait, des fois, c'est vous qui avez un problème. Les belettes, oui, comme... Ah oui, les belettes, ah oui, les... comme un raclou, une belette, là. Raclou, les belettes. En vrai, j'aime bien, parce qu'il dit raclou. En fait, pourquoi j'aime bien MC Jean Gabin, c'est qu'il dit raclou et belette. Tu sens, il a une... Tu vois. C'est ça. Et là, l'égalité revient là. C'est ça. Vas-y, dernière personne ou pas? Dernière personne, mais il est que 43. Mais le mec, c'est la CGT, ça fait 3 heures, on est en live, il est déjà. Alors que ça se passe. Allô? Vive allô? Vive-vous le fou! Allô? Une insulte, un compliment, c'est le concept, à chaque fois il change. Allô? Vive-vous le fou, par contre, ton micro attention. N'est pas là dans 20 secondes, on n'a pas 5, le temps. 5, 4, 3, 2, 1. C'est trop tard. Allez, allez ça hop. Dégage. Allez. Vas-y, Nathan. Non, allô. Ah bah tiens, il y en a deux. Allô, on verra qui parle le premier. Paf. Allez, allô. Ah c'est Zob. Allez, ouais, allô. C'est Zob. Ça va, ouais. Ça allô. M'entends. Ouais. Ouais. Salut, ça va. Ouais. Ça va. moi, déjà, je vous ai découvert avec Usul Bourré il y a plus de 2 ans. Et grâce à Pico, en plus. Ah bah super. Non, tiens. Il se peut peut-être que je suivais quelques contenus un peu confus à l'époque. Peut-être. Ah. Non, mais en vrai, vous m'avez sorti ça un peu. Hein. Et pour ça, je vous en remercie. Hein. Et bon, déjà, je voyais que c'était sale un peu. C'était bizarre un peu. Mais, t'avais déjà un peu mais conscience. Mais du coup, vous m'avez convaincu que c'était bien le cas. Donc, c'est beau. Ça et moi, j'ai un avis malveillant. C'est que les gens qui ont peur de Raz, c'est parce que c'est des no-life, en fait. Genre, Raz... Si t'as déjà rencontré des gens dans la vraie vie, tu sais qu'il fait pas peur. Enfin, oui, merci. Même, vois, merci. Mais c'est la théorie. Enfin, mais ça, c'est ma théorie. Tu le vois en stream et tout. Enfin, genre, ça se voit, il est adorable, tu vois. Alors que Dany, c'est différent. Quoi Dany, il a un côté un peu intellectuel qui peut faire peur, genre. Ah voilà. Mais voilà. Comment on était bien là. Voilà. Dis non, bien. Mais je suis désolé, mais je sais que c'est pas le cas en plus. Je sais que c'est pas le cas. Si ça c'est le cas de fou, c'est le cas de fou, c'est le cas de fou. Mais je peux comprendre pourquoi je comprends plus pourquoi les gens disent ça. Alors que les gens qui disent que Raz il fait peur, c'est juste bah faut sortir dehors quoi. Merci, voilà. Je suis le gentil du duo. Voilà. Contrairement à Dany qui fait flipper, qui fait bader. Le débat est clos. Non. Voilà. Christa m'a donné sa théorie. Elle m'a dit, Raz, toi, ce qui est vrai, c'est le côté, oui, t'appartiens à un groupe, si on n'a pas les mêmes codes culturels, on va être jugé. Et toi, Dany, c'est que t'es précis sur les gens, du coup, on a peur de se dire qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Voilà, bah oui, donc t'es la pire personne. Bah non, mais du coup, toi aussi, t'étais dans le truc de pire personne, mais sur une raison différente. Mais non, mais moi, mon truc de bande, il est très inclusif. Non, mais toi, t'es un cultureux et moi, je suis un intellectuel, voilà le problème. Ouais. T'essayes de te rattraper, mais oui. Je voulais poser une question aussi. Les spectacles d'humour, t'en es où?
Il y a eu un Google Form de fait. C'était le truc le plus drôle du spectacle, je crois déjà, le c'était Google Form raté. C'était le plus drôle, le Google Form. Qui était, voilà, mais non, mais on prépare ça. On va en reparler bientôt. Même le tour en France, moi j'attends fort parce que venir vous voir sur Paris, c'est trop compliqué. Mais t'habites où toi ? Bien sûr, t'habites où ? Moi là, je fais mes études à Saint-Etienne. Mais On va pas venir à Saint-Etienne. Oui, mais tu vas te déplacer. Non, mais je sais bien. On va venir à ta ville de mort là. vous rêvez ? Il y a Lyon à côté. Il y a Lyon à côté. Ah ah. Ok. Très bien. Bah ça va. Bah ok. Ouais. Bah oui, à Lyon. Oui, si Lyon, on va y aller. On va y aller, il n'y a pas de problème. On ira dans votre ville de facho, là. Ok, très bien. Après, ouais, Lyon, big ville de facho. Hein. Ouais, mais comme Bégodeau, on ira boire des bières avec des gens comme toi, quoi. Des confus bizarres, 8-6. C'est ça, ouais, voilà. Non, je suis plus confus, moi, je m'en suis sorti. Ouais. Bah, tu regardes Daniel, j'ai vu sur Twitter que ça restait confus, hein, donc méfie-toi. Hein. Oui. Attention, hein. Bon, bah, ok, très bien, vas-y, suivant, on enchaîne. Bonne soirée. Merci, Zob, à bientôt, à la prochaine. Oh, qu'est-ce qu'ils sont cool en vrai, ils sont gentils. Attends, ça disait Zaki là, il y a eu un lobby indigène pour Zaki. Alors Zaki va nous terminer apparemment. Oui. Ah bon ? Oh là là, ça va être infernal. Alors Zaki ? Allô ? Allô. Attends, je coupe le son du stream. Vas-y. Oui ? Allô ? Oui. Bonjour. Bonjour. Que je voulais dire du coup, bah il l'a dit juste avant moi, donc c'est con, c'était pour défendre Raz aussi contre l'avis de la meuf, j'avais le même avis, voilà. Voilà, tout le monde est d'accord. Attendez, par contre, on est vraiment un stream misogyne, je veux dire. Il y a une meuf qui vient donner son avis, vous êtes tous déjà en train de le contredire. Non, mais c'est quoi ça? Merci de m'avoir défendu. Ouais. Et sinon, mon avis malveillant, il concerne la germanophobie du stream. Oh non, je pense qu'il n'y en a pas assez. Non, ça va pas assez long. Ah oui, regarde dans le chat pour une fois. Ah non, il y en a un qui a dit « Ah merci, attends bon, !» Je propose qu'on le banne, du coup, Boon dans Bruisette, qui s'est révélé. qui s'est révélé vous avez cru, non, je vois à chaque fois. Allemands, il prend un petit ban. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui sont tiltés dès que ça se moque des Allemands. Mais est-ce que tu as pratiqué les Allemands pour avoir cette haine ou elle est gratuite? J'ai été à Munich, j'ai fait un semestre d'échange. C'était l'angoisse, frère. Le septième cercle de l'enfer. C'est un détail. Mais attends, t'étais dans une famille, genre ? Anecdote de fou. Alors, non, un échange à la fac, genre Erasmus, okay. Machin. Attends. Ouais, non, c'est une dinguerie parce que, en gros, je me suis retrouvé, genre, hébergé dans un Airbnb. Parce que, genre, enfin, en gros, c'est grave cher dans la ville et j'habitais littéralement à 40 bornes de la ville. Genre, je prenais le RER pour aller à la fac et tout. Bon, au bout d'un moment, j'y allais plus trop, du coup, parce que ça me prenait littéralement 2 heures pour y aller. Et en gros, le pélo chez qui j'habitais, c'était genre un vieux de 80 piges. Et c'était le fils d'un SS. Genre, no joke, son daron était opéré dans le jardin. Et genre, le jour où j'ai découvert ça, mais genre, j'ai vrillé. Enfin, j'étais dans Get Out, le truc, c'était un délire. Enfin, ah ouais! C'est la durée vive chez les nazis! C'est véridique! Ah ouais! Ah ouais. Du coup, tu vas prendre ta carte à révolution permanente? Tu veux les défendre? Ils sont humains, ouais, toi et moi, quelque part. Ah, j'ai entendu une rumeur, je sais pas si elle est vraie. Ah non, ça suffit! Ah non, ça suffit! Ça va, je vois pas le problème, ils disent dans le chat. Ouais, bien sûr. Bon, bah, on baisse les Allemands globalement, quoi. Oui, c'est bon. Voilà, c'est ça. Magnifique. Oh, ça dégage. En voilà, bah, rien d'autre à dire. Hein. Bah, vas-y, hein, merci beaucoup pour ton intervention. La germanophobie. Toujours un plaisir. Continuera sur ce stream. Snowflatrix, bien sûr. Bien sûr, oui, ok, les pélos, hein, on a compris. Hein. On n'avait pas besoin de le dire. Allez, vas-y. Allez, merci à toi, Zaki. Ouais, merci Zaki. À ne pas confondre avec Baki, bien sûr. Voilà. Vas-y, on prend qui d'autre? C'est bien là, pour une fois, c'est la meilleure radio libre de tous les temps. Bah oui, parce qu'on les coupe. Eh oui. Alors, vas-y, allô. Un néo-brecht de bandeur d'allemand, ferme-la. Allô. 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 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, ça dégage. Hop, si vous répondez pas. C'est ça. Oh, vas-y, Kaliaïev. Allô. Allô. Merci, la DEC.
Ouais. Alors Kaliaïev, c'est quoi le reproche? Bah attends, je coupe le stream juste. Vas-y, vas-y. Coupe le stream, ouais. Ah ouais. Ouais, si, j'ai une critique à poser. Wow. Ça fait, parce que ça fait 3 ans que voilà, on a été habitué à un vrai propos construit, nuancé, avec un humour toujours hyper subtil. Et le seul soir où je dois bosser un peu sérieusement, on me pète dans les oreilles toutes les 30 secondes. Ça lâche des... Enfin, la soundboard de l'enfer. Où et du coup, et le pire, c'est que je peux pas quitter le live parce que je suis forcé de rire, en fait. Donc voilà, je voulais juste faire un témoignage personnel de l'enfer que je vis. Merci à toi, hein. À bientôt. Merci du coup. Ouais, et en plus aussi, ah si, il y a un dernier truc, et je trouve que vous avez baissé en niveau en termes d'insultes pour le chat. Il y a un temps où on se faisait agonir d'insultes très facilement, et c'était précis, et ça nous ciblait bien. Et là, je trouve que depuis, vous avez un peu... Ouais, mais vous êtes trop nombreux maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est dur d'être aussi précis qu'avant. Alors qu'avant, je pouvais vous repérer et vous diagnostiquer. Là, maintenant, c'est un peu plus difficile d'avoir des cibles, tu vois. Ouais, il y a beaucoup mais après, tu vois, là, par exemple, je vois Guruknak, bandeur d'Adrien Quatennens, Adrien revient, tu vois. Genre, je sais que c'est précis parce que je vois qui c'est, tu vois. Mais après, je connais plus tout le monde dans le chat. C'est plus difficile qu'avant. Ouais. Du coup, voilà quoi. Désolé, mais oui, j'essaierai. Mais en tout cas, je me rappellerai que toi, t'es celui qui adore les proutes. Voilà. On se verra toi comme ça désormais. Exactement. Ouais, salut, bonne soirée. Allez, ciao, à bientôt, Kaliev. À bientôt. On l'a laissé longtemps dans le vocal en mettant que des proutes. Merci, la Deg 04 bis. Oh là 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 là, mais quel plaisir. Bon, attends, lecteur, c'est quoi ça, lecteur? Allô? Allô? Allô, lecteur? Tu as 5 secondes pour te démute. 5! 4! Oui, oui! Ah, allô! On m'entend! Oui, il a échappé. Bravo. Est-ce que ça marche? Ah, ça, Hannibal? Lecteur? Ah, ouais, c'était la ref à la base en vrai, en plus. Ah ouais. Attends, oui. Tu t'identifiais à Hannibal Lecter? Tu manges des gens? Écoute, on a tous été jeunes, on a fait des erreurs. Bah moi j'étais jeune, j'ai mangé personne. Hein. Après moi j'ai pas un TikTok avec des preuves, des faits qui c'est étayent le caractère sociopathique et dangereux. C'est vrai qu'il y a un TikTok sur Raz. méfie-toi alors. D'ailleurs je pense que notre public féminin vient de là, puisque tous les coms sont « Ah, Raz, basé, je suis comme toi, basé ». Gros, j'ai l'effet Feldup, c'est terrible. Oui, t'as un effet Feldup, j'ai jamais vu ça. C'est un délire. Genre, c'est une dinguerie. Il y a toutes les gothiques de TikTok qui sont devenues fans de Raz depuis ce jour-là. Ah ouais. Bon, tu voulais quoi, du coup, Hannibal Lecter, le mangeur de cadavres, là? Bah, en termes de malveillance, j'ai une seule question. Comment c'est possible d'être autant basé sur tous les sujets, d'être les analystes politiques les plus pointus de Twitch, et d'avoir un avis aussi unanimement désastreux en permanence sur l'écologie? À chaque fois qu'on en parle, à chaque fois. Mais je m'en bats les couilles. C'est dur à comprendre. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Alors, moi, j'ai fait un film sur le sujet. Oh non, attends. Moi, justement, je trouve j'en ai marre de cet avis. Car justement, on est ceux qui parlent mieux d'écologie à gauche. Change my mind. Déjà, Europe Écologie Les Verts, qui fait l'analyse aussi violemment que nous? Ah, attends, déjà, je vais lire déjà, Social juste Terre. Ça. Non, alors, discutablement sur ce sujet-là, justement, en fait, presque, je vous le reproche d'autant plus que l'écologie à gauche est saisie de façon désastreuse et que j'aimerais une position basée dessus qui soit réellement un peu militante et qui ne consiste pas à dire « on s'en bat les couilles ». Après, je suis d'accord sur la blague, sur l'esprit de l'écologie politique qui est à rejeter. Ah là, c'est rare. Mais tu veux quoi? Tu veux que j'arrive en disant « Ah là là, vraiment, donc on pourrait mettre des hydroliennes dans la mer et c'est important, l'écologie. » Et même que là, donc j'ai compté. Donc regardez, il y a cette carte des jets de milliardaires. Elle a été censurée sur Twitter. C'est un scandale. Salut, c'est moi, Banwampan. Alors bon, faut pas faire de la culpabilisation individuelle parce que c'est pas efficace. Mais en même temps, faudrait quand même un peu changer des trucs. Enfin, je suis Banwampan. Je sais pas trop si je dois culpabiliser les gens parce que je culpabilise moi-même. Du coup, je crois pas totalement à ça. Et en fait, le problème, c'est le sud, quoi. Voilà.
Est-ce que quelque part, on n'est pas les meilleurs écolos du monde ? Voilà. Moi, j'ai envie de dire la vie inverse. Oui, mais ça pourrait être mieux. Oui, répond oui. Il répond oui. Non, mais en vrai, là, attends, mais la vérité, moi, je vais répondre sincèrement au premier degré, là. Moi, vraiment, c'est un sujet que j'ai pas travaillé et qui m'intéresse pas, pas dans le sens où je crois pas à l'écologie, c'est que j'ai pas envie de faire ce travail, je le dis sincèrement. Le travail de me renseigner sur les implications du bail, avoir des trucs intéressants à dire, autre que c'est important de le faire, je n'ai pas envie de faire ce travail. Vraiment, je suis vraiment sincère après, sur mais ça. Non, mais moi, je trouve que non. Je trouve que non, là... mais attends, mais je parle pour moi, là. Oui, toi, non, toi mais... les poussons broyés, on a compris, les poussins broyés. Non, mais au-delà de ça, même je suis moi, je suis anxieux, pas... mon cul sur la moi, commode. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est que tu t'auto-gaslight pour te déculpabiliser, probablement parce que t'en as vraiment rien à foutre du sujet. Ça, c'est à la limite, c'est une parenthèse dans la parenthèse. Et moi, je trouve que justement, il faut sortir du discours génération, hashtag génération, hashtag climat, le GIEC, le machin. En fait, c'est des choses qu'on a déjà dit, qu'on a dit et qu'on dira autant de fois que nécessaire, parce que ça reste factuel. T'ouvres n'importe quelle vue et chaque putain de... D'ailleurs, moi, j'estime en vrai, limite le vue. À chaque fois, le vue, la moitié, c'est de l'écologie. C'est limite le moment où on parle le plus d'écologie en général, c'est autour de ces trucs-là. C'est l'actualité autour de ça, elle est là. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rire de l'angoisse autour de ce sujet-là et d'apporter un... Non, mais gros, mais pour de vrai. Alors moi, alors peut-être tu trouves que j'arnaque, mais moi, au premier degré, j'estime que c'est notre discours sur l'écologie. Il est limité à ça. Et après, on renvoie sur des gens beaucoup plus sérieux qui parlent de ça, que ce soit Bormann Pan, mais que ce soit aussi, par exemple, même si eux, ils diront qu'ils font pas de l'écologie... Mais je... Oh, merci, oh là là, pas du ring! Pas du string! Qui raid ce stream? Comment ça va, pas du ring? On est en radio libre. On nous reproche d'être pas assez écolo. Mais ouais, on dit qu'on est les plus grands. Pas du ring, est-ce que t'es dans le magazine de Bégodeau, toi? Non, tu n'y es pas, tu sais pourquoi? Parce que tu vis dans une cellule de prison, pas du ring. Oui? Je tiens à te le dire. Tu fais peur à tout le monde. Est-ce que t'es dans son magazine? Peut-être que si tu ne vivais pas dans un Crous à 45 ans. Tu serais considéré autrement, pas du ring, voilà mon avis. Mais merci tes câbles montre-lui les câbles ROD, comment ça se met. Voilà, regarde, regarde, je te montre un micro, regarde. Tu vois ça, là, les scratchs, tu vois à quoi ça sert, regarde. Ça permet de tendre le fil. Regarde à quoi ça sert. Le fil suit le pied de micro. Pas du ring. Pas du ring. Du coup, attends, je réponds au truc. Pardon, excuse-moi. Moi, je trouve que c'est plus malin de renvoyer sur Bormann-Pan pour ceux qui veulent les datas un peu écolo. Je vais faire, let's go. C'est plus malin de renvoyer sur Parole d'honneur pour ceux qui veulent un vrai discours anti-impérialiste qui, pour moi, désolé la fraude Europe Écologie Les Verts et René Dumont, hein, qui est censé être leur origine intellectuelle et le premier à le dire, il n'y a pas d'écologie sans... décolonialisme, sans anti-impérialisme. Du coup, moi, je préfère envoyer la parole d'honneur qui parleront très bien de ça et qui, d'ailleurs, ont fait des débats avec Aurélien Barraud, etc. Qui ont déjà fait des débats sur ce sujet, même si pareil. J'avais tout sauf le Barraud en écoutant ce débat de merde, mais oui. C'est pas leur spécialité et que nous, par contre, là où je pense qu'on a une force, c'est sur comment on parle de ça, sur les jugements esthétiques, sur le rire aussi, l'anxiété, l'éco-anxiété. Moi, j'estime qu'un des. Notre véritable sujet, c'est pour ça que j'ai tout le temps, j'ai fait un film sur ça. C'est que le véritable sujet qu'on peut traiter, c'est l'éco-anxiété. Du coup, moi, je le traite un peu en considérant l'éco-anxiété des gens et rase en s'en battant les couilles. Est-ce que ça répond à ta question? Vas-y, critique-nous. Oui. Voilà. En vrai, dans l'ensemble, je vois votre posture, on va dire. Surtout que bah, c'est un débat technique de l'enfer où il faut où les gens qui sont réellement conséquents dessus, c'est des gens qui ont consacré des années. Mais du coup, j'en profite parce que c'est dans le thème de la soirée. Parce que Bégodeau avait aussi dit, me semble-t-il, dans le cadre de l'échange avec Zioclo, mais peut-être que je confonds avec un autre récent, il avait parlé sur l'écologie, justement, il disait, je pense que c'est de là, que c'est là que se trouve, autour de ce sujet, la possibilité révolutionnaire, ou je vais le paraphraser mal, ça va modifier son propos. Ouais, mais vas-y, essaye quand même. Principal sujet sur lequel on a une capacité réelle à mobiliser à grande échelle à gauche, parce que globalement, personne ne peut réellement ignorer ce truc-là, et que c'est celui où l'option ou le discours de gauche est le plus facilement audible par beaucoup de gens, en fait. Qu'est-ce que vous pensez de ce truc-là? Oui, c'est pas faux. Bah, la preuve, hein, Baxit. Oui.
C'est que, mais alors, et c'est la question moi que je trouve que justement il posait. Ouais, voilà, exactement. Je trouve que la question qu'il posait à Aurélien Barreau, Wissam avec lequel Aurélien Barreau était d'accord aussi, qui est parfois aussi, c'est aussi le meilleur vernis greenwashé parce que ça permet à des gens de parler d'écologie pour pas parler de capitalisme, pour pas parler d'impérialisme. Tu vois, et la question de Wissam c'était un peu oui bon. Du coup, demain on trouve une solution technique à ce problème-là et on a l'impression qu'ils vont du coup dire oui, on garde ce système inégal, injuste, cette répartition par classe, etc. On garde tout ça. Donc ça, il y a ça, mais c'est vrai que là, c'est rentré vraiment du coup dans le discours militant, mais sur une base plus simple, beaucoup de gens, je pense que là, peuvent rentrer facilement dans ce truc-là et se dire « Ouais, c'est vrai, il faut faire un truc pour la planète. » Et la gauche, on pourra se dire « On a été les premiers à essayer d'en parler. » Sauf que du coup, si on va au bout de la logique, ça privilégie Europe Écologie Les Verts, qui n'arrêtent pas de dire que justement, eux, c'est les premiers à en parler. Et là où il y a des contre-arguments à ça aujourd'hui, bah, c'est les positions Hugo Clément, c'est-à-dire l'extrême droite qui commence à s'y mettre, tu vois. Et qui dit qu'il faut en parler avec tout le monde, c'est tellement universel que même les fachos, il vaut mieux qu'Hitler soit écolo, quoi. Ce qui est un peu l'argument Hugo Clément, je crois pas que je me trompe en disant ça, hein. Tu vois. Ouais. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faudrait des militants écolos probablement plus efficaces. Mais ce qui est difficile, c'est que plus que... déjà tous les sujets de gauche pour moi, c'est soit t'es dans le dooming, à t'en vouloir, à machin, à regretter, à être en mode « Oh, ça va trop loin, c'est trop triste, j'ai envie de mourir, ce monde part en couille, blablabla. » C'est déjà ça avec la classe sociale, avec le capitalisme, avec trop de trucs, l'écologie. Je trouve que c'est ça à fond. Et ceux qui ont des discours un peu positifs, qui essayent d'avoir des discours positifs, bah, c'est l'esthétique Sarwell, Banwampan, « Je vais vivre au camping, faire mes légumes, pauvre Banwampan. » C'est pas du tout son esthétique. Mais tu vois, et moi, je pense qu'il y a eu aussi, on se paye un peu les conséquences des discours désastreux collapsologues, tu vois. Ouais. Les mecs en mode Pablo Sévigne, on est tous finito, on va tous mourir, on s'en bat les couilles, les gens, machin. Et qu'aujourd'hui, ça crée des rases qui sont en mode j'ai une vie à vivre, je vais plutôt lire des BD sur Ferdinand Céline, là. Ferdinand Céline, et je vais m'en battre les couilles. Regarde-le. Ah, quoi ? Ah, pardon. En tout cas, t'aimes bien les BD fachos, toi, hein. Pas que. Alors moi je joue à Animal Crossing au moins, je suis un peu plus safe quoi. Ouais, super, ouais. Bon. Bon, c'est bon l'écologie là, ça le fait ? Salut les connards ! Ouais, ouais. Ah merci. Mais non, mais après moi en fait je le comprends. Gros, je le comprends de ouf. Mais moi cette critique je la trouve pas si juste, hein. Selon les analystes du web, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus quoi ? Des personnes atteintes. Puis on n'est pas spécialiste. Une fois on a parlé viteuf de nucléaire, c'est pendant 850 tweets. On a été dans des boucles de zététiciens qui se faisaient des contre-uno, les pro-nucléaires qui disaient que du coup on avait été anti-nucléaire et qu'on est complètement con. Sachant qu'avec Raz, je pense qu'on peut se définir un peu. Moi, je suis pro-nucléaire de fou, moi. On suit la vague, on sait pas trop pourquoi, mais on est pro-nuke, quoi, parce que globalement, on nous a convaincus de ça et on sait pas trop pourquoi. Et derrière, des gens qui. Des anti-nucléaires qui nous ont tagués, bah, c'est trop, en fait. Et tu sens aussi les débats insupportables, permaculture, je sais pas quoi. Honnêtement, on n'y connaît que dalle, quoi. Ah ouais, ça aussi, quoi. Oui, oui. Les fermes, la ferme vivante, là. Oui, allez. Hein. Et regarde ouais, comment le chat s'emmerde. J'avais surtout un trauma d'un live précédent où c'était vraiment désastreux, mais en vrai, le discours est beaucoup plus audible comme ça. Et c'est... Non, je trouve ça tient la route, moi. Oh, mais t'es dur. Raze. Ah, c'est son plaisir, il est trop heureux. Il veut juste prouter, quoi. Non, mais je suis d'accord avec vous, qu'est-ce que je dise de plus, hein, l'écologie, oui. Globalement, finito. Donc, il y a des steaks. Oh, mais non. Faites ce que vous voulez. Hein. Quoi ? En plus, ça, je le pense premier degré. Oui, non, j'ai mangé tout un barbecue maman. Aujourd'hui, c'était très bon. Ah, t'as mangé un quoi ? Écologiste ah, voilà. Du bon côté. T'as mangé quoi ? Côtelette de porc, poulet, saucisse, oh, classique. Mais attends, non mais le mec mange pas de la viande. C'était en famille en même temps. Oh, j'ai trop envie. Ah, oh, c'est trop bien. Toutes les viandes avec des petits champignons de Paris au grill là, banger. Ah oh, oui. Mmh, bah super, et tu viens nous faire la leçon sur l'écologie. Bah voilà pourquoi j'aime pas les écolos. Vous êtes des putains d'hypocrites. Non, sans je Rousseau, elle parle raison. Des barbecues, elle mange de la viande. C'est bon, ça dégage. Hein. Grosse côte de porc, grosse saucisse là. Bon.
Ouais, bon bah merci à toi en tout cas. Oui, non mais je pense là t'as eu la réponse par Dany, c'est bon là, ça suffit, j'ai rien à rajouter. Ah oui, c'est moi, qu'il faut là, bien répondre. Il y en a un de... putain de gueule, espèce de débile. Voilà. Il y en a un dans le chat qui a dit faut apporter la nuance au Pablo Servigne Manteau, ça va deux minutes. Moi, je pense que c'est ça notre position. Voilà, c'est la bonne conclusion. On peut rien faire d'autre que faire rire. De toute façon, le vu, à chaque fois, va nous dire regardez, ça crame ici, ça brûle là, il y a ça qui fond. Et avec Raz, on dira ah, mais non, mais peut-être que si on prend une clim. De... Moi, le moment clim de transfert, ça reste pour moi le moment où Raz a eu un discours sur l'écologie. Il ne faudra jamais en attendre plus. Pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'on peut enlever la chaleur de la France et la mettre en Alsace. Avec une clim de transfert. Ouais. Je ferai un schéma. Ah bah tiens, il y a un pseudo qui s'appelle Alsace. Oh, c'est Alsace, ça va être un désastre. Vas-y, merci, lecteur. Merci beaucoup, lecteur. C'est désastreux. Yes, yes. Merci, bonne soirée merci à vous. Animal, lecteur, et merci, assassin. Merci pour la question, en vrai, parce que moi, je trouve qu'il y a, tu sais, des fois, on est tellement à un degré 5 en vrai sur ce sujet-là que je pense qu'on n'est pas toujours compris. Donc, désolé d'avoir été chiant, mais il faut bien préciser. Ouais. Après, c'est une critique qui revient. Alors, Alsace, gros, Alsace, ça va être inguessable, on va rien comprendre. Mais justement, ça va être trop bizarre. Alsace. Alors, vas-y, alors la disaster alors, class. Are you from Strasbourg? Allô? Ria, les Allemands? Oui, des Allemands, c'est ça, d'accord. Ici, non, c'est Frank Reich. From Frank Reich. Oui. Tu parles très bien français sans accent. Ça tombe bien, je vais parler de germanophobie. Ah, je suis d'accord non. avec vous. Oh, mais voilà. Ils ont bien mérité. Néanmoins, je pense qu'on a un autre ennemi. C'est l'Italie. Pourquoi? Pourquoi? Parce attention, que... Dany est italien. Je m'en fiche. Moi, je vais t'expliquer avec des faits. Les Allemands, ils sont vieux. Donc, la pervitine, c'est fini. Ils pourront plus faire la Blitzkrieg et venir nous envahir. Par contre, les Italiens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont plus de bébés que les Allemands. Parce que les Allemands, ils sont vieux, ils font plus de bébés, ils sont déprimés. Et les Italiens, ils sont ils ont beaux même gosses, les Italiens, c'est vrai, t'as raison. Tu m'as rappelé qu'ils sont beaux gosses. Du coup, ils baisent. Oui, mais ils baissent trop. Bah ouais, bah... Et surtout, attends, t'es en train de dire Mussolini est en train de revenir, là. On ne peut rien, si on est beau, la pizza, la mozzarella... Vous revient en Italie. Et le problème aussi, c'est que la cuisine italienne, vous avez des bons produits, mais vous n'avez pas cuisiné. C'est que vous prenez trois produits. Ça, c'est vrai. Genre, la cuisine italienne surcotée, ça va. Vous avez pris un bout de pain, vous avez mis deux bouts de tomates et du fromage. C'est bon, quoi. Non, mais d'accord, c'est un aliment de base. Je veux dire, mère, la seule victoire des Italiens, c'est d'avoir fait les pâtes, le truc que tout le monde mange Adente. En mode... Bah, oui. Quelle est la phrase sur les pâtes? Allez. Oh non, je vais encore manger des pâtes. Voilà la gastronomie italienne, c'est genre... Et oh, c'est quoi la phrase qui vient pâtes. Après? J'aurais préféré une pizza. Va te faire enculer, sale chien. Bah, après, même les pizzas, en France, on en mange beaucoup. On en mange tous les Italiens. Comme quoi, on fait mieux qu'eux. Bah oui, les pizzas françaises sont meilleures, réelles, ça. Bah oui. Même si j'ai jamais mangé une pizza en Italie de ma vie. Ah mais c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, être français, à moitié français, à moitié italien, c'est... Mais t'es coup, pas italien, t'es à moitié français, la à moitié génétique plouc. Golden européenne, bien sûr, bien sûr quoi. Que je suis d'accord avec vous. Voilà, mais t'es un fasciste. Mais t'es blanc, comment tu peux être italien? T'es même pas assez bronzé. Ils sont blancs les Italiens. Bah oui, on dirait zéro un italien. Non, les Italiens, ils sont pas comme toi, ils sont... Les envahisseurs d'Italie, oui, donc les mecs un peu chelous. Alors, j'ai quelques photos à vous partager sur ma famille. Oh non. Voilà, vous évitez ça, vous vous taisez. Hein. Non, mais comme vous êtes un peu des clowns du cercle, moi je me dis, autant faire passer par l'humour un peu une opposition face à l'Italie. En attendant, l'Alsace, elle a été allemande. Hein. Elle n'a pas été. Voilà, c'est, ça, ça, by the way. Ah, mais l'Alsace, on a fait le choix. On est avec vous, on est avec la France. Non, les vous n'êtes pas avec nous. Sont trop bizarres. Non, vous n'avez pas fait le choix. Non, mais arrêtez, vous parlez allemand, tous vos noms de rue sont en allemand. Vous mais mangez non, de la Strasbourg. Flammenkirch à Strasbourg, Archia. Il y a des croix gammées dans mes églises, Archia. T'as juste ça, on a un meilleur régime de sécu. Voilà, c'est tout. Donc on a fait là mieux là, que oui, faites-vous rembourser vos lunettes, allez vous faire enculer, c'est bon, ça va. La vérité, selon les analystes du web, santé, c'est la douce odeur du faquin, le type qui parle d'un sujet qui ne connaît pas les personnes atteintes d'autisme. Bon, en tout cas, on est d'accord. Merci, Alsace. Les pâtes, l'huile d'olive. C'était pas si désastreux, je m'attendais à pire. Mais non, mais ça va, je suis intéressant. Ouais, c'est ça, ouais. Ça reste à prouver. Hein. Et en attendant, dans tous les trucs du monde actuellement, cuisine italienne est top 1. Oui, mais si c'est. Oui, après il y a les États-Unis en top 2, super. Allez, ferme ta gueule. Moi, je serais d'accord qu'en top 1, on met France. Hein, mais... autre que français pour la cuisine. Non, mais moi, je top 1 France, bien sûr, mais l'Italie n'est pas en reste. Mais c'est juste, vous êtes mais vous n'avez pas le bon mélange. Raz, il s'est fait à moitié enfanté par des nazis. De toute façon, il est à moitié allemand. Regarde, il est blond aux yeux bleus parce qu'il est Normandie. Bah non, Raz, c'est un viking.
C'est voilà, pas un nazi. Non, c'est voilà, pas un viking. Non, voilà, pas du tout. Rien à voir entre les vikings et les nazis. En vrai, de toute façon, c'est la perfide Albion qui a frappé sa famille, j'en suis sûr. Ouais. La Normandie, le Royaume-Uni. C'est plus possible c'est bon. Déjà. Déjà, ça, c'est un peu plus possible déjà. Mais voilà, bah, toi, t'es allemand, quelqu'un... donc toi, je te parle pas. Moi, ouais, je vous dis, intéressez-vous à l'Italie et critiquez un peu parce que. En plus, elle est bizarre, on n'a jamais donné la tête bizarre. Mais on a Mario, nous, hein. En attendant. Super. Mais arrête de dire italien, toi. T'es tout sauf italien. Oh, t'y as jamais mis les pieds. Si, j'ai mangé une pizza sur une aire d'autoroute une fois. Oh, super. Super. Tous les mardis, je suis italien alors. Super. Après, j'y peux rien. Ma mère est italienne, j'y peux rien. Oui, ma mère, elle aussi, elle est cabine. Voilà. Ah, là, t'as perdu, Dani, c'est vrai. Alors. Ah bon, pourquoi? Bah parce que c'est pas parce que ta daronne est italienne que t'es italien. Bah j'ai du sang italien. J'ai mon sang sans sang l'huile d'olive. Mes croûtes de pied ont un goût de parmesan. Bien sûr. Si j'étais un rappeur, je ferais la moitié de mes phases là-dessus parce que j'aurais honte d'être blanc. Ah ok, PLK. Ok, bon, c'est merci toujours mieux que de bientôt. Parler nazi. Merci, merci la Alsace et les Allemands, ouais. Au revoir. Non mais en vrai, moi je veux bien qu'on garantisse de l'Allemagne, c'est les BMW. Mais non, on continue. Oh non, il y en a marre. Un dernier. Oh, et gros, un ça dernier. Je suis sûr que ça va être éclaté, ce que t'as forcé. Un dernier. Vivou. Voilà, oui, bonjour. Ah, t'avais pas le micro la dernière fois déjà. 5. 5. 4. 4. 3. 2. 1. C'est parti, on prend Sof. Sof, allô, ça va? Sasuke? Uchiwa? Ouais, allô? Allô? Ouais, allô? Ça va quoi, les gars? Ça va, tranquille. Ouais, j'avais un sujet là? Bah fais ce non, que mais tu veux, t'es pris en radio libre. Non, mais tu viens parler, non, tu sais pas ce que tu as à dire. Non, c'est. Je voulais vous parler de. Enfin, en fait, je voulais vous. C'est une catastrophe. On dirait un stream de Pazou. Comment c'est pas si d'Azimi. Allô? Arrêtez, vous faites rire, les gars, c'est pas possible. Gros. Bah. Non, en fait, non, en fait, non. Mais pas, oui, on va arrêter. Pardon, les gars, pardon, gros. arrêtez, par pitié, arrêtez. Vas-y, j'arrête ça, vas-y. Allez, 1, 2, 3. 2, 3. J'aimerais vous demander votre avis par rapport à la théorie du complot et ce que ça peut apporter dans la politique en général. Eh bah écoute, c'était un plaisir de t'avoir connu, sauf... C'était vraiment... Mais non, mais c'est... T'amènes le sujet, le pire sujet en dernier, et voilà le problème avec vous. Mais pourquoi? T'as un sujet pour réfléchir. Mais... Ah oui, et puis là... En vrai, j'avais un autre sujet plus simple, mais c'est encore par rapport aux jeux vidéo. Bah, vas-y, propose, on choisit. Vas-y, la stigmatisation des pauvres joueurs. C'est par exemple pardon le cliché c'est le ben là tout à l'heure vous avez eu un joueur de LOL et vous avez commencé à raccrocher. Pourquoi tu joues à LOL? Ben pas à LOL mais Riot du coup il a développé Valo et c'est pareil, je joue à Valo. Mais pareil du coup. C'est pas le même style jeu. Ah ouais. Et donc le complot c'est qu'on a alors attends, donc ton histoire de complot c'est qu'on a raccroché aux joueurs de LOL et aux joueurs de Valo. Parce qu'il joue à des jeux de pauvres. Mais non, la théorie du complot, ça n'a rien à voir. Bah moi, non, à la mais, base, si, mais là, c'est ta théorie du complot, là, sur le jeu vidéo. On fait les deux sujets. Mais oui. Non, je voulais vous dire juste que vous avez été un peu méchant avec lui, quoi, parce que, enfin... Ah, tu t'as reconnu en tant que joueur de LOL, ça t'a blessé, enfin... T'es quel rang sur Valorant? Je suis bronze 3. voilà, gros. Pardon. Tu ta vie à jouer à Valorant, t'es bronze, gros. C'est dur. Non, mais je suis bronze. Non, mais les gars. Non, en vrai, faut connaître un peu avec du jeu et tout. Et comme en vrai, j'ai commencé le jeu super tôt, je suis dans un élo avec des joueurs un peu forts. Non, mais il me sort la rime. Attends, t'es en train de me dire que t'es en bronze. Il dit qu'il joue depuis le début. Attends, il en vous rendez compte de ce qu'il a dit? Il a dit, je suis en non, bronze, mais c'est je suis dans le bronze d'effort. Non, mais c'est. Non, mais. En fait, si vous voulez, oui, vous avez les ranks et après vous avez les lots. Et genre, les ça, lots, c'est les théories de complot. Non, mais. Ah, ok, ça, c'est la MMR. Vous jouez avec des gold 3, les gars. T'as MMR caché, machin. Oui, allez. Oui, refais un compte. Refais un compte, tu vas être bronze. C'est bizarre. Vas-y, refais un compte. Je refais un compte, je suis gold 3 minimum. Vas-y. Mais c'est pas ouf, gros. Voir P1. Allez. Gold 3, ça commence à être bien. Oh là, je suis mort. Ah oui, déjà, flex cette gold 3, déjà catastrophe. Et genre là, t'es bronze pour l'instant.
Bah ouais. C'est vrai, en vrai, tu joues depuis le début, rappelle, tu ne joues pas depuis hier, tu joues depuis le début. Oui, en plus, ça veut dire que tu devrais être fort au jeu. Non, bah, après, j'ai pas rush toute ma vie, quoi. Ouais. Tu joues tous les jours ou pas? Non, pas du tout. C'est pour ça. Ouais. Wouah, l'odeur. GTA RP, vous en pensez quoi? GTA RP, incroyable. Après, faut y jouer 5 jours et plus jamais y retoucher pendant longtemps parce que sinon, c'est insupportable, quoi. Ah ouais, carrément. Mais sinon, c'est rigolo. Bah, je sais pas, genre. Non, après, ils ont. Bah, nous, on avait fait des streams sur GTA RP, c'était vraiment gaulerie. Mais déjà, faut trouver un serveur où les gens sont gauleries, sinon, c'est insupportable parce qu'ils sont pas drôles. Et sinon, c'est bien, quoi. Non, on a rencontré Otag grâce à ça. Ouais. Otag. Otag, ouais. Otag, ouais. C'est un graffeur. C'est un graffeur connu. Non. Otak, c'est pas joueur Call of Duty Pro? Non, c'est un autre. Si, non, c'est, non, si, c'est lui, gros. Ah merde! Enfin voilà, bah écoute, très bien ta théorie du complot. Mais... donc il y a un LOL, c'est pas parce que t'es mauvais, c'est la faute de Call of Duty. Voilà, et voilà, complot, à quoi ça sert? Ça te sert à essayer de te faire croire que t'as un MMR caché. Hein. Non, ça c'est de réalité. Non, ça c'est de réalité, ça c'était prouvé. Ça. Prouvé par qui? Par une vidéo que t'as vue d'un gars qui est stuck platine? Non, par mes potes et tout. Ils avaient quoi? Ils étaient les deux, ils ont recréé un compte, maintenant il est mode 3 poteau. Quoi? Et c'est absolument réel. Genre, en mode, il était stuck P2, P1, et genre, en mode, il a recréé un compte, maintenant il stuck IMO 2 et il a piqué IMO 3. Ouais, mais c'est pas non plus si incroyable. Si, IMO 3, ça. Bah, IMO 2, IMO 3, les gars, en vrai, c'est pas si mal par rapport au platine. Oui, mais. Non, mais. Et toi, pourquoi tu l'as pas fait? Parce que j'ai vraiment eu la flemme en vrai. C'est vraiment un jeu où en vrai faut pas se laver en vrai. Ah. Wow, c'est vrai, mais. Bon, allez, mais on va. Oui, mais il était pas bon, voilà. Mais écoute, ça, en tout cas, le chat décidera. Voilà. A l'air d'avoir décidé de ton sort. Mais en vrai, les théories du complot, l'intérêt, on en parle des fois en stream en vrai de vrai. Mais là, trop long là. Oui. Bon, on a parlé de Soral, il y a putain de. On en a. En vrai, quoi, ce soir même, Valorant, on en a parlé. Tu perdais. Tu jouais à Valorant, t'écoutais pas, t'étais en train de feed sur Valorant comme une merde. À rater tous tes shoots. À prendre les duels alors qu'il faut pas. Bah oui. C'est grave. Bah oui. C'est grave. Bon, ouais, en tout cas, bonne chance sur Bronze 2 qui joue depuis le début. Allez, oui. À bientôt. Merci. À bientôt. Ah, mais elle était bien cette radio libre en vrai. C'était très bien. C'était cool. Et bien le format comme ça. Moi, j'ai bien aimé. Tu vois, il y a la conf. Ah oui, j'aurais pu conseiller la conf. Oui. On a été dur. Moi, c'est bien. Moi, je lui enverrai. Tu vois, je le savais. Il faut pas les garder longtemps. Il faut les presser. Il faut prendre du plaisir. En vrai, il était bien. On en refera, non? Ouais, on en refera. Ouais. Faites-en une fois par mois. Non, mais ouais, on verra. En vrai, de temps en temps, sympa. Non, mais après, Radio Libre, c'est bien. De toute façon, les Radio Libres, vous pouvez parler 12 heures de politique, ça existe. Vous avez Zioclo, Kali, Damon, je ne sais combien d'autres. Bad Mulch. Voilà, vous avez que ça. Ici, on fera Radio Libre rapide. Vous venez, on vous insulte. Une fois par semaine, efficace. Une fois par jour, une fois par heure. Oh non, mais après, vous avez venu en Radio Libre pour dire que vous en avez marre des Radio Libres. Hein. Réel, ça. Un dernier, Raz? Non. J'ai trop faim. Ouais. Bon, allez, adieu les amis. Ouais, merci les gens, en vrai. À bientôt. Sûrement demain pour rien, on voit. C'est pas clair encore. Ils en veulent un dernier, gros. Non. C'est... Mais bien sûr, ils vont vouloir un dernier à chaque fois. Ferme ta gueule. C'est bon, on se casse. Allez, adieu. Attends, avant de quitter, est-ce que tu peux me... Tu sais, genre, me faire un son qui pourrait iconiser... ce qu'a représenté ce live, tu vois, j'ai pas une idée comme ça, genre, surprends-moi. Dany et Raz sont-ils des butins de guerre? Oui, mais c'est des petits butins de guerre. Ah non, il manquait la touche finale, recommence. Dany et Raz sont-ils des butins de guerre? Oui, mais c'est des petits butins de guerre.